Salut, salut. My name. Comment vas-tu? Oh, voilà. Alors récompense activée sur la chaîne, c'est quoi ces conneries? Y'a pas de raison, on peut pas s'abonner. Allez, hop, ferme ça. Voilà. Un truc bizarre qui s'affiche sur cette chaîne. Est-ce que le son passe correctement, My Name Is Metal? Dis-moi tout. Ah, t'es dans le champ, on te il voit bien. Mon... Non, ton micro, micro il peut ouvrir ah. un deux. Tiens, voilà, ah c'est bon. Coucou. Voilà, là ça va marcher. Le son passe. Et pour Agnès, vas-y Agnès, dis des trucs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bah oui. Bah écoute, 1, 2, 3. Salut Thomas, comment vas-tu Est-ce qu'on voit bien ma petite araignée Je pense qu'on la voit pas mal, oui. Salut Sarah <laughs> Et aussi en l'honneur de ces araignées. qui est pas là, mais <laughs> ah, c'est Angèle. Salut Angèle. Comment Salut Angèle. Toi, tu sais en l'honneur de qui j'ai mis une petite araignée. Bon, vous avez le temps d'aller vous faire couler oui, une, oui. une boisson chaude. Ouais, c'est ça, vous faire couler, vous faire chauffer euh, ouais. une boisson chaude. Vous faire couler un bain. Ouais. Vous allez voir Laurent, il est. Je ne suis pas pour <laughs> voilà. Donc, euh, ouais, installez-vous, peinard. J'ai ouais, euh, qu tout préparé. Bah, il ouais, euh, y a des machins. C'est un peu compliqué ce soir. Vous on verrez, on a. On a D'ailleurs, il faut que je vérifie que la cam passe bien. Ouais, ça a l'air de marcher. Parfait. Et j'ai prévu okay. aussi il ça. Ça, ça doit être le navigateur normalement. Est-ce que ça marche Oui, ça marche. Okay. Okay. Donc, Donc, tout a l'air de fonctionner à peu près bien. L'installation était un peu compliquée ce soir. On ouais, a, a, on a un... des livres qui sont un peu à manipuler, donc euh, un euh, bouquin un peu encombrant. Pas encombrant, mais si, 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 si. il est Il est super encombrant. Le bouquin. <laughs> Une fois ouvert, il fait deux mètres. Quand même. C est c est ça, en gros. fait, le bouquin, euh, c'est un bouquin avoir une vieille table de grand-mère chez soi des euh, bien longue table ouais. à hop, hop ça fonctionne ok <laughs> bon, pour l'instant vous voyez que moi <laughs> c'est un peu nul c'est pas changé parce non, que non, non, on non. voit toi mais tu peux aller vaquer à tes occupations pendant oui, quelques oui, minutes tu si veux peux aller euh... tu peux vaquer euh, voyons je sais pas oh j'ai fait un oh, j'ai okay. récupéré le son de ça mais j'ai pas mis en Enfin, on en parlera vaguement mais euh, ouais, je sais pas si on écoute. Euh... Salut Minamia Salut Est-ce qu'on a vu ce, ton message à propos des éditions du sabot euh, bah non. Pas non ça tout. me dit rien. Euh, pour l'instant je suis juste euh, ouais, en, en termes de message sur le projet de Julie et la visite à la comment à la tapisserie d'Angers. Il faut déjà que je l'appelle, que j'essaie de me caler euh, l'esprit pour aborder la question. Qu'est-ce que c'est que ce message à propos des éditions de, édition de Savo C'est sur l'Insta que tu as mis ça L'Insta de PCCBA ou bande dessinée C'est de l'eau chaude qui restait dans la thermos ou euh, elle a été euh, mise à chauffer euh, pour l'occasion non, mise à chauffé pour le cœur. Ah ouais, on va aller passer Le pot est, est chaud. Salut Mandrake. Comment vas-tu Mandrake Magician. C'est quoi qu'on voit en bas là euh... Qu'on voit en bas. Ah, Je sais là. pas ce que tu me dis. C'est quoi Bah, dans l'écran. Dans l'écran. passer bah, le chat. Ah oui, il mord un peu. Non, mais il... Il... le chat, mais en dessous, c'est quoi Ça représente quoi En dessous, ça Je comprends pas ta question en fait. Cette chose-là, c'est quoi Tu parles de quoi voilà. Ah, mais c'est une bibliothèque Tu vois pas que c'est une bibliothèque Ah, regarde, si, si on vire tout, si, imagine, on enlève tout, voilà, hop, qu'est-ce qu'on voit Ah Bah oui, c'est une bibliothèque <laughs> Salut Karl Kraus Oui, il lance sa bande dessinée, il lance une collection BD, tu pensais qu'Agnès pourrait y proposer sa bande dessinée Ok, bah super, on va voir ça, génial Très très bien. Les éditions du sabot, c'est euh, la vieille revue euh, politique euh, mao euh, que, qui existait sous forme photocopiée, le sabot, euh, dans les années euh, tout début 2000, euh, c'est ça Est-ce que c'est ça Pour moi c'est ça le sabot, hein. c'est vraiment associé à ça. Salut Zéthormatique Eh regarde Suze, en ton honneur, j'ai mis une petite araignée. Une grosse araignée. Hein. Pareil. S'il si, y avait une araignée <laughs> comme ça dans cette maison, euh, <laughs> franchement... Euh... Une araignée sur au plafond, pour ceux qui doutaient encore. C'est ça pour ceux qui doutaient. Ouais, Agnès a littéralement une araignée au plafond. Ouais, voilà. <rire> 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 Vraiment, j'ai pensé à toi. <laughs> non. Alors, combien de temps il reste Ah, deux minutes encore. Okay. Ouais, t'as le temps de vaquer à des dernières préparations, euh, il y a des choses que tu as oubliées. Est-ce que oublié. j'ai le temps d'aller manger un biscuit Un hein biscuit, ça c'est une bonne idée, un biscuit. Ouais, ouais, à la boîte à, à côté. Euh, ouais, c'est le moment biscuit. Manger. Moment biscuit, un peu de sucre. On a beaucoup de choses à vous montrer. Ok, merci ouais. Angèle pour le lien. Je colle ça.

pas rien non non, non. <laughs> Laurent à la bouche pleine il va nous lire mon échar exactement on va on va commencer alors c'est quoi Bibi, a dit Marcos là d'abord Ah c'est des romans, bah, c'est normal que je connaisse pas Queer, moi ah, je lis pas de roman donc je connais pas du tout. D'accord, donc <laughs> si elle a écrit genre quoi que ce soit hein, après 2000, euh, ben, je la connais pas. <laughs> voilà, je ne connais pas Phoebe euh, Adi Marcos Clark, <rire> <rire> pas du tout parce que je suis vieux, mais parce que je lis pas de roman, ça n'a aucun rapport. Quel rapport entre mon âge et celui de mes lectures C'est absurde. Parce que depuis, euh, <laughs> disons 20 ans, tu lis plus ah, que des C'est ça, ça le rapport. Je... Ben, je lis plus de romans, c'est tout. Ben, ça, je pourrais ça. très bien avoir euh, 20 ans. Et ne jamais lire de romans. Ça n'a aucun rapport. Préjugé madame. Alors. Bon bah. Ben, bah ben, oui, c'est la. Les -bas. gens sont là. Ils sont là, bah ben, nous aussi on est là. Ah Laura est pas dans le ah, je champ. Je suis pas dans le champ. J'étais censé être dans le champ. Mais bah, attendez, je vais pas. J'ai un... pris toute la place. Non, mais t'es bien. Mets-toi là. Attends, je vais me mettre bien là. Voilà. Effectivement, il y a un petit, une petite. Ah. Mais... Un petit décalage. Ouais. Voilà, J'étais censé être bien dans le champ, mais c'est raté. Ah bah mince. D'accord. Une as plein collection de, de BD. Ah bah oui, c'est vrai. On voit pas que j'ai plein de sequins. J'ai mis plein de beau sequins. Ces beaux sequins. Regardez mmh, c'est beau sequins. oui, beau sequins. Bon, écoutez, je vais corriger le tir rapidement pour qu'on ait quand même l'impression de se causer. Alors, c'est laquelle caméra C'est celle-ci. Comme j'ai fait le, comment les réglages avant l'arrivée d'Agnès, c'était compliqué. Une euh... façon élégante de dire que je suis toujours en retard. Une façon élégante de dire que tu quoi que tu étais pas spécialement en retard aujourd'hui. Tu vois, c'était hop, voilà. Là, ça a l'air de fonctionner. Hop. Là, on va avoir l'impression de se parler. Coucou. Ouais, salut. Ça va ouais. <laughs> <laughs> okay. En fait, on est collé. Ouais, en fait, on est côte à côte. Ouais, voilà. Euh... voilà. Ok. Tout n'est qu'une illusion. Bonsoir à <laughs> tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, c'est un on débat. Alors je regarderai régulièrement dans l'angle en haut à gauche, tout simplement, parce que c'est là que se trouve le chat. Euh... Ouais, donc on regarde là. Ouais, il y a une projection sur un, un écran, enfin sur le mur. C'est le seul moyen pour nous d'avoir le chat en même temps. C'est d'avoir fait une projection sur le mur au fond. Salut Apothéose, pour Salut. pouvoir Salut. voir le chat. Salut Donio. Donc ce soir, comme souvent, ben, on vous fait une petite soirée, une petite revue des, des découvertes ouais. de Fanzine et puis petite, des choses. Euh... Elle est pas petite, il hein ah, si, bah, y, a, y a beaucoup de choses là, je pense. Hein. Et, comme qui dirait une sorte de caisse. Une grosse caisse, ouais. Ouais, y a une sorte de caisse de foinsine. Entre euh, bon, on va commencer comme d'habitude par ceux qui ont été produits à la maison, auxquels Agnès n'a pas participé non, cette fois-ci, parce qu'elle branle, qu branle rien, ou plutôt elle passe son temps à aller chanter, donc évidemment on peut il pas, y pas dire que... Il a avec une araignée. Il a avec une araignée. Là, je ne la vois pas beaucoup à l'atelier de scénographie cet an dernier. Donc, il y, y a eu un coup de main pour la couture quand même sur le dernier. Ouais, ouais. j'ai fait, fait un point. <laughs> T'as coutu au moins euh, 10 numéros, je pense. Mm -hmm. C'est pas mal, hein mm -hmm. Ouais. Il ouais. ne faut pas complètement je fais pas rien. rien. Mais c'est vrai que les deux derniers fonds d'île qui étaient à la maison, je n'ai rien fait du tout. Ouais. Zéro. Shame on you. J'étais soit en stage, soit euh, en concert. Soit en concert, soit en répétition. Bref, jamais là. Donc, euh, ce salut, soir, c'est un... On déballe... Pardon. C'est un haut débat avec plein de salons différents. Combien de ouais. salons Alors, il y a eu euh, le salon de Saint-Malo. Ah, le Wild ouais. a eu ah, Avant ça, il y a eu Substrate. Substrate Je crois que à l'Orient. Mm. Ouais. Donc, euh, Wild ça devait être au mois d'août. Il euh, y a eu ce petit salon euh, dans le jardin à Redon. Ah oui, Fanzine, avec euh, F. Powell. voilà. Euh, et Mais avec puis... un, un et avec à euh, haut ah, oh, comme un fond hein. ah un fond, fond, fond Zine ah, j'avais oublié le, le, fond. le nom ah, je ne sais pas faire le, le fond mais, euh, mais là on y croit Ouais. Euh, et puis, il y a eu euh, celui de, de Rennes qui s'appelait, je crois, Court-Circuit. Si je ne me suis pas trompé as-tu vérifié que c'était bien ça Oui, c'est ça, c'est okay. Court-Circuit. Et... Donc, je dirais quatre, quatre salons. C'est ça, quatre salons qu de et nos... des choses reçues dans nos euh, boîtes. Ah à oui, de, euh, les choses que vous avez la gentillesse de nous avoir envoyées. Bah oui, parce que ça, c'est chouette, vous faites ça assez souvent. Donc, euh, on a quatre salons euh, desquels on va vous présenter des choses. Il ah, y a eu le petit châtellerault aussi ah mais oui, j'oubliais le dernière date. Euh, édition, euh, les éditions adverses. Éditions illimitée, il s'appelait. Les, les éditions Adverses se sont associées avec l'Artothèque de Châtellerault. Et l'école d'art. Et l'école d'art, pour, euh, donc dans un lieu super, en plein centre de Châtellerault, vraiment bien. Sur euh, trois étages. Accueil euh, génial, on vous en parlera tout à l'heure, mais euh, un super accueil. Ouais. Et bah, pour une première édition, ça s'est pas mal passé du tout. On s'attendait à rien, on était vraiment venu par en soutien, quoi, pour dire bon. Bambi on s'en fout Oui, non mais laisse tomber. Ah oui l'autre fois as parlé de Bambi, hier c'est ça Ouais, il y a un problème récurrent avec Bambi, il va falloir faire quelque chose je crois. J'espère que c'est pas Bambi la personne trente pour vous parler. Non pas du Parce tout. Parce bah, elle on s'en fout pas. Mais Bambi le fond on bat <laughs> complètement euh, les steaks. Donc euh, je disais que Châtellerault en fait ça avait drainé pas mal de gens, enfin drainé, euh, déplacé pas mal de gens, il y avait peut-être trop de choses, on en parlera tout à l'heure. Il y avait peut-être trop de choses, donc les gens en prenaient plein les mirettes. Et ça, ça ne pousse pas à l'achat parce que les gens sont fatigués de leurs yeux. Ils n'en peuvent plus. Quand ils arrivaient au stand, salut Ragdou Autant dire qu'ils étaient un peu déchiquetés. Ouais, parfois même ils le disaient, c'est dire. Alors, c'était un festival un peu à part. D'une manière générale, chacun de ces salons avait un caractère assez différent. Euh, bon, on va pas vous faire une chronologie des salons. C'est-à-dire que le, la caisse, elle est en bordel total. Oui, on vous dira à chaque fois dans quel salon Donc, on a ouais. trouvé les trucs. Si on s'en souvient. Mais on va pas euh, vous montrer les fanzines, salon après salon, selon l'ordre euh, dans lequel nous avons participé à ces oui. salons. Parce qu'on n'a rien rangé, oui. en fait. Voilà. Alors, ah. on n'a pas acheté beaucoup de choses, en fait, parce que, par rapport à d'habitude, parce qu'un tout petit peu dans chaque salon. Mais parfois on vous fait des recensions après un seul salon parce qu'on a acheté plein de trucs. Ouais. Euh, là on peut dire que c'est un signe quand même, c'est qu'on n'a pas non plus... Euh flashé flashé sur plein de trucs dans tous les salons ou alors c'est parce qu'on les a beaucoup écumés qu'il y en avait beaucoup et que donc on avait déjà tout vu ou tout on avait peut-être déjà tout c'est ça quand il y a des innocents qui n'ont pas énormément renouvelé leur, leur production bah du coup on n'a rien pris parce qu'on avait déjà leur dernière production mais non ça va pas être si brouillon que ça on, on va, on va s'en sortir à peu près la petite araignée on, va nous surveiller on a fait en sorte que, que ce soit à peu près cohérent <laughs> Je pense que le, on va faire comme d'habitude, on va commencer par les, le cercle des proches. C'est-à-dire ce qui s'est fait dans cet atelier et ce que nous ont concocté euh, les proches. Donc euh, y a, là, je pense que tout est accessible. Nos proches, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, on va pouvoir entrer pas à pas dans le reste de notre pile de bordel. Euh, alors certains d'entre vous sont archi euh, productifs. C'est le cas de Samuel, Samuel Étienne, qui, qui doit faire euh, 40 fois une par <laughs> an. C'est tout à fait effrayant. <laughs> je, alors évidemment, comme, comme sa pratique n'est pas forcément très manuelle, ça dépend, il y a des choses qui demandent quand même un mm. petit, peu de, petit peu de travail technique et d'organisation éditoriale, C'est ce n'est pas rien, je ne sais pas comment il, il produit ça, s'il passe des soirées ensemble à coller les bazars, je ne vais pas demander comment il, comment il fabriquait comment ces bazars, mm. peut-être un jour on pourra en bon, parler. Vous avez déjà lui. montré euh, le grand truc de piquement là. Ouais, euh... ça. Donc on, on poursuit on les acquisitions à, à son stand, où se multiplient les expérimentations. On va commencer par les derniers zines maison. Bref. Oui. Alors, elle ah, est de mars. C'est moi. Donc le tout dernier, c'est ça. Il a fait un truc super marrant. C'est un bouquin hyper symétrique qui s'appelle Mani Mana. Mani euh, qui est le, le, le fondateur, le supposé fondateur du manichéisme, Mani ou Manes, comme vous voulez, et euh, Mana cette espèce de, de force euh, supposée euh, habité. Euh, euh, toute expression de la vie, bref, peu importe, c'était juste un prétexte pour avoir un, un concept euh, symétrique d'organisation à, à la fois du récit et de ce dont il parle, et aussi de matrice plastique, et une espèce d'insistance de, de, permanente sur le caractère double, dichotomique de, du récit. Euh, donc dans ce dispositif symétrique, vous avez à chaque fois une double page, ou sur la page de gauche en orange, vous avez euh, la, le montage en miroir, en le miroir. montage spéculaire hein, de ce qui se passe euh, ici. Plus vous avancez à l'intérieur du récit, qui commence avec une certaine légèreté, plus vous voyez se déployer un rapport d'opposition entre les choses décrites à gauche et à droite, même si tout vous ramène à un sentiment euh, légitime d'un même absolu, d'une mêmeté, d'une identité complète entre les, les, deux, euh, entre les deux territoires euh, arpentés. Et donc pas à pas, le, le bouquin va pas cesser comme ça de jouer sur sur cette euh, comment cette espèce de montage entre différence et, et identité. Et C'est soigné jusque dans les détails avec euh, ouais. un point orange, un point gris. Regardez-moi ça, voilà. même la, la reliure la... est un double point orange et gris. La paire également. de ciseaux qui est démantelée sur la couverture. C'est un voilà. livre express. L'idée m'en est venue euh, la nuit. Alors, une pièce de, de, de flash nocturne euh, avec une idée de composition et un sujet de bouquin. Et euh, je me suis jeté le lendemain même donc sur les matrices, créant les planches et euh, dans le même jet les typons. J'ai pris les deux jours qui suivaient comme les disait Louisa, à fabriquer ça en, en sérigraphie. Donc et trois hop. jours. Donc ah, voilà. Et typiquement. Et le dernier jour, on a <laughs> cousu. Voilà. Donc, aux éditions PCCBA, voilà. tu as eu une idée du prix que, que tu voulais mettre pour ce livre bah, bon. Vu le, le travail et l'intensité et le très petit nombre d'exemplaires. De, ah, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 30. Euh, je pense que je vais le vendre 12 balles. Si ça vous va, dites-moi. C'est un travail assez intense, mais si ça vous semble trop, bah, dites-moi également. Euh, qu c'est quand même de la sérigraphie, de le, passage. C'est du euh, matos. Il y a un, de la réflexion. ça c'est pas ça qu'on paye, mais c'est un peu cher à réaliser. Donc, euh, ça compte aussi. C'est un un papier assez épais, enfin bref, vous voyez les, les trucs. Alors, même Très si... joli petit bouquin. Dites-moi. Euh, euh, autre réalisation euh, de PCCBA récente, vous avez pu voir le petit film qui présentait ce truc-là. C'est un bouquin un peu aberrant. Euh, c'est pour ça qu'il est chouette. C'est un livre conçu avec euh, comment avec Loïc Largé, Alexandra Achard et Morgan, la compagne de, de Loïc, qui sont venus ici dans le, le, le désir. Euh, bah oui, il faut, faut me dire euh, si ça vous paraît bien, si ça vous paraît trop cher, si vous, si vous l'achèteriez à ce prix-là. Euh, la question du prix des poésies, c'est quelque chose que pas toujours facile à établir à la fois ça doit rester modeste parce que c'est des objets dont il est quand même assez bon qu'on se soucie que chacun puisse l'acquérir et à la fois il y a ce qu'il coûte à faire qui n'est pas rien en général et euh... Et aussi euh, l'espoir le, qu'avec l'argent qui rentre, bah, on puisse faire d'autres livres, puisque tel est le but du Fongina, évidemment. Non pas de ramasser du caillasson, mais plutôt de... Euh, le caillasson. C'est ça, d'utiliser le caillasson pour euh, maintenir une belle assiette économique de la, la petite maison et faire plein et plein et plein. Ce n'est pas 20 euros, j'ai jamais dit 20 euros, la... j'ai euh, proposé 12. Euh, 20, c'est cher, effectivement, oui. oui euh, ce serait trop. Enfin, ça dépend quel fanzine. Des fois, on va très loin dans le fanzine. Enfin, pour euh... cet objet-là. Ouais. Sinon, pour un fanzine, il y, y a des fanzines qui valent 30 ou 40 balles. Par exemple, on en a un qu'on va vous montrer ce soir, qu'on a payé 35 balles. Et honnêtement, il n'est pas cher du tout. C'est même un scandale planétaire. Un ouais. tel objet de ouais. devrait valoir le triple ouais. de ce prix-là. On vous le montrera. C'est un travail mais absolument incroyable. C'est une leçon de fanzine, pour le coup. On vous montrera ça. Bref. Euh, C'est ce qui était visé pourquoi Parce que vous vendez euh, les espaces liminaires euh, 20 balles, mais là par exemple c'est scandaleusement pas assez. Moi bon, on en reparlera. Hein, vous êtes des affreux. Donc ça c'est machin, s'appelle euh, montée descend. Et montée descend c'est un, un objet comment euh qu'on a réalisé sur la base d'une un, espèce de labo commun avec les oiseaux que je vous ai nommés. Et euh, l'idée, c'était de parvenir à, assez rapidement à faire un produit fini en pendant la toute petite semaine qu'ils allaient passer avec nous. Vous avez vu hein, le truc technique hein Il y a un zoom automatique. <laughs> Et, donc, monter-descend euh, a été conçu sur du calque, puisque c'est un truc sur lequel. Euh, euh, comment euh, Loïc et Alexandra avaient envie de réfléchir à, à la question de la, la suppression du recto et du verso, donc produire un certain embarras au moment du traitement recto-verso d'une page, en faisant que ces notions sortent à cause de ça que ces notions n'existent pas vraiment, puisque il euh, y a une, euh, un, un parasitage systématique de telle page par telle autre page, qui fait qu'on n'a jamais un réel accès. Euh, à, la à, à la page, elle est toujours interdite par l'autre côté. On a travaillé euh, avec une intelligence artificielle pour que chacun euh, ait exactement le même niveau de difficulté en termes de dessin, étant donné que Alessandra et Morgan ne dessinent pas, euh, contrairement à Loïc ou, ou moi. Et c'était chouette. On a pensé que que chacun se sente pas intimidé à l'idée de produire des dessins. Donc, euh, on a choisi un, un un motif central très simple, Mickey monte et descend des escaliers. Et par la suite, on a produit aussi des matrices d'autocollants euh, qui imprimées. sont également imprimées. Euh, et découpées. Et découpées, qu'on peut vous montrer de près. Voilà. Qui sont composées pas du tout de façon aléatoire, qui sont euh, calculées. Voilà, c'est ça. Donc on a fait un gros travail aussi sur la conception, dans les moindres détails, de la circulation de certaines, euh, certains objets comme ceci. Qui répond à cette espèce de contre-tache ici, qui est un faux revers d'autocollant. Bref, tout ça. Euh... Alors, est-ce que c'est Alexandra Il ouais. y a aussi Collection FF saison 1 que tu as chopé sur notre table. Oui, c'est ça. Il y a ça. un truc avec euh, la transparence et Mickey, justement aussi. Hein. C'était aussi sur Mickey Non, non c'est Collection FF, je crois que c'est leur, leur petit guide avec 10 petits fascicules. Ah, c'est ça. Mais sinon, ils avaient fait aussi un truc avec, euh, sur la transparence. Euh, déjà, à Angoulême l'année dernière, il y avait ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait, ce ouais. truc. Des petits euh, fascicules. Euh... Alors, euh, donc, <laughs> la finition s'est faite à la bombe. Hein. Euh, Rachel Marmont, c'est la combinaison de nos quatre noms, donc c'est l'autrice euh, de ce, ce montage. Effective. Et on n'a pas cessé de rencontrer des difficultés techniques qui venaient du fait que... Euh, comment... Euh, euh, qui venait du fait que il ben, y avait euh, des amateurs autour de moi et amateurs qui ne connaissent pas grand-chose. Donc on a enchaîné les conneries, ce qui était très ma marrant et à la fois déroutant, puisque à chaque fois qu'on pensait aller vers quelque chose, et ben, on allait ailleurs, euh, vu que le, ouais. le plan de montage euh, a subi quelques avanies, on a rencontré des accidents d'atelier, le calque n'arrêtait pas de se rouler sur lui-même, donc il fallait euh, trouver des solutions pour le maintenir à plat avec des jeux d'aimants, euh, pour les tenir étirés, et pour qu'il ne se... Bah, bah, qu se recroqueville pas sur lui-même. Hein. Ça, ça se mouille, ça se froisse, ça, euh, ça chauffe, il enfin, n'y ben, a, a rien qui va avec le C'est drôle. Et là, euh, on a eu un problème avec le, <laughs> le, le, le premier carton qu'on avait à la maison, on n'en avait pas assez finalement. Euh, Loïc est parti en coup de vent chercher une cartonnette euh, pas loin d'ici, c'est-à-dire quand même loin, à 20 km, qui est la, la première petite ville à côté, et il a dû composer avec ce qu'il trouvait. Résultat, cette chose-là qui devait être un papier découpé avec des trous partout. N'a pas été troué parce que tout simplement la découpeuse déchiquetait tout. Résultat, nous avons signifié de façon euh, comment euh, signalétique l'existence d'un hypothétique trou par l'impression de pointillés en lieu et place euh, de trou, ce qui fait que eh ben, euh, nous n'avons pas la couverture que nous avions rêvé pour ce truc, nous avons complètement autre chose. Voilà. Donc on en est là, euh, ce truc-là, donc euh, on n'en a pas tiré énormément, mais euh, bon, il, 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 comme c'est l'objet qui, qui déroute le plus les gens sur le les oui. salons, je pense qu'on va le traîner un bon moment. Oui, ne faut euh, pas que euh, tu t'inquiètes, voilà. euh, Angèle. Là, pas, il n'est pas près d'être écoulé. Il n'y en a Et pas bon. beaucoup, mais ça intéresse pas non plus foule de gens. <laughs> je pense qu'un truc pareil, on va le trimballer. Il faut encore. vraiment avoir des esthètes. Un bon moment. Mm. Voilà, voilà, c'est voilà. oui, c'est ça, ça fait un peu. Euh, collectionneur fou de, de notre amour. Fou, vous Alors, par quoi tu commencerais là Alors, on va poursuivre peut-être avec euh, notre ami, euh, comment. Euh, euh... Alors, son nom ah, d'artiste, c'est oui. La carte de Michard. Hein. Est-ce que... que je peux demander à quelqu'un, si oui. quelqu'un veut rester euh, un moment, de noter au fur et à mesure euh, les livres qu'on propose Non Ah, pour les avoir dans l'ordre. Pour avoir dans l'ordre ouais. et euh, pouvoir faire plus facilement euh, le, le guide après sur YouTube. C'est ça. ça c'est toujours. Euh, sinon, c'est la galère. On est obligé de réécouter toutes les missions, noter au fur et à mesure. Si, si quelqu'un a envie de le faire, bah, ça nous rend service de noter au fur et à mesure. Euh, euh, au moins le nom du truc qu'on présente là. Donc on a présenté euh, Manimana et puis euh, monté descend. Voilà, et monté descend voilà. de Rachel Marmont. Voilà. Donc ça, c'est les, euh, les choses que j'ai eu le plaisir de recevoir par la poste. Alors j'ai peut-être prendre une feuille de blanc. Est-ce qu'on n'aurait pas du blanc ah quelque part Oui, si, ouais. une feuille de blanc, je vais euh... te faire une feuille de blanc pour que tu puisses montrer. Euh... Ouais. Je... Ou alors on vire ça. Bon, non, ah, attends. Non, là... On peut faire ça comme ça aussi. Hein. Donc ces petits fascicules, c'est une série de travaux que la carte de Michard a commencé. Donc je peux vous filer le lien euh, de. Ah merci, c'est gentil. Le lien euh, de son boulot. Donc c'est des petites choses très très simples en termes de conception. Euh, il prend deux l'éporello qu'il colle ensemble euh, comme ceci. Alors voilà, vous voyez le montage. Un Leporello, un deuxième Leporello. Et il passe ça dans son copieur. Alors là, apparemment, son copieur manquait un petit peu d'encre quand même. <laughs> au début, on peut pas dire que ce soit vraiment une réussite. Je les ai revus à Châtellerault, au stand d'une de ses copines. Il les a retirés ah bon récemment. Ouais, ouais. Ils sont plus lisibles. Ils ont plus de noir. Il les a renforcés. D'accord, On a essuyé les plâtres. Alors, euh, je chope le... Alors comme il y a beaucoup de gens à voir ce soir, le, ça va être un peu compliqué de retrouver systématiquement. Voilà, la, la garde de Michard, Pierre-Antoine, c'est ça. Donc voilà son euh, hop, Instagram que je vous copie ici. Qu'on peut voir ensemble ici. Hop. Il oui, tu as raison, il a réussi par la personne de son boulot. Donc voilà son, ton, son travail. Il fabrique à la fois euh, des dessins, des bandes dessinées, des petits zines et euh, aussi des mèmes. Il a une espèce d'usine à mèmes sur Instagram qui a une autre adresse. Celle-ci que je vous fous là. Hop. Ce qui donnera ici, ce qu'on peut aller voir. Alors là donc. Donc ça, c'est une sorte d'autoportrait. vous allez voir sur son youtube que c'est sous cette forme qu'il se représente ouais, ouais. lui-même. c'est une espèce de costume qu'il s'est fait pour ses interventions euh, en vidéo. les mêmes, c'est ça. c'est un deuxième in instagram où, sur des sujets propres à l'art contemporain et à l'art en général, euh, il produit ce genre de, de petites choses qui sont des, des réflexions sur, euh, sur le monde de l'art contemporain dans une lecture plutôt sociopolitique. Euh, à base donc de, de mon taille alors je sais pas pourquoi depuis euh, depuis ce matin euh, je l'ai plus en français c'est en je sais pas on dirait euh, c'est quelle langue du bengali non ouais on dirait du bengali bon T as dû cliquer sur un... j'ai dû faire une connerie donc euh, je l'ai en bengali <laughs> ça n'a aucune importance on s'en fout euh, donc il y a ça. Et le troisième endroit où vous pourriez aller pour découvrir le travail de la carte de Micha, c'est ceci. Je vous le mets ici, c'est son YouTube. Où euh, ces temps-ci, par exemple, il est en train de faire une lecture euh, complète euh, d'un euh, grand classique, comment de... Euh, d'un grand classique de, l'histoire de l'art. Il s'intéresse à l'histoire de l'art sous sa forme, disons, à dire traditionnelle et également, c'est-à-dire vers les, 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 fondamentaux de l'histoire de l'art. Ici, c'est Faucillon. Le Faucillon fait une série de bouquins sur le Moyen-Âge, notamment un hein, consacré au Moyen-Âge roman. Et donc, peu à peu, avec une certaine opiniâtreté et pas mal d'illustrations, euh, il a décidé de foutre euh, en lecture euh, illustrée la totalité, euh, du Moyen-Âge roman de Henri Faucillon. Donc Henri Faucillon, vous connaissez probablement assez hein, le... le... le un des... De la pensée formaliste de l'histoire de l'art, de, de la pensée d'un rapport à l'art qui passe ni par euh, l'espèce de rapport historico-social qu'ont pu euh, construire à la fin 19e, début 20e les, euh, les iconologues, ni évidemment le, le rapport iconographique à, simplement à l'univers des choses représentées, mais bien aux manifestations aux matérielles des œuvres d'art et des œuvres en général. Pour interroger justement euh, celle-ci à l'aune de euh, leur euh, composition architectonique, euh, des, des, des objets récurrents euh, qui en composent les formes, etc. Donc c'est ça qu'il est en train de lire en ce moment. Donc c'est pas mal. Euh, quand on pense qu'il y a un des deux qui a dirigé le FMI, ça fait bizarre. Tu parles de qui ah, de Lagarde et Michard, les les du pseudonyme de de notre ami. Oui, euh, c'était euh, les Lagarde et Michard, c'était des manuels scolaires euh, extrêmes. C'était Lagarde et Michard. C'était ça, c'était les Lagarde et Michard que vous connaissiez chez nous. Que toutes les doute. familles avaient chez eux et qui étaient euh, les bou... des bouquins pour euh, d'initiation à la à la lecture par tranche en fait. <laughs> C'est ça, du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. Malheureusement, chez moi, il n'y avait que le XIXe siècle. <laughs> C'était assez marrant. Donc voilà où il est ouais. allé pêcher son pseudonyme. Donc c'était le truc d'érudit, quoi. C'était vraiment le truc. Euh... Alors ça, c'est vraiment très chouette. Tu les as lus aussi Oui, oui, je les ai lus. C'était pas mal du tout, ça. Hein Donc c'est une série de travaux. Euh, bah, je crois que le programme est carrément exposé euh, dans, dans le 20, tout premier. Dans premier. Alors lequel C'était celui-là, voilà. peut-être, non Non, c'est ça aujourd'hui. Voilà, c'est celui-là. Je crois que ça commence là-dessus. Tu pas tes lunettes. Aujourd'hui, ouais. pas de bouquin. Voilà, pour ça. le métro, trop lourd à emporter. Du coup, je vais être obligé de penser ou dessiner. Ça fait un moment que je voulais remettre à plat mes goûts en art en relisant toutes mes notes, tous mes cours, tous les presses Mais faire ça me demanderait toute une vie et ça rentrerait en concurrence avec mes autres désirs qui demandent toute Tout une vie. vie. Je vais donc commencer Commenter maintenant. maintenant. Et c'est ce qui se passe, il analyse euh, de façon assez furtive quelques objets qui lui tiennent à cœur, qu'il a aimés, qui peuvent ap appartenir au champ de l'art contemporain, ou du très contemporain, euh, comme puis, ici, à hein, une pièce de Giovanni Anselmo. Oui, je crois qu'il regarde aussi s'il si, si, aime encore. Enfin, C'est-à-dire des choses qu'il a déjà aimées il y a longtemps et qu'il veut voir s'il les aime encore. Exactement. C'est ce qui est intéressant. Et chaque euh, petit fanzine est en quelque sorte thématique. Il aborde un aspect et une œuvre. Donc on a... Euh, euh, il y a une, sinon une œuvre, du moins un, un point d'entrée dans, dans l'histoire de l'art et une réflexion particulière ici sur la spontanéité, qui est le deuxième fascicule. Bien ah, de On en a, voilà, Après, on on en a tout... reçu 5, je crois. Hein. Ah, 6. 6. Ouais, je crois. Voilà. Enfin. Alors, je ne sais pas comment on peut se les procurer. Dans ah, 5. Ben, il faut voir ça avec lui. Écrivez-le ouais. sur son Insta pour essayer de vous les procurer. Donc, il y a euh, si le dessin long et format soigné sur. Quoi Salut à Karakir. Et là, les textes doivent être aussi du dessin ah, celui -là, il <laughs> a, ah oui celui-là il... Il, ouais, a... ouais. celui il est sur la typo il est très chouette je vous conseille c'est sur euh, la typo qui prend forme quoi comment ça comment ça marche de la typo labyrinthique euh... la question de comment on intègre de la typo dans le dessin avec euh, des exemples... Un typo ou lettrage. Hein. Il n'y a oui, pas beaucoup de typographie. Ouais. C'est plutôt euh, la question du lettrage oui, manuel est qui est, est abordée plus que celui de la typographie. Oui, puisque ouais. c'est plus le lettrage. Mais euh, je pense que ça vaut le coup de lui écrire sur son Insta pour essayer de se procurer ça. Sachez que les impressions sont, euh, bon, elles sont un peu renforcées. Je ne sais plus combien elles valent les particules Moi, il m'en manque puisque je voulais en acheter à Châtellerault, mais... Tout le truc s'est plié à toute vitesse et au moment de d'acheter voilà. les ceux que j'avais pas, j'aurais dû prendre ça dès le matin. Je suis un peu con. Et bah euh, tout le monde avait plié. Voilà. Et je ne pouvais plus me procurer les fanzines. Donc il m'en manque au moins un sur le kawaii que j'ai vu traîner sur ah le, oui. le stand. Bah ouais, que j'essaierai de me procurer en allant au salon de Montreuil euh, là. Donc ça, c'était ah, prévu en fait de balancer les livres une fois que Mais, il y a, ils, sont, ils peuvent être accueillis là. Okay. J'ai mis Accueille. sur le canapé exprès. Avec un petit trampoline. Mais oui. Ça marché par la poste Mais oui Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va peut-être décocher le zoom pour vous montrer l'objet qu'on a reçu par la poste. Tatan Comment je fais pour... On unbox Un unboxing Voilà. Hop voilà, bon, on peut dire qu'en termes de pochette, euh, bon, c'est. <laughs> ah, voilà une pochette toute douce! C'est vrai c'est tout doux! Ah, oh, c'est doux! C'est doux! C'est doux! Voilà, ah, bah, on sort tout? Allez, ah, sort un le coup! Truc. Bon. Alors attends, il y, y a le, le petit. Peut-être on va oui. sortir ça. Ouais, t'as raison Donc, c'est le travail qu'on qu attendait depuis très longtemps, c'est les espaces liminaires réalisés par euh, le Squad des dégénérés. <laughs> Donc ça, voilà. ça faisait, je sais pas, quand même un an au moins minimum qu'ils étaient dessus. Euh, on a euh, le kawaii, chez le vêtement contre la pluie. <laughs> Excellent, je dois dire. Euh, donc, euh, qui sont ces oiseaux bah, dans le lot, il y a ce qui est parmi nous. Il y a Louisa, il y a Elbousque, Lucie, il y a Claire Illusion, vous connaissez un peu. Il y a Cèdre, il y a Triboulet, il y a Quentin. Et je crois que j'oublie personne. Histoire, quand... oh. euh, ouais. Alors, c'est ça. Tri... Dé Les dégénérés. Exactement. Allez, voilà, il y a le plan. Alors, ça parle des espaces en tant que par le biais de peuplé de peuplé de voilà la pochette a été conçue euh, par Claire merci Claire donc ici je suppose que sur le tissu c'est euh, du cyanotype elles ont été cousues je sais pas tout ça comment ça a été foutu c'est tout à fait étonnant parce qu'évidemment la conception est telle qu'elle leur ressemble il n'y en a pas un et une qui a été foutu de, 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 <laughs> de, de mettre de l'ordre là-dedans, donc il y a tous les formats c'est un chaos euh, total évidemment, l'idée est de pouvoir construire euh, avec euh, des jeux d'encoche hein, entre les différents travaux des, euh, des montages à votre guise sauf qu'évidemment on se retrouve <laughs> avec, là c'est les cartes de Louisa euh, où les découpes sont un peu fines donc ça ne rend pas bien hein donc on risque de tout saboter <laughs> Il y a Quentin, qui peut rien branler je... comme tout le monde, qui nous a fait des cartes de, tra... de traviole. C'est le chaos total. Donc, euh, on peut, peut s'amuser. Et lui, au contraire, il a fait des encoches trop lâches. Donc, mou... <laughs> Donc ça, ça tient pas. <laughs> Il aurait fallu que ça la, la même personne qui fasse tout le banc de bon. Bref. Le... Donc, il y a du cyanotype. Ça, je suppose que c'est clair. Ça, je pense que voilà. c'est clair. Là, c'est. Elles sont super belles, hein, les cartes. Ça, ça doit être Quentin. Ouais, Quentin. Au dos des cartes de, de, de Triboulet, il y a des interventions euh, imprimées de, ouais, de SUGE. Cool. sont extrêmement drôles. a ton on la vie C'est une sub-question. Soins énergétiques par imposition des riches. C'est -ce -ce <laughs> très drôle. Quand on peut, on peut. Et Morose, bonbon. Et sinon, il y a des textes euh, aussi de dessus sur d'autres cartes. Euh, je ne sais voilà. plus de qui est cette carte-là. Est-ce que ça ne serait pas euh, clair je ne sais Tiens. plus. Il euh, y a les très très beaux, euh, ça, beau. très beaux paysages de, de Louisa avec ces espèces de perspectives euh, inquiétantes. Là, regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer, faire un petit zoom. Ah, les couleurs, elles sont chouettes. Ça, ouais, ça. Alors ça, hélas, je vous n'aurez pas les détails ah, des couleurs. Ah, n'ai pas dit mon micro, excusez-moi. Voilà. Super Et bon. ça, on est une bande de dégénérés ou où... <laughs> on les pas. Ah oui, puis il y a ça que j'adore. Où on voit en transparence, alors je sais pas comment vous montrer, mais en fait, c'est il y a de la transparence quoi. Euh, bah, il faudrait aller chercher une ouais, des lampes qui pendouille lampe. euh, de l'autre côté euh, dans, le, dans le couloir. Une lampe qui pendouille, ah oui, exact. Ouais. Je vais faire. Euh, donc, il y en a deux comme ça qui fonctionnent avec, euh, avec des films. Il y a donc, je peux supposer que, que ça, ça doit être euh, le comment clair cette carte là. Ça, c'est clair. Euh, on a les frontières de Suze et Louisa, c'est euh, la série de petites cartes que vous avez vu On a euh, donc chacun et chacune d'entre elles ont donné des titres. Alors, bah ah oui, voilà, tu peux montrer, mais tu n'es pas au bon endroit. Voilà, voilà, on voit bien là. Super. Ah, celle-là, c'est vraiment très très belle. <laughs> Dans l'ensemble, c'est vraiment un très beau travail. Hein, je veux dire, bravo les dégénérés. Euh, vous avez bien bossé. C'est vraiment bien super. Il hein, y a, y a de la gravure, il voilà. y a du cyano, il y a il du y a tout tamponnage. Des techniques, euh, c'est très joueur. Il y a du texte. Enfin, je ne sais plus comment me mettre. Voilà. Donc, euh, alors, on a. Alors, celle-là, c'est celle de. Ça, c'est Louisa aussi. Voilà, Louisa. C'était Quentin. C'est la sortie. Ouais, elle fait le la tunnel sc... et la sortie. Donc à chaque fois, je crois qu'on en a ça euh, une clair. de chaque. Voilà. Ah oui, d'accord. Il faut voir d'autres gens pour euh, les. Alors ça, ça doit être le frontière de Louisa également, qui a fait quand même beaucoup de choses. On a trois interventions de Louisa à chaque fois, c'est ça Celle-là, brille à son On belle, en hein. a toute une petite ça, mais... série de, de montages de Triboulet. Je vais vous filer, pendant qu'Agnès vous remonte ça sous la caméra, je vais ouais. vous filer, alors tu Mets as un écran contrôle, non, bah, t'es en zoom. zoom, là. Voilà. Donc, Donc je, -là, elle les, vient... euh, je vais vous filer les liens pour aller voir les travaux de chacun bien et bien. chacune d'entre eux. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. Je crois voilà. par c'est clair. Alors là, il y a le lien du Discord des dégénérés. J'espère qu'il fonctionne. Alors, du cyanotype, je ne sais pas on si on voit bien. C'est Lucie et Suze au verso de ces cartes. Okay. Donc, ça, c'est le lien du Discord des dégénérés. Voilà, on peut voir un peu mieux avec la lumière rasante. Donc cyanotype, magnifique cyanotype. Ça, c'est le lien de l'Instagram de Claire. Avec des encoches partout sur celui-là. On peut encocher de tous les côtés. Et ça, c'est le lien du site de Claire. Voilà, avec, euh, on voit apparaître une photo, euh, je suppose que c'est ses plaques photographiques. Les beaux cyanos sont de Lucie, d'accord. Ah euh... c'est... Ah, c'est écrit lequel sur la, c est c est écrit sur la feuille. Est hein. euh... est... Où est la feuille Elle est... Euh... Bah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas Bah ben, j'ai pas touché en fait. Tu n'as pas touché Non, j'ai pas touché la feuille. Elle est où euh, Je ne sais pas. Là, donc là, c'est... Il y a de ah. la matière là ah. ah oui, c'est celle-ci. C'est grande carte avec Chiano. C'est ici. C'est ça. C'est les de en, Lucie. en silence, d'accord. Les Les de Claire, c'est cela euh, Donc c'est les grandes, oui. c'est ça? Les grandes, c'est celles de Lucie. Voilà. Ça c'est Lucie, ça c'est Lucie. Ok. Voilà. Ça c'est les de Lucie. Voilà. Pour, pour les cyanotes, ils ont laissé Lucie faire. <rire> <rire> ça sera le, le calembour le plus pourri avec Lucie. Je pense que toutes les Lucies du monde ont un plein de cul ces calembours de merde. Là, voilà, maintenant, je vais vous montrer le l'Instagram. Enfin, vous me filez le Là. lien de l'Instagram de Louisa. Que vous pouvez noter ça là. C'est Quentin, ce que je vous montre là, donc elles sont plus grandes. C'est Quentin, hein, ça, je ne me trompe pas, je ne dis pas des bêtises. Alors, les petites cartes ici, euh, ça, Alors... c'est le travail de Cèdre. Ah, ça c'est Cèdre, ok. Ouais, c'est Cèdre. Donc un travail avec des photos et ouais. derrière, il y a du texte. Avec et ça, du là, texte est... Non, également ça, là... de Cèdre, si je me souviens bien. Euh, ouais c'est ça. Ce sont des textes chinés au verso. Ici, je vous fous le lien de, de, de l'Instagram de Cèdre, précisément. Donc là encore, Quentin, l'Immail, voilà. Bon, ça, c'est celle qu'on a, mais tout le monde n'a pas les mêmes, je suppose, quand on achète la pochette. Non, bah non, chaque pièce est unique. Ah, chaque pièce est unique, il faut Donc, vous le préciser. Les méthodes de travail sont telles qu'évidemment, euh, aucune des pièces, la plupart, il y a, euh, quand on regarde... Euh, alors s'il y a un certain degré, bon, il faudrait, serait bien que je finisse des phrases. Oui. Euh, <laughs> Sinon, on va pas s'en sortir. Il y a un certain degré d'industrie par la, la gravure, le cyanotype ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les cartes euh, qui sont intégralement dessinées, comme euh, voilà. celle de Louisa, celle de bon, Louisa... Là, on, là, on est sur. Euh, pourquoi tu l'éclaires Non, pardon. contre. <laughs> tout à l'heure, pour le cyanotype, ça marchait bien. Je faisais une lumière rasante et on voyait bien le, ouais. les brillants. C'est ouais. tout ça là. Voilà, tu ouais. vas Pour voir que ça brille. Ah oui, pas pour mal. Voir que ça brille. Voilà. <laughs> <laughs> bon, j'arrête, promis. Euh... Okay. Là, je vous mets l'Instagram de Quentin, Quentin. Vous allez voir où sont les son petites phrases dont vous parlez tout à l'heure. Oh, je ne suis pas sous la caméra, moi. pas voilà. Hop, et puis donc, on peut mettre euh, les trucs dans les machins. Okay, ça, On peut mettre les trucs dans les machins. Heureusement que pour et le est caractère très, technique, très, tu très es beau. là. Ouais, heureusement que euh, ma précision légendaire. Alors si vous voulez voir un petit peu euh, ce que font les gens, euh, on, peut, on peut tout à fait jeter un œil rapide à leurs Insta. Ah, J'ai fait, fait une petite... Ah J'avais fait une petite structure Là, c'est l'Instagram euh, de Lucie, euh, elle bousque. Donc, vous allez voir un peu son boulot. Son travail de bande dessinée est visible à l'intérieur du terrier depuis quelque temps. Ouais. Je, euh, effectivement, j'aurais pu vous montrer ça. Bah oui, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Euh, on peut aller voir ça si vous voulez. Je vous ai évoqué euh, El et Là, normalement, vous avez ça là. Je suis con, autant aller dans les nouveautés. C'est ce plus ça hein. Je ne sais pas. Manifeste-toi, esprit, si tu es là. Voilà, c'est ça. Hop, on peut y aller. Donc, vous avez tout ce travail que vous pouvez consulter. Alors, je vous file le lien ici euh, du terrier, mais j'imagine que ceux et celles qui ont l'habitude de. De la chaîne connaissent un petit peu le terrier. Et vous avez de multiples bandes dessinées. Il y en aura d'autres. Hein. Pour l'instant, il y a juste un, un tout petit set. Euh, voici par exemple des extases. Hein. Donc, allez découvrir son travail en bande dessinée. Quant à Louisa, vous pouvez voir des trucs en bande sur papier. Euh, alors, Lucie et Louisa sont présentes dans le magazine Twitch, euh, magazine PCCBA, mais en ce moment, il y a des planches de Louisa dans Rita. Alors, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Hein. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je peux encore vous montrer de leurs travaux Voilà l'Instagram de Louisa, dont je vous ai filé le lien tout à l'heure. Hop, je vous montre ça. Louisa Lehmann. Et voici donc il y a beaucoup beaucoup de planches. Elle travaille énormément ces temps derniers. C'est assez intensif les, les publications sur son Instagram. L'Instagram de cèdre que je vous montre aussi sec. Salut cèdre si tu es là. Hop. N'hésitez pas d'ailleurs à vous manifester hein. Il À donner des compléments d'informations. Hein. Ouais, bah ouais, les dégénérés, n'hésitez pas à nous en dire un peu plus. C'est qui publie aussi un texte en trou noir en ce moment, euh, déserté. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre L'Instagram de Triboulet. Donc les petites cartes dont vous avez vu les gravures rouges euh, avec les jeux répétitifs de motifs euh, en rayures. Voilà, il travaille pas mal avec des impressions en Lego ces temps dernier. Donc c'est celle-là, on est d'accord. C'est là. Si tu les montres, il va falloir que... Non, non. non mais... Ah oui, puisque que je... tu peux les passer dessus, j'ai un... un équivalent clavier qui me permet d'aller assez vite pour montrer les trucs. Euh... Et on finit sur l'insta de Quentin. Quentin. C'est ça, hein? D'accord. Et c'est ça. Hop ah. <laughs> C'est ça. <laughs> que voilà. Mais on vous a déjà présenté hein, oui. des, des fondines de, de Quentin oui. euh, régulièrement. On Mais on a... parle pas assez du travail de, des, des... Voilà, celui-là notamment. On n'en parle pas assez, ils sont là et puis certains sont très discrets sur leur Avant travail finalement. Hein ah, Tu les as reçus, thermatiques, ce matin, toi ils sont très drôles à construire, notamment par le fait que ça se pète la gueule. <laughs> <laughs> on chercher des points d'équilibre, il y a même une ou deux cartes molles. Ah bon Ah oui Il y en a, des... elles n'ont pas toutes le même degré, effectivement, euh, de, de, rigidité. de rigidité, ce qui rend quand même les choses... <laughs> hein. Ah, un tout petit peu compliqué par moment. Euh, ça leur ressemble assez en fait. C'est ah, le chaos. Les, les dégénérés. C'est le chaos comme eux. Voilà. Ah C'est super. Donc là, on va passer ah, au la... boulot de. Alors, encore des choses qu'on a reçues par la poste euh, euh, Non, non pas par forcément. la poste, on a reçu ça. Ah oui, il bon, faut continuer oh avec les trucs qu'on a reçus oui, par la poste. Ça voilà. et ça. Ça et ça. Voilà. Ah, ça, c'était pas la oui. voilà Oui, donc euh, là, je supprime par contre tout de suite, voilà, les... Euh... Alors, Pierre, ça, on a vu, ça, c'est bon, voilà. Donc, le travail de Kiki Pafuto ou Christophe Fauconnet, parce que sur, sur son site, c'est pas un secret, hein, Christophe Fauconnet, puisque c'est sous ce nom qu'il présente son travail euh, sur son site. Donc, je vais, euh, je vais vous montrer voilà. ça, excuse-moi. Voilà. Alors, je vous mets. Euh... Il a fait dire le prénom de votre enfant. Voilà. Donc, on a reçu ça. Alors, on avait déjà vu un joli petit fanzine de Kiki et Je vous file ici. Bah, Suze n'est pas cliquable puisqu'elle n'a pas d'Insta, elle a rien. Je sais pas. <laughs> on peut pas cliquer Suze. Donc, on Su... peut... Suze est dans son... sa toile. Mais ça. pas sur la toile. Elle est dans sa toile. Alors, qu'est-ce que je fous là Je fais des conneries. C'est pas ça que je dois faire. C'est ça. Hop. Que fais-tu des ah oui. bêtises. Euh, voilà, c'est ça que je veux faire. J'étais en train de cliquer à l'intérieur de l'OBS, euh, évidemment ça, a ça, fait... ça marchait mais moins bien, vous ne risquez pas de le voir. Que... Il y a pas voilà, que... voilà. <laughs> voilà son Insta, dont euh, je vous ai mis le, le lien ici. Donc il a un très très élégant dessin, et un ouais. travail assez régulier. Il dit lui-même qu'il travaille pas beaucoup, mais c'est pas tout à fait vrai. Euh, si on, on a la curiosité d'aller voir ce qui se passe sur son site, si je vais vous le mettre euh, euh, plus tard, hein, vous verrez qu'il y a quand même une production plutôt intense. Ah, il fait, comme vous pouvez le voir ici, ah, je ne sais pas si vous avez l'animation oui. ici. Que vous avez ah, si. Ah, si. Ouais. Il travaille en anime, il a notamment fait des animes d'oiseaux qui sont assez chouettes. J'ai vu tout à l'heure un oiseau avec des, des chaussures, est-ce je... que c'est celle-là Est-ce que celle-là est animée, je ne sais plus. Ouais. <laughs> C'est chouette ça, non Alors si je vous file les insta, c'est pas pour rien, c'est que les, les moyens pour commander les objets de tous ces gens, ben, c'est ben, compliqué. Euh, hein, oui. Donc si on va pas leur écrire directement sur leur insta, les chances d'avoir euh, ces fondines dans vos bibliothèques sont quand même assez faibles. Donc il ouais. faut, il faut aller voir. faut leur aller côté. au charbon pour aller les chercher. Alors, Alors, ça, ça c'est son les site. Salons, des fois, hein, mais bon. C'est son site. Donc il euh, y a visiblement des travaux professionnels et des travaux personnels. Alors, hop, voilà. Qui à photo est souvent là aussi. Euh... Ouais, ouais, ouais. Si tu es là ce soir, tu peux te manifester et compléter hein, ce qu'on dit ou euh, ce que dit Laurent parce que on peut dire des bêtises des fois. Alors là, il y a des choses mmh. sur ces expos. Mmh. <laughs> une expo colonne, hein. c'est une installation sur une colonne avec des tables bêtes et du genre. Donc, il a un dessin assez élégant qui est plutôt intemporel. C'est assez curieux. Il y a un côté inactuel. Euh, ça pourrait tout à fait avoir été dessiné dans les années 70, dans les années 80. Et c'est très notable, notamment dans euh, Bien choisir le prénom de votre enfant. Oui, on va vous montrer tout ça. C'est un suite. côté un peu hors du temps, comme ça. Là, voilà. je feuillette. Feuilleton, Donc, le principe est assez simple. Hein, Alors, voilà, le principe est assez simple. On voit ça comme ça. Et hop, on voit des petits trucs qui dépassent. C'est un peu le principe de. Là, ça me faisait beaucoup penser à Burns et son euh, euh, comment s'appelait euh, Black Hole. De la passion de monsieur ici ouais. euh... Ça me faisait penser à ça, le fait qu'il y a des petits détails dans le dessin qui déconne, on les voit pas au premier coup d'œil, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Non, ça ne t'a pas fait penser à ça. Non, non, ça ne m'a pas fait penser, mais j'entends ce que tu me dis. Donc, le principe, c'est toujours de travailler sur euh, l'espèce de prédestination d'un nom. Euh, nommez bien vos enfants parce que euh, il n'est pas rare que nous suivions les noms. Ah, okay. voilà. Je suppose qu'on a tous et toutes rencontré des gens dont le, le, le nom était étrangement proche de, de leur métier ou de leur activité. Euh, je ne sais pas. Euh... Qui ne connaît pas un bourreau qui s'appelle Monsieur Corde hein, Tout le monde. En tout cas, l'équivalent. Un des spécialistes de la, de la clinique de la douleur s'appelle le docteur Bourreau. <laughs> et quand j'étais en sixième, il euh, y avait une fille dans ma classe. Là, c'est ses parents. Ils n'avaient pas été sympas. Ils l'avaient appelée Anita et il s'appelait Régnier. Anita Régnier. Évidemment, on l'appelait l'araignée. Hein. Alors là, c'est Paul d'Interpol. Voilà, donc c'est des jeux de mots beaucoup. Hein. Oui c'est ça. On est beaucoup dans l'esprit des comment des gar garbage paid kids de comment bah euh... oh, je connais que lui. Euh... Ok oh, le honte. Spiegelman euh, qui ont été traduits ici par les Krados. c'est ça crados, ouais. les Crados les ouais. C'est de notre époque, c'est à peu près les crados, donc c'était des cartes comme ça. Ici, ça a été vendu pour les enfants, alors qu'en fait, c'était pas spécialement fait non, pour les enfants. Hein. Non, pas spécialement. Mais c'était euh, justement euh, des choses un peu cruelles, des dessins un peu dégoûtants ou, euh, ou euh, un peu horrifiants autour de, du prénom. Euh, donc il y avait euh, celle qui se foutait. Toi, tu en avais fait à époque, avais je fait je une époque, tu avais fait une parodie un peu plus. Encore plus. Crade, plus encore, encore plus crade. Plus crade donc, dans euh, l'univers de l'hôpital, il y avait. Je pense que beaucoup de gens en ont fait. Hein. Ils vont amputer. Ouais. Euh... Lobotomie, etc. etc. Là, il y a Angèle et son congèle. On voit que c'est ça l'inspiration. La, hein. la teneur, elle est beaucoup plus ancrée dans le sociopolitique euh, contemporain. Oui. Vous avez euh, des, 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 des flics, euh, des, euh, des mondes glauques. Euh, y a, oui, une... c'est plus noir euh, et aussi plus en, plus en lien avec l'actualité. C'est ça. Euh, avec le. Euh, Roman pyromane Avec la violence sociale euh, et euh, la violence policière. Hervé, référent pavé. Je ne vous montre pas tout parce que sinon, ça va vous, trop vous. Euh, vous euh, Samantha de la Conta. Travail éternel. Donc, euh, sur le dessin, il y, y a plusieurs influences. Hein, euh, D'un dessin à l'autre, je trouve que ça, ça varie pas mal. Qu'est-ce que tu en penses euh, je trouve ça plutôt unifié, moi. Donc, euh, t es t es non, unifié. non, il y a une, une conduite. Je retrouve certains des traits on de son dessin. C'est hein. moins léger et plus appuyé que les trucs qu'on avait montrés montré, euh, la dernière fois. Il y, a, il y a vraiment une insistance du dessin euh, pour en renforcer le caractère expressionniste. Il y a voilà. un agronome qui s'appelle Du Fumier. C'est pas mal. <laughs> J'avais un dentiste aussi dans le temps qui s'appelait <laughs> <En> vrai <laughs> Voilà, donc, bon, eh, euh, tu peux montrer un petit peu de plus près si tu veux faire un zoom, un petit zoom. Ouais, on peut faire ça tout de suite. Euh, si ma, mon curseur daim passait ici, voilà. Là. Bon, je ne vous les montre pas tous parce que sinon, vous n'allez pas avoir le, le plaisir de la découverte. Donc, souvent euh, noir, il hein, faut le dire, hein. T'avais une dentiste qui s'appelait Madame Gâteau. <laughs> c'est un fanzine de calembours, bah, pas vraiment de calembours, plus de euh, comment dire de. Il euh, de... Euh... y a des jeux de mots. Il y a mais des, jeux pas des jeux de mots. C'est oui. pas des calembours, c'est il y a des rimes quoi, tu vois Mohamed aspirant au club Med. Là, voilà, avec c'est très joyeux hein certains. C'est ça. Tout ça est plutôt joyeux, effectivement. Ouais. Bon, c'est assez, assez sordide. Il y a ouais. un, un, un goût appuyé pour le glow. Il y a un joli travail sur la bichromie aussi. Oui, ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est ah. vrai que les, les couleurs sont particulièrement soignées. Hein. Donc il y a une rencontre en, entre deux plans chromatiques. Il a fini par y ajouter des, des réaux à un certain moment, mais au départ, il y avait juste départ, une, ouais. une simple bichromie. Par exemple, sur celui-là là, que je voulais vous montrer. Ah, Peut-être pas celle-là. Il y en a que je ne peux pas montrer ici. Même ça, hein, celui-là. Pourquoi que... ah, euh, le... À la Twitch. Voilà. Ah. Twitch, ouais, voilà. Je voulais vous montrer des micros, mais il euh... y a des trucs sur Twitch qu'on peut pas montrer. Alors, des armes, je pense qu'on peut, mais y a des... le sexe, on ne peut pas. C'est normal. Dans la logique <laughs> américaine, hein, le meurtre, bon, ça passe, mais euh, quand même, euh, les rapports sexuels, il faut pas déconner. Alors. Euh... Alors, vous notez toujours, hein. Euh, là, c'était donc euh, tu as mo montré Insta et tout ça. Tatata. Ça, c'est un truc que j'ai commandé à Marius. Donc, on s'est vu rencontrer, on s'est vu, pardon, voilà. on s'était déjà rencontré, euh, à Angoulême, euh, qui fait des fanzines, qui écrit sur les bandes dessinées aussi. Enfin, je crois que ça fait partie des choses qui l'intéressent le plus. Son travail, c'est surtout un travail d'écriture. Donc, c'est Marius Joigny. Donc, je peux vous filer le lien vers l'Insta. On montre un peu son dessin de près. Que là. Euh, c'est pas lui qui décide là, c'est un collectif décide, Non, non, c'est une... ah, ah, un collectif. c'est un des trucs dedans C'est ouais. un travail qui s'appelle Obstruction on pourra parler de la, la ah, direction oui, après. Je vous montre d'abord le boulot de, de okay. Marius Solo, qui sont des petits textes. Euh, je me déteste, mais c'est pas grave. Certaines nuits, celles qui ont une odeur de mort c'est bien, j'ai lu, c'est chouette. C'est pas mal. Ouais, ouais, Donc là, c'est un texte sur l'auto-exécration et euh, la manière ou pas d'y remédier, enfin, ou pas plutôt que, <laughs> que d'y remédier. C'est un peu noir aussi. Ouais, c'est ça. Il ouais, y a ils sont de, toutes les, les ritournelles obsessionnelles par lesquelles on se signifie à quel point on ne s'aime pas. Et euh, donc, c'est des petits zines euh, très modestes. Il y a une volonté chez lui et euh, ses collaborateurs. Donc, ça, il l'a construit avec euh, Chloé Ravenel, dont on vous a déjà montré pas mal de trucs avec Agnès. On avait, on avait acheté plein de trucs à Chloé. Merci ben, là, à mais, <laughs> Merci. Puis, uh, euh, il y a qui note Je sais pas. <laughs> J'espère qu'il y a quelqu'un qui s'est dévoué. Hein. On ne peut pas compter sur vous. Dites-le dites si vous le faites. Euh, non, ils comptent tous sur les autres pour le faire en fait. Voilà, donc et ça c'est l'Insta de Chloé Ravenel. Donc comme d'habitude on va se faire chier à faire le dérouler sur YouTube parce que je crois qu'aucun d'entre eux n'a pris en d'autres. Donc, obstruction... tu peux commencer moi je peux aller chercher une feuille de papier. Non, non, non on n'en fait ne pas fait ça en plein live, c'est absurde. Une Ok. <laughs> ok. Donc là c'est... Marius Joigny tout seul. Donc euh, on peut regarder si vous voulez un petit peu son, son Insta. Euh, euh... Marius Joigny. Voilà. Alors Chloé, j'ai plus les titres en tête des petits fronzines qu'on avait chopés. Ah merde, tu les as pas ressortis Avec elle, euh... bah non. Donc là, vous revoyez les zines bah, dont on a fait l'acquisition. Je crois que j'avais pris celui-là euh, la dernière fois. L'éloge le... du non vouloir saisir, je sais plus. Euh, de Marius, j'avais d'autres trucs. Ah oui, il y a euh, ce joli petit récit euh, autour d'un. La motif de lecteur, euh, c'est ça, archéologie d'un désir. Ah c'est oui, ça, ça qu'on vous avait montré que j'avais chopé à Angoulême. Ouais. Voilà. Ah oui, oui, ça. Tu te souviens de mm -hmm. ça mm -hmm. Ça, c'était vraiment pas mal, exactement. Donc ça, c'est l'insta de, de Marius. Et Chloé, bah, on vous avait montré ces petits livres euh, dans le temps, c'est des petites choses très jolies, très fraîches. Ah, il y a un raid, oh bordel, oh, j'avais pas, <laughs> pas vu. J'avais pas vu, j'étais tellement plongé dans le bordel. J'ai pas, pas vu quand est-ce qu'il est arrivé ce raid. D'accord. C'est Centre Hétéroclite SFF qui nous lance un raid avec 17 personnes. Bah, C'est très gentil. Bienvenue, 17 personnes. Bienvenue à vous. On est en train de, de on faire un rond des balles. Des petits donc, livres, des petits produits, de présenter des fanzines euh, qu'on a récoltées euh, sur plusieurs salons avec Agnès. Mmh. Et euh, donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, la chaîne, si euh, vous êtes déjà venu ici. Euh, Est-ce que quelqu'un peut lancer comment, un, petit, euh, un petit SO pour, euh, pour accueillir comme il se doit centratéroclide qui a la gentillesse de nous faire un raid, moi je vous balance le... L'animation qui présente un peu tout ça, euh, tout ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est plus simple pour vous en parler un bah petit oui, peu. Bah oui, parce qu'il y a trop Bonjour de Bonjour le raid, et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer. On y parle évidemment de bandes dessinée, mais aussi de théorie de l'art, de critique d'art, d'histoire de l'art, de politique, de folie, de science, de sociologie, de philosophie. On y dessine, on y sérigraphie, on y peint, on y lit des poèmes et des récits. On reçoit des historiennes de génie, des auteurs incroyables, des éditeurs inouïs. Des biologistes éboustouflantes, de dangereuses agitées du bocal et tout ça avec de la politique dans la science, de l'art dans la politique, de l'histoire dans l'édition, de la poésie dans la danse. Installez-vous confortablement, suivez la chaîne et on y va. Et voilà. <laughs> C'est fait, vous savez tout. Alors qu'est-ce que vous faisiez de, de beau... Euh, qu'est-ce que vous faisiez de beau chez le Centre Hétéroclite donc, nous, on était en train de présenter les, les petits fanzines d'abord de Marius Joigny, et là, on et va vous là, présenter l'obstruction. Euh, tu voulais aller chez Chloé Tu étais ouais. en train d'essayer d'aller ah, chez oui, Chloé parce a euh, les petits bouquins, on vous les a déjà présentés. Donc, des petits bouquins euh, très euh, assez, de format assez euh, modeste, mais euh, qui étaient très jolis. Très soignés. Voilà. Donc, là, est un beau, en ce moment, elle a l'air très branchée par euh, les, les, les processus d'impression. Elle, elle est très intéressée par l'aspect matériel de la fabrication des fanzines. Les choix des papiers, euh, les, les choses de ce genre, les, les, les processus d'impression. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est très chouette, et même à lui envoyer un petit mot. Euh... Voilà, on voit pas trop ses bouquins. Il n'y a pas billons. grand chose dans ah, mon Insta. Ah, euh, ouais. Je ne sais pas si elle a quelque chose de plus copieux que ça. J'ai pas l'impression que ça mm -hmm. intéresse des masses. Elle ne renvoie vers aucun site particulier. Okay. Bon. Bah voilà, c'est une de ces personnes qui reste <laughs> un peu discrète en ligne. Voilà. Hein, son, son travail est vraiment sur le papier. Euh... Donc, construction, c'est un collectif, tu disais. Ouais, ils ont décidé de monter une espèce de petite boîte d'édition qui s'appelle les éditions 3F6S. Tu, peux, tu devines 3F6F. Tata Ah, j'aurais pas trouvé pour, trop... ceux qui trouvent, pour ceux qui trouvent Vous parliez de littérature et de vampires Et c'était bien cool, merci Spécial <laughs> D'accord On va peu, peu parler de vampires mais on ne euh, va parler... je pas on a rien sur les vampires <laughs> Je pense pas qu'on ait grand chose sur les vampires Donc obstruction marque euh, rien que par le titre De la, la petite maison d'édition un, un resserrement sur les, les fondamentaux Du fanzine, 3 francs 6 sous Ah tu as donné la réponse ouais, Je ne l'ai pas dit ben, je voulais donner un cadeau à ceux qui auraient trouvé. Ah, pardon. C'est un cadeau. D'accord. Trois francs 6 sous, Space Opera fan avait trouvé. Ouais. <laughs> Alors, le Fangine a dit qu'il qu est parti pour cette construction sur un machin ou Bapien. En question, c'est quand la dernière fois que Loubapo a sorti un recueil, 2016, tatata. Ta, ta. Bon, Loubapo, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un travail euh, de réalisation de bande dessinée à contrainte. En fait, c'est cette première construction d'un monde de contraintes euh, qui permet de qui ouvre à des formes de création particulières. C'est euh, quelque chose. Ah, ah je vois. Ouais, quelque chose. Veux-tu qu que je, je me déplace pour ouais, t'aider Pourquoi pas Allez. Oh Une carte Oh merde <laughs> Une carte <laughs> liminaire Ouais, c'est une carte de Louisa, il faut la mettre là-bas. Avec le reste. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui. Donc, typiquement, qu'est-ce que c'est un ou C'est une construction particulière où vous disposez d'une règle. Donc, comme autrefois, Loulipo avait pu installer un certain nombre de règles pour produire ce qu'ils appelaient de la littérature, donc ou voire de... C'est l'accordéon de Kooning. C'est ça. Kooning. Koonvig. L'accordéon L'olipo, ouais, voir de littérature potentielle, c'était euh, des constructions littéraires, donc le, vous connaissez peut-être un petit peu l'univers mental, le Queneau, le Lyonnais, Pérec, ces oiseaux-là, Roubault, euh, toute une série, Jacques Jouet, ils, ont, ils étaient assez nombreux. Euh, L'Italien, c'est euh, Calvino, c'est ça, enfin bref, toute une famille de oiseaux. Et là, le procédé, ouais, c'est l'accordéon de Kundig qui est un auteur de bande dessinée suisse, assez génial ici. Donc typiquement, vous avez un, une règle comme ça euh, qui semble complexe mais qui ne l'est pas. Généralement, c'est un processus euh, plus, plutôt, plutôt simple. Simple. Là, c'est un processus assez simple. Le, euh, une personne fait une case. Attends, j'essaie de mettre ça. Voilà. Une personne fait une case. Et l'autre personne entoure cette case de deux cases pour faire une histoire. Et ces deux cases elles-mêmes doivent... Aussi raconter une histoire en deux cases, etc. Et ça, ça devient euh, grand. Et puis, ça, ensuite, il y a un rétrécissement jusqu'à la case finale. Et donc, Laurent s'y était amusé avec euh, Les Frères Le Glatin. On en avait fait plusieurs. Il y avait euh, donc là, celui-là, Les Cloches de Rome, LL de Mars et Le Glatin. C'était quoi ces bicéphales hein, qui avaient fait ça Voilà. Donc, euh, non, avec non. les dessins intercalés, je vous, je vous en montre un exemple. Par exemple, la première. Comme ça, vous voyez, donc là, il y a une case de LL de Mars. Voilà, c'est un ange qui dit bon sang, un petit pouti. Et là, hop, deux cases qui entourent cet ange, mais deux cases qui peuvent à elles seules vouloir dire quelque chose. Et à chaque fois, il faut que cela continue à signifier. On reprend ces deux cases qu'on entoure de deux cases, et ce qui en reste en résulte doit aussi signifier quelque chose. Voilà. Et donc, c'est assez fascinant. Moi, j'avais adoré euh, ce travail. Ouais, alors il y en avait une. D'ailleurs, si j'avais de... participé mais ça n'avait pas été publié. Non, on en avait fait à la maison, on en avait oh. fait plusieurs. C'est ça, donc le premier, la première série, c'était ça. Euh... Donc il y en a une série qu'on avait construit pour les éditions bicéphales et je pense qu'on est en 2011, quelque chose comme ça. On a l'impression donc... que ça fait longtemps. Que... Ouais, j'irais ça parce que c'est 2011, le Nous premier... Nous étions jeunes. Donc Docteur C, les frères Le Glatin et toi, en gros, hein, c'est ça. Hein. Oui, ouais, il y a un ouais. peu la même équipe. Voilà, qui avait la même conçu équipe ça. Ouais. Donc le principe, c'était euh, ça. c'était... Euh, le Loubapo, c'est le groupe plutôt ou moins euh, construit autour de... Alors il y a la fabrique du Fanzine avec l'équipe des Suisses, donc Andreas Koundik, Baladji, ouais. Ibn Al-Rabin et euh, comment, Yves Levasseur. J'en ai bien Benjamin euh, Montello. Mon... C'est ça Montello. Hein Avant. Ah bon oui, je crois. Euh, il nous en manque peut-être un. On en a un magnifique d'Abdel euh, euh, Rabin là-bas, là-haut, avec des calques. Ouais. Où on voit. Euh, il faut mettre des calques et les calques racontent une autre histoire de ce que pensent les gens. Et il est très chouette. Un autre exemple voilà. de publication. Je vous montre celle-ci parce que globalement, enfin, les. Comment les. Les constructions oubapiennes ont à peu près les, les mêmes euh, défauts, d'une façon générale, que euh, les constructions oulipiennes, C'est qu'elles sont euh, comment, assez stimulantes euh, pour la compréhension de leur processus, mais le résultat artistique est généralement euh, pas, toujours, euh, bah, hum. pas très intéressant. Oui, c'est oui, euh... le jeu de l'esprit qui, qui est galvaniseur. Ça débloque la création. Ça fait ces jeux-là, les, les jeux à contraintes. Ça, ça permet de créer beaucoup de choses, mais en fait, il y a beaucoup de déchets, finalement. Euh, moi, je me souviens qu'on en, on en avait fait plein. On s'était amusé toute une soirée. C'est bien, euh, entre amis, de faire ça pendant une soirée, un jeu à contrainte. Et puis, euh, comme un cadavre exquis ou euh, des choses comme ça. On peut faire des cadavres exquis en dessin, par exemple, mmh. ou des choses comme ça, ou... Mais pour que ça donne des vraies belles œuvres d'art, c'est pas évident. moi. La plupart du temps, c'est juste un peu marrant. Il y a une espèce d'obsession du gag qui habite notamment l'Oubapo. cest que tout ce qui a été produit est presque exclusivement gagesque. Je crois qu'on en a un là-haut de la petite collection d'Oubapo. Ouais, Un seul qu'on avait trouvé. Opus 2 ou 3. C'est quoi, Embrouillamini Non, 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 il y a un des opus qu'on possède. Il y a une série d'opus Oubapien. Et presque tout est acheté Presque quoi. tout, voilà. oui, on, euh... on en a acquis que un sur tout le lot. Euh... Bah, les moments, en tout cas, de lecture sont extrêmement ouais. frustrants. Donc là, c'est un exemple... Euh, oui, c'est euh, où... ça, avec jouillonne, C'est ça, où l'enjeu artistique et, passe finalement, euh, escamote le principe d'écriture qui finalement n'est pas si... Euh... Enfin, il peut disparaître et il aura servi qu'à rendre possible une rencontre humaine. Et euh, ici, un ce qui avait été intéressant pour nous de, de concevoir c'est que cette euh, rencontre euh, complexe entre deux personnes qui ne se connaissent pas autour euh, d'une euh, bande dessinée à inventer ensemble, c'est-à-dire un moyen de se parler euh, en bande dessinée, justifie pleinement le fait qu'un mmh. protocole s'y installe et ouais. d'un seul coup le protocole vient ouais, en dessous tu l'avais rencontré justement pendant euh... en faisant ça Ar 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 en faisant ce genre de choses exactement ouais. donc on a et fait donc là ce... une, euh, une euh, autrice coréenne donc, une femme autrice coréenne, donc euh, pas du tout la même culture, ouf. et, euh, et c'était donc ce dialogue était intéressant, du coup, euh, ça crée, et puis muet aussi, donc c'est une bande dessinée. Euh... Bah, qui, qui peut être euh, lu par tous euh, et toutes parce que euh, alors à chaque fois là c'est pareil alors c'est presque le même principe c'est juste le ressac c'est de... les trois cases sont entourées à chaque fois de cases de l'autre protagoniste en fait c'est ça et voilà. qui peuvent se lire également euh, euh, toute ensuite seule. toutes seules et, et le euh... bouquin était très élégamment fait parce que là on a une couleur un peu euh, gris cendré euh, et du blanc et la couverture était magnifique je me souviens quand julien est venue la faire ici euh, couverture à deux euh, où Laurent avait fait un côté et l'autre côté. Je me souviens qu'elle avait froid <laughs> parce que euh, la cheminée marchait pas bien. Voilà, donc ouais. ce bouquin-là est un exemple de ce qui est en, Je sais pas qui existe encore, donc c'est un bouquin qui s'appelle Ressac et c'était chez les éditions Tanibis. Ouais. Pour ceux qui ont peut-être envie... Euh... Et pour finir, on a... Ah, as tu l'as be... mis là parce que c'est trop grand. Euh... As-tu besoin de mon aide voilà, pour le, le... Là, ouais c'est un travail qui a été publié par euh, les éditions euh, Polystyrène, hein, et c'est un dialogue avec euh, Benoît Pretzey. Hein. Donc euh, vous avez ici une case, plus euh, petite, hein, qui ensuite va croître, c'est-à-dire agrandit le récit de, de l'autre par un jeu de trois cases. Veux-tu que je rapproche la caméra Ah pourquoi pas, si tu veux, En euh... fait là, euh, n'espérez pas le mettre dans votre bibliothèque hein. Est ça, il est, est immense. C'est quasiment une table basse, c'est quand même ouais. un <laughs> petit peu caché. Oui, il peut servir de table basse éventuellement. Alors. Je viens avec la caméra. Hop. Tu m'as dit qu'il fallait soulever. Hein. Ouais, t'as mis les doigts devant. Ah oui ouais. <laughs> Super. Voilà, tu peux te rapprocher, hein, tu regardes sur l'écran de contrôle ce que tu fais. Donc c'est une case, une case qui est creusée. Voilà. C'est ça. Hop. Voilà. Et donc il y a un trou de l'autre côté. Hein. Et ça grandit et ça fait... Chacun des rédacteurs, donc c'est Benoît après et moi-même, finit par augmenter euh, la, la, le récit et évidemment si possible trahir, le but du jeu étant souvent de mettre des bâtons dans les roues de euh, l'autre évidemment de lui pourrir la vie quoi. Euh, J'essaye de pas mettre l'ombre, voilà. C'est un truc immense hein, voilà. Ah. Et ça s'appelle Carré 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 Carré, c'est ça Ouais c'est ça. Et ça finit dans une bande dessinée de 10 cases sur 10 cases, donc de 200 cases. C'est un récit policier complètement avec pour pouvoir trouver des machines. Et voilà. Hop, c'est bon. On est plutôt trop le ventre. Alors, est-ce que je fais une bêtise Je fais une bêtise Non, un en passant non, non, mais non, okay. pas du tout. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Super. <laughs> <laughs> Salut voilà, le Pierre Boulez. On a quelques livres assez encombrants César donc. <laughs> voilà donc on a prévu un espace particulier vous avez vu. Euh... Voilà. Pour, euh, donc c'est très grand, hein, je ne peux pas, bah pas vous montrer la taille, c'est grand comme ça. Donc euh, le pari euh, de l'obstruction, c'était de revenir à ces fondamentaux mmh. de l'Olipo, cette demande. Donc à chaque fois, vous avez euh, l'expression ici, du, enfin le manifeste, si vous voulez, de, euh, de la chacune des bandes dessinées. Et euh, ce qui va y, y conduire, c'est à ce qui va inviter à produire un récit. Et un des aspects euh, pas inintéressants de ce fascicule, qui est à la fois modeste, dans sa façon de s'afficher, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il se vraiment comme humble, il n'est pas très cher et à la fois il est soigné. A, ça j'apprécie. Pour moi, il y a vraiment, euh, hein. c'est l'essence du Fongina, ouais, c'est ouais. ça, c'est prendre au sérieux la question de la, de la beauté, de la manipulation. Là, par exemple, vous voyez pas, mais il y a un fil, un fil rouge très léger qui est vraiment très 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 euh, euh, élégant. Une belle, donc, croudue, euh, une belle couture. C'est une belle couture tout le long. Un travail d'impression ouais. très élégant également Parce que sur que s'intéresse aussi à la reliure, elle a fait des stages de relure. Ouais, et exactement. Ça. Et donc à l'intérieur, par contre, c'est très modeste, c'est du noir et blanc. C'est ça. Et ce qui l'est moins, c'est l'ambition le... esthétique. quoi. Ce qui est qu y a aussi ça qui est chouette, c'est qu'il y a réellement un désir. Là, c'est un travail de collage qui, a, je crois, été réalisé par Marius, qui est un peu obsédé par par les golspiraliennes. J'ai l'impression que Spirou est très présent généralement... pour un jeune homme. C'est très bizarre. Il a des obsessions de vieux. Donc ça, c'est un collage qu'il a fait avec une contrainte. Alors, je ne sais plus quelle est sa contrainte, mais ça doit être écrit ici. Une enquête de Gilles Jourdan, euh, donc de Tillieu, je crois. Hein. Euh, contrainte transformatif. Transformatrice, récit élaboré à partir d'un collage de certaines cases de la voiture immergée. Troisième histoire de Gilles Jourdan publiée dans le journal de Spirou en 1958. C'est là C'est ça ouais, c'est celle-là. Et donc le résultat, c'est cette, euh, cette chose-là. Et à chaque fois, donc, vous avez une petite explication du principe de base. Alors, il y a qui d'autre dedans donc, Ce qui est chouette, c'est qu'il y, a... y a qui d'autre Il euh, y a Jade Charlet, Laetitia Fuseau, Chloé, donc Chloé Ravenel, Macha Zelver, Faridé Terrani, Joanne Parmentier, Thaïs Gairo ou Guérot, je ne sais pas, Jade Malavallon et Philippe Mercier. Euh, donc, chacun a. Ce que j'apprécie quand même, il y a vraiment une vision plastique qui est, ah, est plutôt très chouette. Mignon, ouais. Il y a Mais... des choses très très jolies. Alors ouais. ah, c'est quoi cette double page C'est quoi la contrainte Le même dessin et le même texte ont été quatre fois avec des variations de sens, crâne d'œuf, contrainte ouais, pas... et utilisation de la technique de collage textile et double planche formant une boucle narrative. Ah oui, le bah, oui, ah, oui, personnage euh, monte. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Voilà donc... Je vous ai filé le lien des Instagram de Chloé et Marius. Donc là, je pense qu'il a dessiné d'une seule main. Euh, Peut-être la gauche, s'il est droitier, ou, de la... ou si elle est droitière d'ailleurs. Qui a fait ça en page 21 C'est Joanne Parmentier. Donc elle a eu pour contrainte de dessiner les planches sans lever le crayon, c'est ça, et en ouais. tenant la verticale, le coup toujours levé. Donc j'avais effectivement ça. pas levé le crayon, mais je pensais que c'était pas sa main. Si, si, c'est sa main de wow, travail. Ça donne des trucs super beaux. Donc c'est assez marrant. C'est très joli. Alors, il y avait euh, des expériences de ce genre tentées par parents, je me souviens des, des boules dessinées de la main gauche et de la main droite, les dessins de parents sans lever le crayon dans la revue de minuit euh, en, en 71-72, ouais, j'ai travaillé choses, beaucoup sur ce, de... ce genre de trucs. Mm. Hein. Est-ce que tu as, est as un insta pour ce truc-là Non, il n'y a pas d'insta pour ouais. 3 francs 6 sous, ils commencent, je crois que c'est leur première publication. ok. Mais ça donne vachement envie de les suivre. Construction de 3 francs 6 sous, donc plutôt les éditions 3 fiss C'est ça, hein, ça, ça, hein, ça. Ça va être tout comme PCCBA, ça va être chiant. Non, on dira 3 francs 6 sous. Alors, on a tout un panel de Samuel Etienne à vous présenter. On y ouais. va On va y aller. On va peut-être euh, commencer par sa compagne plutôt. Ah, c'est ça. Comme ça, après, on a. Euh... Ouais, t'as raison. Ah, c'est quoi Ah, mais t'avais raison, il y en a bien six. Hein. Oh, ah. Qu'est-ce qu'on est brouillon Merde. C'était le, le dernier des petits lacartes de Michard. Je me souviens de cette œuvre d'une pile de posters de photos de Warhol. Bah, voilà, bon, bah écoutez, <laughs> c'était le sixième. Il y en avait bien six. Et voilà. désormais, bah, il y en a plus, hein, puisque euh... <laughs> je vous l'ai dit, il m'en manque au moins un exemplaire. Alors, j'ai pas réussi à lire son nom, euh, Nathalie. Alors, je ne sais pas Friou. si c'est Riou ou Fiu ou, ou je ne sais pas. En Fiu fait, peut-être Si je savais. Euh, hélas, ce n'est pas si simple. Euh... Hélas, euh, Samuel, si tu es là, peux-tu nous dire comment ça s'appelle ta compagne Car euh, euh, le nom, moi je lis Friou. Euh, tu dirais Pryou, tu Friou Friou. Ou friou ouais. avec un F. Enfin, ouais. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle fait partie d'un groupe. Voilà. Elle euh, était euh... présenté comme ça à Saint-Malo, donc au Waltzine. Ouais, c'est son premier zin. C'est son premier zin et il a eu du succès, je dois dire. C'était présenté sur une petite assiette Merci. en carton avec une serviette, donc au bord de la plage, donc ça tombait bien. Et il y avait l'option mettre, elle mettait de la colle et du euh, et du sucre glace dessus. C'était l'enfer. L'enfer parce qu'on était à côté et on avait qu'une peur, c'est qu'avec le vent, le sucre de glace vienne sur les productions. Enfin, c'était vraiment... Nous, on a refusé parce qu'un <laughs> fanzine qui colle, nous, on a déjà non. donné. Hein. Non, comme fanzine qui colle dans la bibliothèque, vous... on ne fait pas C'était rigolo ça. sur le coup, mais ne le faites pas. Je ne faites ça, pas ça chez drôle. vous, mais c'était drôle. Et donc, c'est autour de la... de la bouffe un petit peu, mais pas que, je crois. Il hein. y a des poèmes. Non, en fait, c'est une série de chansons. Ah, c'est les chansons de... C'est ce que j'allais dire. Ah, euh... oui. En fait, de Brigitte Fontaine, Nathalie ça fait partie d'un groupe, et c'est par le biais de ce groupe qu'ils se sont mmh... rencontrés, puisque... Samuel était auditeur de ce groupe depuis un moment. Ce groupe s'appelle Half the Moscovic, euh, donc c'est un groupe plutôt rock. Alors euh, ils ont eu la gentillesse à l'ouverture du euh, festival euh, de, de filer à tout le monde un disque de Half the Moscovic. Euh, le titre de l'album, c'est Là où les idées vertes incolores dorment furieusement. Je peux vous montrer le, le lien du groupe. Ils ont un bandcamp. Que voici. Contrôle. C'est Ouais, j'avais pas tout compris eh ben ça oui. venait d'un groupe de musique alors, alors je vous montre le fanzine pendant ce temps-là donc il s'ouvre au milieu tac, avec une petite partition un joli petit dessin ça c'est le bandcamp que je vous montre hop <laughs> donc vous avez quatre albums celui qui nous a été filé c'est <laughs> celui-là Alors normalement vous avez pas le son, mais il y a peut-être moyen. Je peux tester ça en coupant ça et en faisant ça. Peut-être peut y avoir une sortie son. On va voir. Vous, ouais, vous dites si vous entendez. Ouais, ça marche, on dirait. Ah bon vois... Ah oui, je vois le son qui rentre. Je vois le bazar qui rentre. You don't want to now. Alors bon l'album j'ai essayé de l'écouter mais c'est quand même très rock c'est pas du tout ma tasse de thé je trouve la tension extrêmement charmante mais vous savez bien que ouais, dès l'instant où Alors il y a on deux me... pas, si. comment on t'entend parler tu crois Oui. d'accord dès l'instant où il y a deux mesures pareilles vous savez que j'ai envie de mourir d'ennui. donc euh, même si euh, il se passe des trucs dans cette musique qui outrepassent un peu le, le plan rock de base c'est c'est très insuffisant pour euh, m'emporter mais j'ai trouvé ça quand même plutôt très très gentil et, très et pourquoi cool. une gaufre du coup euh, pourquoi une gouffre Est-ce qu'il y avait un mobile à tout ça Est-ce qu'il y avait euh, une bonne raison Cousse, cousse, couscous, sans à déguster, sans modération. Attendez. Numéro 1. Je vous montre quand même le groupe, le, le... le site du groupe lui-même. Ils ont leur propre site. Il n'y a pas que, si vous voulez, un, un de camp. Voilà. Là, vous en saurez un peu plus sur le groupe lui-même. Je vous ai pas filé l'adresse. Je vais le faire immédiatement et je me rattrape. Hop. Je vous copie ça dans. Euh... Oh là là, c'est chiant, ça marche très mal. Bon, c'est pas grave. Je vous copie les deux d'un coup. Ça me fait chier. Euh, ou alors, je supprime ici la moitié. Hop, hop, hop. Voilà. Donc comme ça, vous pourrez aller écouter ça. Voilà. Et voilà. Et euh, sinon, euh, on va pouvoir regarder quand pourquoi même ce frangine. Pourquoi du sucre de glace Mais parce que c'est une, euh, une euh, gaufre. Voilà. Qui était présentée sur sa petite voilà, assiette. Qui était sur sa petite assiette. Ah, pourquoi pas de la confiture Je ne sais pas, dans ah. la tradition, la gaufre, c'est du sucre de ah, glace. Ah, à la confiture, non, là, ça devient très très dur là, vraiment. Donc, ce sont des chansons. Le, ce qui, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est que Nathalie a, a tenté pour la première fois Elzine parce que son chum fait du qu'elle Elle allait au que ça semblait l'amuser beaucoup. Elle a pris très au sérieux le pari du truc et elle s'est dit euh, Je vais vraiment y aller à fond et inventer un truc. Et l'objet, en termes de manipulation et de, de, de création plastique, est bah, quand même. Les gens ont été attirés. Bah... Ça, on l'a vu vendre son fanzine. Hein. Ah, moi, j'ai pris vraiment du... beaucoup de plaisir à regarder cette chose, à l'acquérir. En plus, c'était à prix livre. donc il a l'esprit du fanzine était complètement là. Je trouve qu'elle a vraiment assuré un premier, ouais, zine, un on... premier zine, on attend avec impatience de voir ce qu'elle va faire. Pas du foutage de gueule. Hein. Non, non, elle non. a vraiment fait le truc à fond. Moi, je voilà. suis plutôt très dépassée. Allez, hop. Donc après, on passe aux productions. Ben là, on a fouillé dans les. Dans les... Dans le bac de Samuel Etienne, qui était à côté de nous, et on a encore découvert des petites merveilles. Hein. On en a beaucoup. On vous en a déjà présenté énormément. Hein, le Sismotrain, le Pays Camant, c'est cet énorme euh, livre, euh, enfin coffret euh, en carton sérigraphié avec des, des boîtes de, de Pays Camant, de donc les, les, les boîtes de Pays Camant, euh, Voilà, hein, comment voyager euh, sans bouger de chez soi. Grâce à ces gélules que l'on doit tenir dans la main. Donc là, je vous montre rapidement voilà. les deux euh, sites. Le site de Wild Saloon, euh, donc Saloon, qui était le salon où nous étions, au bord de la mer, à Saint-Malo. C'est le... vraiment sur les quais, le... la... c'est à la plage, quoi je crois qu'on leur a montré l'année dernière, j'avais ouais. même fait un petit avais film. J'avais fait un petit film ouais, ouais. l'année dernière, c'est vrai, ouais, tout à fait. Je leur ai montré. Donc, c'est la deuxième fois qu'on vous emmène au Helvin ouais. Saloon. Et Strand Flat, qui est le site qu'on est en train de regarder, qui rencontre de plein d'autres choses dans les, euh, les centres d'intérêt de, de Samuel Etienne et aussi dans ses, euh, dans ses publications comme Fiction Science numéro 0 qu'on va, va pouvoir vous montrer euh, ouais. par exemple. Donc le travail de Samuel Eten est indéniablement un des plus originaux et des plus féconds que j'ai pu trouver ces dernières ah. années. Il a vraiment une place très à part. Dans Donc, la création de Fanzine. On avait déjà acquis quelques pays camons. Là, on a l'hyper-objet maintenant. Alors, la notion d'hyper-objet, c'est une notion euh, contemporaine en écologie qui vaut. Enfin, de, qui est plutôt. J'attends de m'y plonger avec un peu plus de détails, mais qui voudrait Donc, proposer euh, une espèce de nouvelle ontologie, mais qui croit quand même assez fort en, en l'ontologie et qui vise une espèce de réalisme du dépassement, c'est-à-dire un, un réalisme inatteignable dans l'expérience qu'on peut faire euh, de cette ontologie. Mais qui pour autant la réaffirme comme une véritable ontologie, c'est-à-dire okay. ayant un caractère d'existence dans le monde. Donc l'hyperobjet vise essentiellement à décrire, ou plutôt à parler, à évoquer euh, d'objets qui euh, sont en constant dépassement de la capacité à les embrasser, dont les effets sont réels, mais dont précisément on ne peut pas mesurer les effets à cause de leur extension infinie. Autant vous dire que, enfin infini ou en tout cas une espèce de surcomposition de l'objet au-delà de ce qu'on peut en définir comme Objet type, objet localisé. Donc, c'est une ontologie orientée objet qui me semble pas très éloignée, peut-être que j'ai pas compris, de la proposition lagnisienne, par exemple. Je vois pas ce qu'elle apporte de plus. Sinon, elle, elle fait appel à une espèce de, euh, comment, euh, de modestie politique, écologique qui euh, va pas se sauver à mon avis avec ce type d'invention euh, conceptuelle, j'ai pas l'impression. Mais bon Salut, évidemment ça lui ça ça évidemment euh, Samuel Etienne et ont fait quelque chose d'autre Et, il et a, donc il... ici on a toujours la petite notice la petite notice du docteur Saitoum qui explique comment utiliser l'objet. Ici, on a toujours les petites gélules avec du paysage dedans. Ou de Ici, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est bah, écrit sur le côté poussière. composition poussière, poussière paysagère, broyale lithologique, extrait de végétaux, humeurs animales, molécules aériennes, excipients à effet notoire, déchets anthropiques. Mode et voie d'administration, comme d'habitude, voie cérébrale. en voilà. voie cérébrale uniquement. Voilà, la carte du docteur Saitung. Voilà, donc la boîte hein, qui est euh, exactement faite sur le modèle euh, d'un médicament, hein, avec euh, une notice ici, euh, la, date de, la date de péremption, quand est-ce qu'il faut administrer. Et là, c'est le quatrième objet sur 29. C'est ça. C'est bah, quand même Et très soigné donc, en termes de. C'est de... extrêmement soigné. C'est les laboratoires Saitung. Donc là, on est vraiment dans le. L'objet fabriqué, manipulé, euh, objet cérébral. Euh, euh, moi, j'avoue que ça me fascine tout ce travail. Bah j'avoue que tout le travail autour des pays me me fascine vraiment. Euh, avec cette idée de voyager, euh, de, euh, de, de renvoyer, euh, de créer un objet qui, euh, qui stimule la pensée euh, de ce que peut être l'imagination. Voyager par la pensée, mais grâce à un objet. Euh, euh, avec cette euh, cette euh, dire référence aux médicaments qui est très très bien. Alors là il y avait un truc dedans. Faut pas... Voilà, c'est ça. Tout faut... ça continue ah. à travailler ouais, sur la question euh, de euh, comment de ces médicaments, de ces d'une euh, façon finalement de traverser le monde à chaque fois différente par euh, des manifestations plastiques, par une là, interrogation, des... euh, enfin, par par d'autres modes du prélèvement finalement. Il y a une réinvention complète de la là, notion je de crois prélèvement pris des choses dans la nature pour dessiner ce qu'il voyait si je me souviens bien c'est ça il fait des soit des frottages, des... Frottages, soit... des euh... donc il y a toujours un lien avec euh, avec son sa, sa spécialité hein, donc euh, la, géomorphologie. la géomorphologie donc voilà et il allie vraiment dans son travail son, son travail scientifique et, et son travail de de vineux, il faut le dire et il le prend vraiment au sérieux donc on a euh, ici donc euh, ca... ça fait partie des pays camants, donc il a pris sur place euh, les matériaux qu'il trouvait pour euh, dessiner euh, ce qu'il voyait avec donc des terres euh, des terres colorées et donc euh, ici c'est euh, justement frottage de fragments paysagers collectés au pied de la falaise, de la falaise. donc c'est à Pénestin. donc nous on avait déjà quand on est à la qu'est-ce qu'on avait fait on avait ramassé aussi des euh, des voilà, choses des euh, euh, parce qu'en effet la, la falaise est très très colorée il y a, on pense tout de suite euh, si on est un peu artiste on pense tout de suite à des à des euh, comment des ah j'oublie le nom comment des pigments voilà des pigments et donc il a dessiné la falaise de Pénestin avec des, des cailloux des pigments euh, voilà qu'il a fait sur place voilà et c'est vraiment Très beau. Et là, c'est le. C'est pareil, 25 sur 30. Il y avait 30 exemplaires. Donc ce fanzine est obligatoirement accompagné d'une pi, pilule euh, picamenteuse. Hein. Donc euh, je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais euh, on l'a peut-être déjà <laughs> consommée <laughs> cérébralement. Voilà celui-ci. Donc celui-là avec du calque et des, des petits frottages. On a celui-ci. Et là, quoi, on arrive là dans autre chose qui est vraiment intéressant. Alors ça, c'est dans le même esprit. Mais après, je vais vous montrer les deux ouais. autres. Donc, Alors... Karst, c'est encore une réflexion sur le paysage et une façon d'y intervenir avec Dominique de Donc, il fait pas mal de trucs. C'est une rencontre assez féconde artistiquement et intellectuellement. Et là, c'est un travail sur, de réflexion sur le fonctionnement, le, le processus du Karst qui est un ensemble de modelés dont ils disent qu'ils sont issus de la dissolution des roches carbonatées, comme les calcaires ou la craie. Donc c'est un, un, un résidu, en tout cas un, une production euh, géologique particulière. D'une certaine manière, ils, euh, ils ont décidé de, de, de construire une situation, par euh, l'enfouissement, si j'ai bien compris, d'un bloc de polystyrène, euh, une situation de l'altération de ce bloc qui va conduire à un processus un peu semblable. Euh, et ça rentre dans euh, un nouveau, euh, comment dire, un nouveau mouvement de travail euh, chez Samuel Etienne, qui est euh, cette, cette espèce d'expérience buvard et pichet. Donc un détournement euh, d'alcolo euh, de Bouvard et pécuchet. c'est-à-dire que ça fait un moment que, que Samuel travaille sur les acasines et sur la façon de faire se joindre ses préoccupations scientifiques avec le mode de production artistique du fungine et tout ça est régulièrement combiné à l'intérieur de son travail Là, éditorial. C'est une de fiction science. Et il décide donc, avec Dominique Debert et un, visiblement un soir d'ivresse, d'emprunter à Flaubert, à ses Bouvards et Pécuchet, une espèce de composition humaine de travail euh, qui va donner lieu à des explorations dès de la rencontre entre les préoccupations euh, scientifiques, les objets de la science, les objets de l'art, les préoccupations artistiques. Et euh, pour mettre à jour, euh, à l'intérieur de fongine, euh, comme on pourrait dire ça, les. Euh des jeux d'hypothèses, de représentations, de fantasmagories, qui peuvent naître de ces euh, différentes façons de raconter le monde, de l'interroger et de le représenter. Alors, pardon, ce sont les objets dessinés qui sont aussi dessinants et des objets autres prélevés du même site. Il y a un peu tous les processus possibles et imaginables. Donc, euh, je ne pense pas, par exemple, qu'il est tenté de représenter la, la falaise de Pénestin en récupérant sur place les objets, mais des fois, il y a euh, des frottages euh, qui rentrent, quand, enfin, quand je dis des objets, des, donc des parties... Pigments qui constituent la falaise. Mais quand tu... je crois que c'est ça, non Pas nécessairement. On vous en mmh. assez vain. Ce n'est pas très, forcément très intéressant. Mais ça c'est plutôt à, à prendre comme un, un dépôt de savoir et technique au sens de, de Denis Roche. Euh, C'est drôle d'ailleurs, Denis Roche, euh, géomorphologue. <laughs> euh, donc, dépôt de savoir et technique de Denis Roche. Euh, ça peut être des frottages de pierres, du, comme on faisait autrefois des frottages de tombeaux au 19e siècle. Et dans ce cas-là, ça rencontre de façon très littérale d'un objet du littoral. Euh, je pense qu'il peut aborder tout, tous les moyens possibles et imaginables pour en rendre compte par la représentation ou par la oui. présentation ou par la, la translation. De toute etc. façon, on voit bien que dans, dans tous ses travaux, il va essayer d'en. Tous les moyens, par exemple, quand il est sur un site, il va faire par exemple une, une installation et de cette installation, il va faire des panneaux et de ces panneaux, il va faire des images et après, il va en faire des fanzines. Il y a toujours, on voit bien dans le gros pélicament, enfin, le, 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 le coffret pélicament, on, on voit qu'il fait feu de tout bois, un, un peu comme faisait euh, Michel Bacher en son temps, c'est-à-dire qu'un truc va être réutilisé, puis réutilisé, puis réutilisé, et donc après, euh... euh par exemple, après avoir fait une intervention sur le, sur le, comment dit, sur le paysage, il va euh, euh, en faire des photos, euh, le, en témoigner. Et de ces photos, il va en faire des panneaux. Il va, il va refaire une, une intervention. Il va en faire un fanzine. Et ça, et ça ne s'arrête jamais. Là, on voit que Karst euh, existe en, en pilule aussi. Enfin, donc, c'est comme si c'était un travail infini. En fait, tout, toute l'œuvre de Samuel Etienne, j'ai l'impression, même le Sismotrain, on peut le mettre là-dedans. C'est-à-dire mmh. euh, laisser son crayon guidé par les, les, par les vibrations du train. Euh, j'ai l'impression que c'est toujours rendre compte du, du terrain, mmh. quoi qu'il fasse. Et en fait, il emploie tous les moyens pour ça. Donc il y a ces deux-là. La série Bouvard et pichet, donc oui. euh, enfin, Bouvard et pichet qui est conduit à ça. Euh, c'est euh, une autre branche du travail. Qui peut amener donc plutôt à, à travers la rencontre, donc le travail collectif, à, euh, à, à mettre en lumière euh, ce qu'il y aurait de fécond hein, à cette beau. composition euh, scientifique et, euh, et artistique en même temps. Le, alors là, la, la plaquette est un peu plus incrate au, au niveau de sa, sa réalisation puisqu'elle a un caractère un peu plus industriel. C'est ouais, très très beau. L'intérieur est, est très beau, mais c'est une facture beaucoup plus banale d'un point de vue éditorial que c'est Fonsi, mmh. évidemment, parce que c'est distribué, c'est distribué par les presses du Réel, parce que derrière il y a de la subvention, donc il y a une attente un peu particulière au niveau de la réalisation, mais que je, je, ça ne, ne vous laisse pas imaginer que c'est moins intéressant. Le bouquin est passionnant. C'est de multiples expériences d'artistes euh, dans des cadres euh, comment euh, scientifiques, c'est-à-dire dans des cas de rencontres avec des scientifiques, la plupart du temps. Euh, ou euh, qui s'emparent euh, d'objets euh, scientifiques, soit de façon métaphorique, soit de façon processuelle, c'est-à-dire à, à l'intérieur de leur processus, quelque chose empreinte à la régularité euh, des méthodes scientifiques. D'une manière générale, c'est compliqué de, évidemment d'imaginer de, de, une... une Enfin, ça, c'est exactement ce que le mmh. typique de ce qu'on vient de voir avec Samuel Etienne et, et Dominique Debert, c'est euh, une géomorphologie euh, artistique un, un peu déviante. En bref, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est compliqué, euh, c'est d'imaginer une demande de la part des scientifiques. Euh, pour l'instant, la demande, elle, elle est plutôt unilatérale. Oui, Autant les la artistes. Part des artistes ouais. C'est ça, autant les artistes sont très intéressés euh, pour euh, ouvrir leur travail à, au, à toutes les perspectives possibles, donc également euh, peuvent être passionnés par les objets de la science, autant souvent les scientifiques ne voient pas très bien en quoi les artistes pourraient les aider à penser et à travailler. Je pense que c'est ces trucs-là que, que Samuel essaie de résoudre. Mmh. De, 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 de... Oui, quand vous êtes allé là-bas euh, travailler avec euh, les gens euh, de je ne sais plus quel organisme, là. Euh... C'est un peu, euh, ouais, peu d'essayer de convaincre les scientifiques qu'ils ont aussi intérêt à, à, cette, à cette interpénétration des champs. Euh, ouais. Et euh, ici, donc, ce sont les blocs, j'imagine, les blocs de polystyrène qui ont été enfouis, c'est ça Oui, enfin, ils n'ont pas été que enfouis. Hein. Je crois qu'ils ils leur ont fait subir pas mal de trucs. Oxygène, un... molécules. Ah, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils leur ont fait faire euh, bah je ne sais plus, parce que j'ai lu le bouquin au moment où je l'ai récupéré et euh, j'ai oublié quelle, quelle torture ils avaient fait subir à, à ce matériau. Donc, qu'est-ce euh, que donc la matière, il se pose la question ouais. Alors, ils s'amusent beaucoup, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a, euh, je ne sais pas comment ils ont réparti les rôles, c'est-à-dire qui est Buvard et qui est Pichet, <laughs> entre ces deux-là. Mais en tout cas, ils se répondent de conférence à conférence. Alors, je ne sais pas si les conférences ont vraiment eu lieu dans le cadre de cette rencontre-là, euh, parce que tout ça a été fait, euh, euh, enfin, c'est un, un projet un peu particulier euh, qui a réuni euh, euh, des gens pour réaliser ce fascicule avec des produits de résidence de rencontres et, euh, et d'interventions. Je ne sais pas si la conférence et contre-conférence existent en dehors, tu vois, ouais. de leur matérialité éditoriale. Mm -hmm. Je suppose que si, qu'ils ont dû mener ça jusqu'au jusqu bout. bout oui, oh, oui, je suppose. Ouais. Donc, c'est un, un livre assez passionnant parce que ce qu'ils ont tenté pour eux-mêmes, vraiment ouvrir des perspectives euh, qu'on pourrait dire de co-fécondation mutuelle, ben, c'est opérationnel pour nous aussi, lecteurs et lectrices. Il se passe vraiment euh, des trucs de cet ordre-là dans nos désirs. Mais sans ça, c'est rare. Euh, moi, je pense qu'il faut profiter de cette euh, opportunité de, 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 en tant que lecteur de ces, et puis de, 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 de voyeur de cette, de cette rencontre qui n'a jamais lieu. Il y a toujours une rencontre ratée euh, dans la vie de tous les jours. Là, je crois que Samuel Etienne, et il essaye vraiment d'y aller, quoi, de, de faire le truc, quoi, de faire le job. Je crois que c'est parce qu'il est au bon endroit ouais, d'un est... point de vue social. C'est-à-dire qu'il mmh. a l'oreille a de scientifique puisqu'il en est lui-même un, il a des rapports, donc, continu à l'intérieur de son il est pris au sérieux cas. en tant que scientifique. Il est pris au sérieux en tant que scientifique et comme artistiquement, bah, ce qu'il produit est assez intéressant et assez excitant pour lui donner également l'oreille des artistes, alors... Il est euh, l'homme de la situation. Est, même dans les sciences, il est à la croisée de plein de centres d'intérêt euh, actuels, comme l'écologie, euh, l'environnement, etc. Ah là, 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 Alors, ça, c'était aussi chez lui que j'ai ah, récupéré ça, mais c'est pas lui. Hein, donc ah, tu as un crise d'abord. Ça, ça c'est encore lui. <laughs> Hyperfangine d'effondrement. On peut pas vraiment. Donc, la, la crise environnementale est-elle un hyper-objet donc, euh, Samuel est particulièrement intéressé par la notion d'hyperobjet. J'attends un petit peu avant de voir si moi-même je je prends au sérieux cette proposition de quoi de comment il s'appelle uh, Timothy Morton. Hein. Euh, je sais pas encore. Je verrai. J'ai l'impression que philosophiquement, ça pèse quand même pas très lourd, même si je comprends que ça puisse exciter l'imagination. Et, euh... Et là, on... ah ben la voilà la, la pilule, ouais. ah, le... ça C'est super beau. Oui, oui, c'est. Alors là, bah, c'est encore le Pénestin. Oui, c'est ça, ça. Bah, ça va avec le bouquin de Pénestin. C'est le, le pigment qu'elle a avec. Le fameux pingou. Enfin, c'est une hypothèse. Je crois que ce qui est intéressant dans celui-là particulièrement, c'est qu'il y a une hypothèse qui a été émise par un scientifique sur euh, une structure géologique euh, qu'il a défendue âprement. Et il a et défendu aussi âprement, quelques temps plus tard, la destruction de cette hypothèse. <laughs> Je pense que c'est un des trucs qui a fasciné énormément. Euh, comment ça met les tiennes <rire> Voilà. <rire> ne t'inquiète pas, Samoussassa. Oui, nous parlons évidemment d'un autre, mais on va dire il n'y en a pas d'autre, comme le dit euh, Suze. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Évidemment, avec les... Enfin, c'est vraiment... C'est souvent des choses intéressantes. Mais à chaque fois, on, on a, à travers un de ces fanzines... Pour nous qui, qui avons une faible connaissance euh, de la, la géomorphologie. géomorphologie ouais. On apprend on... des trucs sur découvert ce que. J'ai peur le mot connaissance de Samuel. Pingo, a... ah, bon, tu... Karst. Ah oui, non. Euh... Et puis il y avait son fanzine Boulder. Ah très très bien. Sur les cailloux. Sur les cailloux, dont on a quelques exemplaires. A et tout. donc, dans sa petite boîte à malice, il y avait aussi ça. Donc, euh, l'auteur de ça, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est ça, Carolina et euh, Ruiliano. Donc c'est un truc un peu ancien, mais ça m'a beaucoup plu visiblement. Cette personne fait des choses très différentes maintenant. Ça ah, as chopé un lien ou non, pas Non, pas du tout. C'était toi qui t'occupais de cette pile. Donc c'est euh, Geometric Line par euh, Carolina et Juliano Desbois. Ah. Et donc c'est une géométrisation des euh, des formes. Et donc euh, c'est complètement en lien avec euh, ce que fait euh, Samuel. Je pense que je vois pourquoi il a aimer ce truc mais c'est vraiment super bien c'est très beau très très euh... alors je sais pas si on voit vraiment les, le travail géométrique fait sur les cheveux j'ai l'impression hein. voilà donc euh, moi ça m'a beaucoup plu ça m'a fait penser à, à cette fille dont j'oublie le nom mais euh, qui avait fait euh, des euh, des coutures sur carte postale comme autrefois euh, on faisait ça quand on était enfant on avait des cartes postales cousues euh, de de vêtements euh, traditionnels euh... Et j'aime beaucoup ce principe de couture. Euh... Et là, c'est de la couture numérique, d'une certaine ouais, façon. Je vois. Voilà. Ouais, je comprends. Et euh, ça m'a fait penser beaucoup à ça. Et c'est comme, ouais, voilà, une, euh, comment on appelle ça, une vectorisation du monde, quoi. Par exemple, euh, là, c'est ailes sur cet homme qui, qui saute, oui. qui plane. C'est une façon comme une autre de rendre compte euh, du, du regard, quoi. Cette ouais. main qui devient, euh, euh, vous savez, comme ce jeu qu'on fait avec les ficelles, là, euh, à deux. <laughs> enfin, moi, j'ai trouvé ça super bien. Donc, j'ai pris ça, mais Samuel m'a dit, euh, euh, ils ne font plus du tout ça, maintenant. Ils font complètement d'autres choses. Voilà, ça a été une période... Euh... De leur travail. De leur travail. Donc, bon, donc je n'ai pas leur le nom, mieux, rien. Donc, quoi, Carolina. Carolina, Eroliano. Et et... Du... Des bois. Des bois, Des bois. Des bois. On a oui. un seul mot, des bois Non, des bois. Ah, bah on a un shit. Bah, attendez, un cheat on, peut, on peut aller voir. Et on donc, va... là, c'est que 50 exemplaires, hein. Voyons ce que c'est que ce site. Alors, on comprenant va Comprenant une œuvre originale signée et comprenant une œuvre originale inédite. Ah ben, l'œuvre originale, je ne sais pas si elle est encore là. Hein. Remontre-moi la, la page. Là, je ne vais Tiens. pas y arriver. Donc, c'est un Wix site. Ah, merde. Ouais, ah, oui, non. Ouais. Allez, moi, je n'arrive pas à aller là-dessus. À chaque fois qu'il y en avait un, j'ai essayé. J'attends. Alors, julienjaffre.wixsite.fr. Uh, j'avais pas fait attention je suis L'idée est de souligner un détail, un geste, un sentiment ou simplement de suggérer une dimension poétique à une photo en privilégiant les photos surannées ou perdues au travers d'une succession de traits géométriques aux couleurs vives. Ces photos inspirantes ont été glanées au détour de brocantes ou de flâneries sur le net. Elles sont l'œuvre d'artistes reconnus ou non, simples ou inconnus ou célébrités. Matière de base à une relecture poétique qui doit être vue comme une révérence artistique loin de toute considération mercantile. Ah, si, si Donc de c'est des œuvres qui avaient été réalisées entre 2012 et 2017. Et je pense qu'au départ, il y avait une œuvre originale dedans, mais là, euh, je, je ne vois pas d'œuvre originale dedans. Elle a dû disparaître. Ou alors chaque euh, livre était différent, peut-être. Il n'en avait plus qu'un. Il devait les traîner depuis un moment. Voilà, c'était ce truc-là. Donc euh, qu'est-ce qu'ils font maintenant Carolina Eruliano. Ça c'est leur carte marine. <laughs> ah d'accord. Il, il, ah oui, ils euh, comment dire, ils euh, il dessinent sur il, carte euh, marine. Ils oui. il impriment sur carte marine. Comment on appelle ça Ils agrémentent... non ils agrémentent pas. J'oublie le mot. Ils réha. Oui, c'est ça. Ils réhaussent les cartes marines. Ils impriment sur carte marine des trucs, ouais. D'accord. C'est beaucoup plus dessiné que... Beaucoup moins modeste comme geste que ce que, oui. euh, ce que je vous montrais, qui était vraiment... Vrai. Euh, J'aimais bien le côté modeste aussi, le côté euh, juste on rajoute des traits pour souligner quelque chose. Je comprends. Et puis la géométrie, le côté géométrique m'avait beaucoup plu. La fameuse... Euh, voilà, la série géométrique c'est ça, un petit travail graphique autour de la ligne. Et vraiment moi ça me fait penser à ce travail de couture que... qu'on qu faisait autrefois, ouais un côté un peu là un peu kitschouille. Ouais, là, ils ont ouais. là on n'a plus la simplicité du petit bouquin que je vous ai montré. Non, non, ça, ça anecdotise un petit oui. peu. Bon, en tout cas, c'est n'est pas toujours aussi, euh, aussi intéressant. Des fois ça peut être très anecdotique. Bon, le bah... ce petit bouquin là était très bien. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais, je suis assez fascinée. Voilà. Donc voilà, c'était ça tu pas montré ça tout à l'heure. Ah, ben bah, il était avec les autres. Ah oui, là-bas, ah oui. tant pis, c'était avec les dégénérés. C'était un bouquin euh, solo. De, de, de Claire, de Claire, ouais, qu'on a chopé au petit salon euh, Fanzine, dont on va reparler tout de suite, parce que... Euh, je crois que j'ai un lien vers le salon. Est-ce que je l'ai mis ce lien vers le salon bah, Attends. Eh, On est bordélique, hein vous avez vu, c'est brouillon. C'est n'importe quoi. Est-ce que j'ai fait ah, là, ça pas Quand vous, vous y retrouvez. Hein c'est l'effondrine du chat dans la gorge. Est-ce que j'ai pensé à mettre ça de ouais, côté Oui, bien. Ben, J'avais ré euh, récupéré, je crois que c'était à Rouen, au, à microphasme il y avait une jeune fille à côté de nous qui faisait un cyanotype cousu. Je ne l'ai jamais montré. Il faut que je vous montre ça. Je vais le chercher, Laurent, le petit cyanotype euh, que la fille cousait à côté de nous et que je lui ai acheté. Hein alors, si tu veux, alors, euh, les du chat dans la gorge avait organisé donc, un petit salon à Redon. Et c'est là qu'on a trouvé la chose qu'on va vous montrer maintenant, le haut serpent de Soufiane Valero. Donc, euh, je crois que j'ai noté là, puisque je n'ai pas été foutu de le noter. Voilà, c'est ça, de le noter au bon endroit. <laughs> c'est ça, heureusement que je l'ai noté sur mon propre Instagram, couillon que je suis. Donc voici le lien vers euh, les, euh, les fanzines chat dans la gorge qui ont organisé ce petit salon-là, que voici, dans un jardin à Redon où on a acheté euh, euh, plusieurs trucs. Voilà, voilà. D'ailleurs, je note que la première personne nommée, c'est Soufiane, précisément, donc, ce qui va nous permettre de faire un enchaînement tu du tonnerre une... de Dieu. Un aparté, ah rien si à voir, mais un peu quand même, parce qu'on parlait des cartes cousues. Donc, à Rouen, à, à Microphasme, il y avait à côté de nous une jeune fille qui avait... Donc, voilà, ce cyanotype est fait sur un papier dégueulasse. C'est un papier de... C'est le papier du, du programme, en fait, hein, qu'elle a ornementé. Liste des lieux culturels. Donc, c'est vraiment un bout de papier qu'elle a euh, cyanotypé. Donc, il y a une... Euh, il y a des couleurs euh, ro rose, euh, violacées. Euh, on voit des plantes. Et alors, sur la table, je la voyais en train de faire, elle faisait des... Euh, si tu peux montrer de près, donc c'est des petites coutures. Il y a des petits trous. En fait, elle fait des petits trous. Il y en a qui n'ont pas été cousus. Hein. Donc là, elle a... il y a des trous <laughs> qui font la... la forme et qui n'ont pas été cousus. Là, elle a fait des petites coutures. Donc c'est vraiment dans l'esprit de ces petites cartes postales qu'on avait dans le temps. Voilà, elle, fait... elle cousait donc son cyanotype. Et voilà l'envers, si vous voulez voir. Voilà. Et en fait, j'ai adoré ce truc. Et euh, du coup je l'ai acquis et donc elle m'a mis son nom dessus emma arnaud emma arnaud euh, hashtag emma c'est ça à euh... e deuxième a euh, donc je voilà. suppose que ça à ah, regarder ça tout voilà. de suite hein, si donc, tu veux euh, regarder ça, le truc. bon vous en avez déjà donc il ya des petits trous aussi j'aime beaucoup euh, là il ya des ah, bah j'ai me demande plusieurs trucs en même temps, je, je vous ne peux descendu, pas. mais c'était. Euh, en fait, ça décore euh, mon atelier. J'aime beaucoup truc -là, ce là. truc -là. Voilà Est-ce que c'est elle. Voilà, mmh. qui fait ça. Et je peux vous mettre son bon, Instagram. C'est tout à fait possible, puisque c'est uh, hashtag AMA. Uh. Voilà, donc c'était en 2022, hein, ça date un peu, mais c'était parce que voilà, j'y pensais et uh, ce travail uh, de ligne-là m'avait fait penser à ça. J'aime vraiment beaucoup ce, ce principe. Bah, visiblement, ce n'est pas quelque chose qu'elle met en avant, effectivement, euh, dans son travail de jean. Bah si, il y a du cyanot quand même, tu vois. Regarde. Là, elle... Ici, ouais. 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 Mais elle ne fait pas de la couture. Euh, non, elle ne le met pas forcément en avant. Mais elle fait des petits livres. En fait, euh, ce que j'avais remarqué, comme beaucoup d'artistes, ce n'est pas ce qu'elle vend. En fait, ça, ce n'était pas un truc qu'elle vendait. Mais moi, je l'ai vu faire ça. J'ai voulu ce truc-là, mais... Je pense qu'elle fait ça pour s'occuper. Je sais pas. Ou tu vois, et elle ne considère pas que c'est des œuvres d'art, alors que. C'est comme euh, notre ami Stéphane Batsal qui faisait des petits points sur euh, des, des photos de femmes. Et je trouvais ça formidable. Il était vexé quand je lui disais ça, parce que pour lui, c'était pas du tout de l'art. Alors qu'il faisait ça pour passer le temps, en fait, ou pour se désangoisser. Et en fait, c'était de l'art quand même, mais bon ça se trouve, elle ne met pas en avant pour cette raison. C'est possible. Voilà. Alors, la personne donc, dont on va vous montrer le petit bouquin tout de suite, et dont là, je vous montre l'Instagram, et je vous ai filé son lien euh, dans le chat, c'est Soufiane Valero. Tu as trouvé un lien pour le, pour le festival oui. Euh, oui. Oui, oui, j'ai montré. Mmh. À l'instant, le, les franzines du chat dans la gorge. Regarde, j'aurais montré l'Insta pendant que tu, tu parlais de ton, de ton objet, que tu es allé les chercher. Donc, ouais. ils ont pu voir. Euh, où c'était euh, Soufiane a un travail donc, de dessin extrêmement délicat. Euh, voilà. Je dois dire que le bouquin au serpent euh, est assez soigné. C'est un format, euh, voilà, ample. Format, bon, oh. genre A4. Euh, donc, euh, voilà. plutôt ample, ce qui donne une belle place au dessin. Avec un dessin qui est intéressant parce qu'on a des, des effets de, de bouger, par exemple, qui sont bien rendus. À, je ne sais pas si on voit bien. parce ce que le papier brille un peu Oui, le papier est un papier euh, voilà. satiné. Là, on a la, la, la gifle qui est donnée. Il euh, y a un mouvement donné dans le dessin. Et euh, ce qui euh, fait contraste avec les, les, les passages plus statiques. Avec la rigidité du reste. Ouais. Donc, c'est un travail qui est partagé entre son académisme mais euh, malgré tout, une certaine liberté. Ouais, ça, j'aime bien. Tu vois, par exemple, euh, la vitre, là. Euh, ça parvient à ne pas être trop laborieux, trop pesant. Laborieux. Enfin, le. Euh, ouais, mais c'est parce qu'il faut le réorienter. Hein. A, mmh. Tu vois, s'il y a trop de lumière, euh, ouais. faire ça comme ça, je sais pas comment on pourrait résoudre ce problème. Parce que si on coupe ça, il n'y a ouais. plus rien. C'est pas bien. Pas lumière rasante, par exemple. C'est pas bien. Voilà, donc, euh, je pas trop le choix. Non. Bon, bah, tant pis. Euh, bon C'est joli. <laughs> voilà. Bah y a, je vois pas comment je peux arranger ça non, mais pas, Tant pis Donc il y a deux, deux cases là par exemple où On voit le visage qui se reflète dans une vitre euh, Dans un véhicule en mouvement Et c'est vrai qu'il y a vraiment de la recherche Par rapport à cette euh, à La perception quoi C'est vraiment bien, bien senti quoi Travaille sur les ombres, euh, c'est assez imaginatif. C'est un tout petit truc, hein, c'est que quelques pages. C'est ça, c'est très, euh... très court. Donc c'est un peu frustrant. C'est un peu ça qui est dommage d'ailleurs. Globalement, c'est le seul reproche qu'on ferait vraiment ouais. à ce bouquin c'est qu'il est, qu est euh, un peu trop rapidement arrivé à son terme oui. sur un projet intellectuel et euh, politique euh, assez bien touché, assez juste. Donc c'est un, un questionnement euh, politico-social sur. Euh, les, les inquiétudes personnelles dans euh, la, comment dire, la perception de, de son genre et dans euh, la, la façon dont on vit euh, cette euh, perception euh, en société, euh, quand elle est en porte-à-faux complet euh, avec euh, les regards portés sur votre manifestation corporelle dans le monde et ce que vous-même vous expérimentez ou vivez dans votre propre corps. Donc il y a mmh. cette espèce de lieu de conflit euh, assez violent euh, qui s'y exprime euh, dans le bouleau Soufiane. C'est de la sérigraphie bah, oui, La couverture est en sérigraphie, oui. Ouais. Ouais. Et l'intérieur est, est une copie, euh, tu plus euh, classique, je pense pas que ce soit autre chose. Hein, que ça, ça a l'air d'être de la reprographie. Euh, il y a 25, 25 exemplaires pour cette première édition, pour ce qui est écrit. Oui, enfin, je ne sais pas si cette notion ouais. est vraiment... Euh, enfin, dès l'instant où il s'agit de photocopie, on peut en faire ouais. euh, 5000. Donc, euh, c'est juste un, un geste arbitraire de décider euh, qu'il y en a plus ou moins. Là, en sérigraphie, on n'a aucun intérêt à en tirer 25 plutôt que 50, il vaut mieux en faire plus. Donc là, c'est un choix... Euh, bah, J'imagine que c'est sans doute pas pour produire artificiellement de la valeur, ce qui serait quand même un peu absurde. C'est oui, sans doute euh, par modestie avait... excessive. Euh... On avait quelques... Quelques, <laughs> quelques réserves quand même à, à indiquer. C'est que... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit très bien massicoté, je me pose la question, S'il qu y a du blanc sur le côté. Euh, c'est dommage, ce blanc-là. Ah oui, c'est dommage. Ah. C'est euh, que c'est très, 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 très court. Hein. Il faut le dire, il n'y a, y a que quelques pages. Hein. Euh... c'est dommage. Et c'est quand même 8 euros. Ah oui, ça, c'est vrai que c'était un truc. Euh... Ça nous a un peu. Euh... Quand même. Il euh... y a euh, 4 pages, quoi. Oui, c'est vraiment. <rire> <rire> Alors, l'histoire est super bien très rapidement très intelligemment. Voilà, vraiment. il y, y a des recherches graphiques, li... la narration est super bien faite et il n'y a que 4 pages. 4 pages, 8, ouais. balles, ouais, bon 4 page 8 balles. Donc, donc ça, c'était juste inadmissible. Voilà. C'est euh... un très beau un... travail, on l'a fait un geste politique. On a échangé en fait un de nos fanzines euh, qui vaut ce prix. mais oh, oui, j de toute façon, j'allais l'acheter. Dans euh... le travail, oui, tu allais lui acheter, bon. malgré tout, malgré tout. Oui, oui, oui. Pour soutien, quoi mais en tout cas, euh, très beau travail, mais bon, euh, une notion de la valeur de, de son travail qui est mal, euh, mal évaluée, je pense. Oui, oui c'est vrai. Oui, c'est un, un, de... un problème qu'on a retrouvé beaucoup dans ce salon. C'est ça, oui. Dans ce salon, il y avait quelqu'un pas loin de nous qui aussi... Euh, euh... <laughs> non, non. Mais... Si, si, mais justement, on va continuer. Vas-y, continue. C'est que euh, euh, qui faisait payer en fait son temps de pliage de son petit fanzine. Euh, qui avait été fait à l'école euh, en plus, donc il euh, n'y avait eu aucune dépense autre que ce temps de manufacture, de, de pliage. Et euh, on faisait la réflexion avec Laurent que c'était... Et ce fanzine, on ne l'a pas acheté, alors qu'il nous plaisait, mais on le trouvait trop cher. C'est ça entre 7 et 12, c'est ça. Euh... On les mettre entre 7 et 12 ou je ne sais plus combien, ouais, mais l'objet était très chouette, il nous plaisait beaucoup, mais malheureusement, euh, c'est pas possible. On se disait, mais cette personne a une, une vision complètement capitaliste de son travail, c'est-à-dire la, la, de la valeur marchande de son travail, de, de, de faire payer ses heures, en fait, de <laughs> faire payer ses heures de pliage. Euh, C'est pas comme ça que ça marche le forzina. C'est une pensée a complètement là, en ici, mais... aberrante, en fait. Et notamment, bon, c'est un objet qui était, il faut le dire, assez laid. C'est un objet photocopié en noir et blanc, plutôt moche. Et effectivement, le pliage est chiant à faire. Je vois bien que ce type de pliage est assez gonflant. Oui, c'est un pliage en mais bon, Ça vous prend euh, 10 minutes par, par objet. Il n'y a pas de quoi en chier On une est pendule. Bien et très sincèrement, vous connaissez les fanzines à la fois qu'on acquiert et qu'on fabrique. Euh, ça nous impressionne assez peu comme quantité de travail. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre du monde quoi. Oui, ça tu nous veux... arrivait de travailler un mois sur un fanzine avec toutes sortes de papiers d'impression, un travail de fou et euh, c'est pas ça qu'on fait payer en fait, c'est pas... Comment dire, il le, le, y a un caractère, euh, ça si on parle sérieusement de politique précisément, euh, le déplacement euh, de, euh, de la valeur et notamment euh, dans euh, différentes Couche de représentation de celle-ci, à savoir euh, le subterfuge euh, tout à fait fatigant et l'arrogance fatigante de l'artisanat, ça nous pète les couilles, on n'a aucun respect pour ça. Euh, la production artificielle de la valeur par la restriction du nombre d'exemplaires, ça nous casse les couilles, on n'a aucun respect pour cette merde. Le fanzina, c'est. Clairement, un geste contre toutes ces conneries. Ouais. C'est euh, contre le, le livre chichi bourgeois, c'est contre tout un univers qui, euh, qui continue à réaffirmer la centralité de l'artiste dans, euh, dans le fameux livre d'artiste dont on n'a absolument à rien à foutre. Le livre autre... d'artiste, on en a déjà parlé ici. Hein, c'est euh, du fait maison, ça peut être fait justement avec des bouts de ficelle. Euh, voilà, je vous montrerai ce truc-là. Euh, mais euh, la valeur ne vient pas de. Ce qui nous gêne, c'est cette façon de créer de la valeur artificielle comme si c'était des livres d'artistes. Alors qu'on est dans des, euh, dans des lieux où on n'est pas, pas dans un centre d'art, on est dans un lieu où on fait euh, du euh, do-it-yourself avec euh, un côté modeste. Le fanzine, il y a toujours un côté modeste. C'est un petit exemplaire, c'est parfois mal fichu, même si euh, on peut avoir envie d'y mettre. Parfois, il y a un soin énorme, mais. Euh, c'est peut-être ce qui paraît contradictoire, c'est-à-dire qu'il y, y a le côté euh, de, de bien fini, on, on, d'ailleurs on apprécie énormément, on vous l'a montré tout à l'heure avec obstruction, quand, quand il y a un soin dans les finitions, on trouve ça vraiment, enfin c'est ce qu'il faut, un, un fanzine mal coupé ou complètement dégueulasse, même quand c'est un parti pris, c'est un peu gênant, mais euh, le côté unique fait partie parfois de, du forzina où chaque livre va être par exemple unique comme Caroline Solievna qui fait cha à chaque fois une reliure différente avec ses gravures mais on ne fait pas payer la comment dire le, le temps passé à tirer les gravures, le temps passé à graver, euh, le fait que chaque objet soit unique et donc le rendre artificiellement livre d'artiste euh, moi, je suis complètement opposée à ça. Euh... Donc, Laurent va vous montrer donc, un travail, précisément, précisément pour... qu'on a rencontré à l'annister, du coup, ouais. euh, au festival euh... Substrate, Substrate bon, où aussi. on était pour la première fois. Ouais, c'était un chouette festival, où l'accueil était vraiment très sympa. On, a, on a adoré, en fait, il y avait des... Des films euh, d'animation euh, qui passaient euh, sur grand écran. Euh, tu as des images du festival un petit peu ou pas du tout euh, Non, j'ai pas pris de photos. Euh, Steve nous a rejoint là-bas d'ailleurs. Ouais. C'était, vraiment euh, très bien. Euh, donc là, il voit pas ce que tu montres, hein, Laurent. Ah oui, pardon. Hey, Laurent est en train de visiter un truc. Alors donc ça, c'est une couverture qui est sablée. Et sur le site des filles, là, euh, des deux sœurs, vous allez. Euh, Voir euh, d'ailleurs une petite vidéo de sablage de la couverture. On voit le sablage ouais. hein, sur une des vidéos. Hein. Ouais. Ouais. Sur le, le livre qu'on vous montre, c'est ça. C'est d'un autre siècle de Pauline Sarrazy. Euh, c'est un bouquin assez incroyable et notamment c'est aux antithèses de ce que, aux antipodes pardon, de euh, justement de cette vanité euh, artisticisante. Alors cet objet est tout à fait euh, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Euh, on va vous le montrer là-bas. Donc euh, ouais. je vous montre déjà la couverture. Donc cette couverture a été sablée. Vous pouvez Attends, aller sur là, le, ouais. leur site voir ça. Hein. C'est Môme. Donc si je me souviens bien, c'est deux sœurs hein, qui, euh, qui font ça. Et elles ont lancé une nouvelle petite collection où à chaque fois une dessinatrice euh, fait euh, un, un, un dessin. Et après ce sont des livres pliés. Donc à chaque fois il y a un nouveau pliage. Elles, elles vont lancer ça comme un fanzine régulier. Donc euh, quand on y était, c'était tout au début de. Il y en avait un de sortie. Voilà, on va vous montrer ça sur la grande table parce que c'est toute Alors, une. Aventure. Pour répondre à pire Boulard, est-ce que vous pouvez cette position est théorique ou est-ce que vous vous trouvez incapable effectivement de créer de la valeur artificielle Non, cette position, elle est affirmée à travers nos objets, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on produit euh, de la valeur artificiellement, au on, on moins. On, alors, soit on, soit on se débrouille pour, euh, comment, euh, euh, pour la casser euh, dans, dans les usages, c'est-à-dire euh, pour euh, faire circuler le livre euh, hors de tous les circuits où ça capitalise sur, euh, sur la valeur. Elle est facile à créer, en fait. Restreindre le nombre d'exemplaires euh, artificiellement de quelque chose, euh, c'est très simple. Donc, par exemple, quand on a affaire à des. Euh, des processus considérés comme luxueux, euh, comme euh, la taille douce ou des choses comme ça, on va en tirer beaucoup plus qu'ils les usagent de l'enfer pour casser euh, l'éventuelle capitalisation. Euh, on peut travailler avec des, des, euh, des techniques Très vulgaire sur des matériaux euh, extrêmement nobles ou faire le contraire, des techniques euh, très nobles euh, sur des matériaux extrêmement vulgaires. Euh, tous les moyens sont bons d'une manière générale dans la, la façon de faire circuler nos travaux euh, de livres et euh, dans le prix qu'on leur donne euh, à la vente pour péter euh, mmh. ces rapports euh, dès qu'on peut le faire. Ouais, ceux qui connaissent un peu nos productions, notamment ce qu'on a fait pendant quelques années, là, le, le bulletin officiel, euh... Et euh, eh bien on faisait une fois par an, il y avait toutes sortes de moyens techniques, de matières, de papier précieux, de tissus précieux, de couture, des choses qui étaient cousues exemplaire après exemplaire. Euh, et on n'en faisait euh, que euh, euh, 25 parce qu'on ne pouvait pas en faire plus. Et euh, on a toujours gardé des prix très modestes alors que ça, c'était d'une générosité euh, artistique. Euh, assez démente. alors on va vous montrer voilà, le, la on va, chose. il faut que tu passes par là-bas peut-être non c'est okay. quoi le plus simple Non, non, voilà. Je vais aller là. donc on va vous montrer la chose, vous montrer comment euh, comment ça se déplie. donc c'est d'un autre siècle de euh, Pauline Sarasi, donc tu as ton écran de contrôle là-bas. Okay. On va vous montrer un petit peu comment, euh, comment cette merveille euh, s'ouvre. Alors, méfie-toi. Il ah, y a il est pris dedans. le micro ici. Qu'est-ce qui est pris dedans euh, le, le Ça ne l'était pas tout à l'heure. Ah, donc, tu as touché. Non, non, bah, non, comment j'aurais pu, pu ah, bah, Il n'y aurait bah, pas de soulever. Oui, c'est Ce n'est pas moi. Je ne suis pas prêt. Tu peux aller là encore. Alors, hop bah, si... si. Alors, euh, on y va. Enfin, peut-être que tu sois un petit peu plus aérienne moi <laughs> oui riche toi parce que là on voit pas bien on voit rien du tout là, oh. te bah, Ce qu'il va faire c'est que je vais, bah, vais... Va c'est toi qui va faire la caméra ouais, et je vais ça. ouvrir le voilà. livre je crois que <laughs> là on a mal ouais, on a mal mal donc moi je allez vas-y déplie je déplie allez vas-y voilà. voilà. Ici on a si tu peux montrer là donc, petite photo donc c'est un euh, une excursion dans la maison de grand-mère hein, finalement ici on va voir d'à côté une impression qui est imprimée recto verso avec un jeu sur la transparence ouais, du matériau un jeu de la transparence très grande délicatesse donc c'est comme une maison qu'on déplie donc c'est la maison de la grand-mère avec tous les objets les photos qu'on y retrouve les souvenirs. Alors, ah, je vois rien. Voilà. Mais t'as pas besoin de voir. Ah oui, c'est toi qui as besoin de voir. Mais oui, c'est moi qui ai besoin Donc voilà, ici, on a une espèce de chose extrêmement translucide qui est d'une beauté. Donc les tons sont volontairement dans les roses, les mauves, les pêches. Donc le livre s'ouvre de deux côtés. Donc la boîte d'édition a été mon... Et le, le... Comment dire L'œuvre de... Deux sœurs, hein, si j'ai bien compris. Toutes les deux, elles font ça. Ça s'appelle Môme. Voilà. Là, il y a la photo. Donc, euh, une photo euh, d'enfant. Là. Le tissu euh, Napron, qu'on retrouve aussi sur la couverture. Ici, si on arrive dans la cuisine. Voilà. Voilà. Alors, Une vue euh, aérienne peut-être de l'objet. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc ici on avait la, la couverture, je ne sais pas si Laurent peut vous montrer. Voilà, ici on a la couverture donc qui est sablée avec un, un apron. Et donc ce sont des impressions, le kit de cyanotype sur tissu et tout. Le tout est imprimé avec un, un soin dingue et en fait collé à la main, découpé à la main. Enfin elles font tout elles-mêmes quoi. Euh, elles m'ont dit qu'elles avaient une dizaine de copines qui les aidaient. Et je crois que si vous allez sur le site, on va voir euh, on voit euh, <laughs> Pauline, euh, par exemple euh, coudre, couper, euh, donc tout est recto verso. Et ce, là, Laurent, essaye de replier. Tu veux que j'essaie de replier Non, non, parce que ça me permet de suivre exactement le Il faut mouvement. que tu plies d'abord le toit. Avant ça Ouais. Voilà. Ouais, oui, oui, c'est le plan de la maison et. Euh, et les objets qui s'y trouvent, les impressions euh, qui s'y trouvent. Et on a payé ça 35 balles, disait Laurent, hein, oui, c'est ça ça. Donc là, on est dans l'antithèse. Des... On est dans l'antithèse de... de... des euh, quatre pages de tout à l'heure hein, imprimées ouais. euh, de Sofiane. Qui, qui, Même si l'histoire est très chouette et le, la narration très chouette, hein, c'est pas la question. Là, on parle juste du, comment... du rapport à l'objet. C'est ça, comment on pense. Le, le rapport à la valeur hein. qu'est-ce qu'on change complètement euh, du, de, justement de, de cette espèce de fantasme du Je vais livre la, la ouais, ça. Voilà. et donc Laurent va vous montrer le site donc le site c'est ça donc encourager quand même Sofiane euh, sur euh, oui. sur son site sur son insta oui mais euh, pour le coup, si vous pouviez l'incliner à repenser euh, la question de l'économie du forger, ça serait assez cool. Ouais, il faudrait on n'en a pas parlé avec lui, il aurait fallu non, en parler si avec lui. Si on rassemble, c'est du sur quelqu'un en lui disant Bon, c'est du... euh, trop cher tes trucs, c'est compliqué. Euh, même si. Euh... Au-delà, de la question, c'est pas dire c'est trop cher, c'est dire euh, On est dans un salon, un, un petit salon qui se passe à, à Rodin, dans un jardin. Euh, où Ou euh, ce sont les productions euh, personnelles des gens, des, des petits livres faits maison. Tu ne peux pas faire payer euh, 4 pages, 8 balles. En fait, c'est compliqué. Il n'y a rien qui justifie ça. Mmh. C est, c est, euh... Alors voilà. Donc elles font aussi, donc, ce, vous voyez, impromptu numéro 1 numéro 2. Donc ce sont des choses sur les pliages. C'est des, des livres-objets. Hein. Ouais, c'est ça. Je voulais en acheter un, mais vous n'avez plus. Euh... Voilà, donc ça c'est euh, une collection, et donc euh, d'un objet euh, complètement imprimé recto verso et plié, voilà. Et donc là, il euh, y a un boulot de dingue quoi, aussi. Donc si on se si on se rapporte que à, à travail euh, alors je crois qu'on voit une petite vidéo, où on la voit toute seule. C'est peut-être sur son Insta où on la voit euh, toute seule, à train de, de coller ses machins, la Pauline. D'accord, je vais essayer de voir l'Insta. Si comment s'appelle euh... donc c'est Pauline et non, je ne trouve plus euh, la petite. Il y avait une petite carte. Elle est où, leur petite carte Tu l'as pas sorti leur petite carte Pauline Sarazi, j'ai dit. Ouais, mais, euh... mais elle n'est pas toute seule. Sur la carte on voit son deux. Surtout un jardin à Rodin. Alors, voyons l'instant. Hop, c'est ça. Euh. Allez. Voilà. Voilà, donc Moum. Donc là, elle présente beaucoup le truc. Euh... Là, c'est le salon, justement, J-8. Donc, la, la donc. conception du petit Fanvine. Bien sûr, mais il y a puis, Il y a un endroit où on voit le sablage et il y a un endroit où on voit le, le collage. Ça, je pense ça. que c'est ça, ouais. Vas-y, montre ça. Il y avait une vidéo que j'ai vue, je ne sais plus où. Ah ben, bah, J'ai vu une vidéo pourtant du stable-là, j'ai une vidéo où elle était en train de... C'est ça C'est ça Ouais. Oh. <laughs> facile C'est beau hein <laughs> ouais. Ça c'est du boulot, hein je sais pas c'est une idée incroyable déjà et il y ah. avait un endroit où on la voyait en train de coller ouais je crois que c'est cela si tu le mets euh, peut-être que c'est cela on la voit toute seule en train de coller les trucs les exemplaires il y a une petite vidéo aussi voilà ouais, elles sont pas nombreuses hein, là elles étaient trois pour le faire bon bah voilà bon voilà avez... donc euh, chapeau mom et bien et, et euh, Bonne, euh, comment dire, bonne naissance parce que c'est une maison d'édition qui vient de naître. C'est ça. Avec des idées et puis de la motivation et des savoir-faire. Donc, euh, chapeau. Donc, tu n'as plus leur carte, leur carte très oui, mon... La suite. Hein. La suite. C'était ça que tu m'as mis comme suite bah, Oui, c'est ça, la suite. Rapide. Bon. Alors, rapide. Donc, ça, c'était euh, au Wilds'In. On retourne à Saint-Malo. Donc, à euh, the Survivor. 22 minutes à la vitesse de la lumière. Donc c'est un roman sur rouleau qui était donc euh, euh, présenté sous forme de rouleau et euh, entouré d'une élastique. Il existait en version couleur et en version noir et blanc. Et à la fin, bah, la personne euh, qui s'en occupait, c'est euh, Philippe Chollet, c'est ça Oui. Euh, a, euh, a distribué les exemplaires. Parce que je crois qu'il n'en a, a pas vendu très peu. Donc c'est un roman... Euh, moi je, je ne peux pas lire hein, personnellement j'ai pas j'ai pas du tout accroché donc c'est très très long -là, ça, fait il y a... 3 ouais, ça fait 3 mètres c'est indiqué donc voilà, voilà. Le, je t'ai mis l'insta euh, Louisa donc il y a y une euh, voilà Adam the survivor donc ça c'est la version noir et blanc qu'il a distribué à la fin du euh... oh, oui. non j'arrête euh, là <laughs> donc il y a aucun euh, c'est coupé à la va comme je te pousse avec des petits bouts qui dépassent là il n'y a aucun soin apporté à la présentation, ce qu'on pouvait re reprocher un peu, parce qu'en en fait, euh, là, il s'agit d'un objet euh, qui n'offre pas grand intérêt. Euh... cest c'est amusant de lire quelque chose sous cette forme. C'est un retour aux sources par rapport au bon jeu euh, rouleau originaire, mais il est présenté comme ça. Et avec un élastique, comment dire, vous ne pouvez pas persuader euh, d'éventuels des, des, lecteurs euh, d'accorder de, de, du crédit à ce que vous faites si vous ne lui accordez pas vous-même. Alors, il montrait le truc euh, étalé derrière lui. Hein. D'ailleurs, ça s'est énormément animé puisqu'on était de... non, mais Si vous, vous vous contentez de faire une chose de cet ordre, où vous expérimentez un nouveau processus de lecture, soit, mais avec un élastique dégueulasse autour. Et vous avez donné l'impression que vous négligez vous-même votre objet. Donc, quand il est posé de cette façon, je vois pas très bien euh, comment vous pourriez prendre un qui que ce soit, que vous imitez vous-même. Ah, le micro euh, est moins bon On n'a donc... rien fait pourtant Tu n'as pas coupé Ah, si... ah c'est parce que Laura a compl... déplacé son micro. Je l'avais <laughs> déplacé <laughs> le micro là-bas. Merci Thomas. Merci. Vous ne pouvez pas convaincre effectivement euh, qui que ce soit donc, de, de la valeur de, de votre objet si vous lui en accordez pas un petit peu vous-même d'un point de vue symbolique. Donc, ça, c'est ni fait ni à faire. C'est dommage, franchement. Bon, peu importe le texte, moi non plus, je ne peux pas lire ça. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Bon, je vous laisse euh, seul euh, juger de tout ça. Ce n'est pas du tout à moi que ça s'adresse. Euh, mais par exemple, la première chose que j'ai fait en, en déboulant ici, puisqu'il nous en a filé deux, donc déjà, ça, il fait lui-même peu de cas de son objet et euh, je pense qu'il juge par lui-même qu'il est tellement encombrant qu'il a absolument envie de s'en désencombrer donc il envoie aussi toute la limite même si on mon avis il y a quelque chose à faire avec ça Mais moi ce que j'ai fait à peine rentrer c'est ça vous, vous produisez pour le même objet ça une bande euh, toute simple euh, qui, qui se détache enfin, c'est quand même pas compliqué de réaliser un, un truc pareil hein. vous voyez c'est euh, simplement euh, deux encoches euh, dans une bande de papier c'est pas sorcier l'autre avantage évidemment c'est qu'avec ce type de languette vous le rendez stable sur une page sur une table donc euh, vous pouvez l'imprimer pour mettre un titre dessus. Voilà, vous avez un objet avec un sentiment de finition qui montre que vous lui accordez quelque chose. Vous le faites exister quoi dans dans le monde, de, dans le monde des objets euh, du vous le comment dire vous lui apportez l'attention. Et si vous voulez qu'on apporte de l'attention à vos objets, apportez-leur de l'attention, vous aussi. Donc, massicotez, soigner cousez, faites de, de belles choses. Euh, N'ayez pas peur du temps que vous allez y passer, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui, imprimer un bandeau, on l'a fait sur plein de petites choses, des, des choses qui se fermaient parce que... Bah, par exemple, un des exemples, c'est ça. As, je peux montrer vite fait ce truc-là ouais. Un des exemples, c'est ça. C'est qu'on avait ce petit objet qu'on avait, euh, qu avait fait... Euh, tartine mariole, là, avec un stagiaire qui était venu, donc euh, c'est un objet un peu complexe. On hein, vous l'a déjà montré euh, avec plein d'impressions, des transparences, euh, des découpes, euh, euh, du, euh, co de, du comment on appelle ça, contre collage euh, de papier soie, euh, de couverture imprimées, etc. Et donc ça se présentait comme ça. Et euh, en fait, Laurent a fait une petite impression euh, avec le même système se ferme comme ça la petite languette se ferme ce qui permet d'avoir un objet beaucoup plus fini avec cette petite euh, ce petit bandeau et c'est rien mais ça fait tout de suite euh, ça change tout, ça hein. change tout. voilà c'est vous-même apporter euh, accorder de l'importance vous, vous entourer de soins ce que vous faites. Voilà. voilà un exemple alors je vous donne le site euh, de Philippe Fiolet qui fait beaucoup de choses hein, de, ah oui, de du ça. coup moi j'ai pas réussi à aller sur son site. Alors, euh... je vous montre ça j'ai l'impression que je suis plus clair que tout à l'heure. Ouais, on a marouflé du papier de soie. Ouais. Ouais, c'était l'enfant. Oui, non, c'était infernal. <laughs> ne ne fait jamais faites sachant, pas donc, ça. Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment. genre de on... truc qu'on fait une fois plus jamais. Donc voilà son site qui est plutôt bien fait, qui montre quand même qu'il y, une... bon, y a une certaine ampleur à, à son travail, à il y a des collaborations, il y a une dimension, on va dire, un peu, un peu polyphonique, un travail qui n'est pas que celui de, de l'écriture. Donc euh, le site est pas mal foutu. Euh, en tout cas, il vous permet de, de bien comprendre euh, euh, ce qu'il vise et, et ce qu'il fait. Voilà. Euh, ça, c'est l'un des deux sites et il y en a un second. Ici. Donc, je vous file les deux adresses. Hein. Hop. Donc, son travail, ça s'appelle marsatlas.ar, c'est ça bon, en tout cas, c'est ce qui était écrit sur le, ouais. le petit rouleau. Hop, voilà, les deux adresses. Voilà, là c'est plutôt pour acheter autre chose. Ouais, le plus c'est de l'aplatir, ben oui, pour en faire un livre par exemple. <laughs> cest à le rouleau, l'aplatir. Évidemment, ouais. vu comme ça, c'est malin. Un en rouleau c'est fait pour aplatir. Hein. Donc, euh. allez. donc, allez, on y va sur le Balbec Book Club. Ouais. Balbec Book Club, donc euh, ici on a aussi des petits objets qui sont très finis, alors qu'ils sont modestes hein, finalement. C'est du papier. Euh, tout ce qu'il y a de plus euh, simple avec une. Euh, vous savez ce système, je ne sais pas comment on l'appelle, où la, la page est double comme ça. Voilà. Donc ça permet. Ça a un double intérêt. Ça veut dire qu'on peut avoir un papier fin et on ne voit pas en transparence. Donc euh, ça donne un, un aspect euh, fini sans avoir à dépenser beaucoup pour un papier euh, plus luxueux, on va dire, avec une meilleure main. Donc. Euh, ça annonce ce système de double. De doubler l'épaisseur De doubler l'épaisseur. Je ne sais ça. pas, sans doute. En tout cas, ça s'est fait dans, une espèce... fait dans A4, ça, euh, non, un A4, c'est ça Non, il un plus grand que ça, visiblement, ouais. ou mais soit vas, 2 a 4. Bon. C'est plié euh, comme ça, et à chaque fois, c'est doublé. Voilà. Et euh, on a euh, ici aussi l'impression du revers de la couverture. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Bah, C'était le principe pour les filles tout à l'heure aussi, euh, avec le, leur livre, où vous voyez le revers de l'impression à, à leur vers de, de la feuille, en fait, hein, en fait. Donc, on retrouve la, 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 la sensation de l'impression. Donc, là, on est sur Madame Bovary. On l'avait pas celui-là, on vous en a montré d'autres les autres fois. C'est pareil, la couture est faite à la machine, hein, à la machine à coudre, mais avec un point particulièrement soigné, un tout petit point euh, très fin. Et les fils qui dépassent, moi, comme j'aime bien, hein, je trouve ça très <laughs> élégant, je fais moi-même ça sur mes cartes postales. Bon, donc bon, voilà. Je ne vous en parle pas plus longtemps parce qu'on qu a déjà consacré oui. euh, euh, du temps à euh, au Bec, à Bec euh, Book. Euh, ouais. Donc là, je vous refile juste euh, l'adresse. Voilà. Allez-y, c'est très bien. Ça donne envie de lire euh, ou de relire. Je ne me suis pas chié dans mon lien, j'ai mis les deux sites. Donc, euh, c'est pas compliqué de faire un copier-coller. Lolo, tu t'es chié dans ton lien. Non, c'est une grosse feignasse. J'ai mis les deux sites en, en même temps euh, sur le, dans un seul lien. Je ne ouais. veux pas y passer la nuit voilà. non plus. Je ne veux pas en passer, y passer la nuit. Et donc, voilà, on a pris celui-là aussi. Là, c'est pareil, le côté modeste et dispendieux de la chose, c'est qu'en <laughs> fait, c'est euh, du tissu brodé, c'est ça, à chaque fois Non c'est une impression sur calque d'un truc qu'elle a brodé. Oui, c'est ça. C'est une impression sur calque. À chaque fois, c'est du tissu qu'elle a brodé avec des. Et là, c'est là que c'est très drôle. Ben, ça me fait penser à ce que fait Caroline aussi, Caroline Solievna. C'est-à-dire sur des sujets complètement euh, populaires, euh, qui n'ont aucune. Euh, comment dire Des, des sujets euh, euh, qu'on dirait vulgaires, mais euh, les, rendre, euh, les rendre précieux en, en les brodant. Et en, les, euh, et en les retenant. Et donc là, c'est un peu des brefs de comptoir. Oui, c'est des sortes de sentences qu'on prononce voilà. quand on est bourré. Voilà, donc c'est entre deux verres. Donc voilà. Et pareil, une petite couture euh, faite main. Euh, qui couture est... japonaise, ouais. un, un peu crado. Un peu assez... crado, mais qui est là. Ce qui est, là, quoi, qu est marrant, pas... c'est qu'elle elle va vers euh, un peu plus de complexité dans, dans sa reliure. Mais on sent quand même que... Elle a, elle a des doigts de sagouin. il y a encore du boulot, j'ai trouvé l'objet très touchant parce que, à la fois, il y a un vrai goût de, du, du soin. C'était assez, assez peu cher. Hein. Ouais. Il, y a, il y a pas une surenchère non plus. C'est juste un désir de faire ça un peu mieux, donner un bouquin assez, assez soigné. Euh, bon pour autant en main. bon pour c'est pas massicoté il euh, bon. y a un côté foutraque quand même mais ça ça passe c'est pas mal c'est pas mal ça va bien avec le sujet quoi mais bon, elle s'est pas facilité la vie faut vous dire quand même que le, le, calque. le papier calque c'est super chiant non, à tout assembler tout à parce mmh. que, ça, que ça glisse les feuilles glissent les unes sur les autres l'objet est assez copieux il est assez considérable et puis, quand même qui est imprimé sur calque c'est pas évident ça va ça va c'est pas une chose compliquée et donc ouais. là on a aussi l'aspect du l'aspect du du tissu quoi ouais c'est ça. C'est un oui. objet vraiment fascinant et agréable à manipuler. Je sens une légère fragilité oui. de la. De la, la ça ne durera la... pas longtemps. Je ça. pense que la reliure japonaise Je pense va partir. Parce qu'elle a pris un fil classique oui. et pas du coton. Euh... Elle a dû en chier parce que visiblement, elle n'a pas de dremel. Donc, elle a dû faire ses trous au clou et au marteau. Oui. Ce qui veut dire que pour faire le suivi ensuite avec l'aiguille, elle en ah. a un peu chier parce que ça devait bouger tout le temps. Oui. Elle a dû beaucoup souffrir, ouais. je pense. Ouais. Et donc, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup sur sa table. Elle est comme ça. En non, il y en avait très peu. Elle est sur son... Elle n'a son... pas pu en faire beaucoup, j'imagine. Et donc, c'est des phrases complètement débiles. Euh... Tout ça pour dire que j'ai les cheveux gras. Voilà. Ça valait la peine voilà. d'imprimer une chose a... pareille. Et puis surtout, elle a... l'a brodée, quoi. Ma mère, c'est Jean Valjean. Voilà, et tout ça est imprimé sur calque. Enfin, voilà, il y a ce mélange qu'on aime beaucoup entre l'anodin ou l'anecdotique et le, le, le et le précieux. Le précieux enfin, ouais, tout, ça, ça. tout ça est, est, est marrant. Exactement. Ah, il y a une araignée sur la tête. C'est très réussi. Allez. allez oh non, il y a une pièce pleine, comment on va faire Je sais pas, sors nous, des trucs. Bon, on va sortir toute la collection, euh, bah, celle-là, là, là Ah, bah, les enfants du talus. Les enfants du talus, allez, on y va. Parce que ça, on vous en a déjà parlé, Allez, donc ça ah, va être relativement rapide, mais ils ont beaucoup travaillé. Ça ils ça ont fait, fait des très belles choses, donc ça, ça n'en fait pas partie. Okay. Et ben voilà. Donc les enfants du talus, c'est une petite maison d'édition qu'on commence à suivre avec attention depuis quelques temps. On croise ah, leur... Euh... Je crois qu'on a tout maintenant, ça y est. Hein. Permets, hein. <laughs> on... Dès qu'on trouve une réalisation, euh, on, on s'en compte parce que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est Thomas et Angèle et, et leurs amis, et, et Julie et évidemment euh, la, la fille de Thomas et Julie. Et, et Angèle, Judith, euh, voilà, qui fait des choses magnifiques. Mais ça, on va pouvoir vous montrer tout ça. Et ils ont encore fait un, un ensemble de, de, de publications vraiment magnifiques euh, euh, sur leur, leur, leur table. On avait tout ça. Mais veux-tu te mettre correctement Voilà, la, 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 le système de reliure est vachement, sup... enfin, très très joli. Hein. C'est marrant, ouais. c'est une reliure euh, 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 qui, qui servait plutôt pour des trucs bureaucratiques ouais, et là réinvesti qui est réinvesti ici et qui est assez fascinant. Vous voyez, c'est des réglettes de, de métal qui viennent contenir tout ça. Tout ça a été imprimé en visiblement en sérigraphie euh, sur euh, un papier plié, un accordéon ou plusieurs accordéons. Euh, J'interviens parce que dans le chat, vraiment, vous exagérez si vous avez laissé Sus toute seule. Hein. Sus, tu peux arrêter quand tu veux. Hein. Le relais, il hein. n'y vous... a pas quelqu'un qui veut noter euh... quelle bande d'enfoirés, mais juste les titres, quoi. L'ordre des titres, on vous demande pas grand chose. Hein. Bon. <laughs> Donc, euh, c'est une collection euh, que lance les enfants du talus. C'est pas le, le, le premier titre, c'est le second. On en avait déjà montré, on vous avait montré le premier, cette histoire de chat euh, et qui devait être sur des dessins de Thomas, si je me souviens bien. Mm -hmm. C'était euh... pas le même principe, si, c'était le, même... le même principe. Il n'y avait pas la pliure au milieu. Non, là. mais c'était le principe d'impression. Ah euh, oui, L'idée de la collection, tu vois, c'est celle pour laquelle mmh. on va préparer normalement. On est censé faire un livre. Là, il <laughs> y a une idée de génie dans celui-là, que Laurent va peut-être vous montrer. C'est euh, le fait que. C'est pliure... qui fait le boulot, dit Thomas. Voilà, la pliure. Ah, il faudrait que, que. Si Alexandra voyait ça, elle deviendrait dingue, je pense. Quand on plie euh, les feuilles par le milieu, c'est pas de la sérigraphie sur fait. ce coup-là, d'accord C'est bien fait et on arrive à une image qui se reconstitue. Je sais pas je... si vous voyez l'intelligence du procédé. Thomas, je crois que c'était le euh, comment que c'était l'enjeu de, de cette collection, c'est de faire une série sérigraphique sur un seul format euh, à partir d'un format raisin découpé. n'est pas ça, j'ai rien compris. C'est pas la même collection, peut-être Julie a juste joué avec un photocopieur. Maman, bah, Ah d'accord, ok. Regardez ça. Si, c'est ah, la même collection. Tac. Le premier était en, en, en sérigraphie. En... Donc, Angèle fait le boulot. C'est Angèle qui fait le boulot sur le numéro 1 avec le chat Je sais plus. C'est Angèle qui fait le boulot de pliage, c'est ça que vous voulez dire Parce qu'en fait, on peut plier comme ça et, euh, et comme ça, quoi. Hop. Donc, c'est des singes qu'on voit beaucoup, des singes, hein, ouais, des babouins. Des babouins, oui. Euh, c'est hyper beau. C'est un texte qui leur est consacré. Euh, les, les babouins. Ah, oui, mais Julie a pété la règle dès le deuxième numéro. Est ça. Ça, elle est insupportable. Elle mérite une fessée. On a un autre bouquin de Julie. Euh, euh, ici, le message euh, s'adresse notamment à Fred, énorme babouin qui a déjà mordu trois touristes. <laughs> donc, c'est des, des babouins euh, qui, euh, qui commencent à en avoir un peu, un peu plein le cul. Euh, euh, visiblement euh, commande euh, euh, des touristes dans les eaux. Euh, le livre est vraiment fascinant à manipuler. Ah ouais, hein, euh, fascinant. La, la façon de, de faire exister le texte euh, et le, ce qu'il exige du lecteur est assez euh, intense. Elle crée donc un... Vraiment avec un lui, à manipuler, quoi. Un drôle de contrat ouais. euh, dans lequel euh, vous devez vraiment vous efforcer, de vous arrimer à, la, comment, à une lecture qui a été rendue un peu aride. Elle n'est pas du tout impossible, mais elle exige que vous y soyez vraiment collé parce qu'elle euh, a fait sauter l'espace interligne hein, au maximum. Bref, il y, y a tout un, 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 comment, un combat euh, que vous allez entamer avec ce livre. Il y a un caractère agonistique à la lecture elle-même. Mais C'est C'est vraiment un objet hyper soigné. On parlait du soin tout à l'heure. Il hein. n'y a rien qui dépasse. On a une relure hyper intéressante. Ah non, originale. le boulot, c'est Angèle. Angèle prend en note les titres. Bah, heureusement ah, qu'elle bah, est bah, là. C'est cool. Et puis, euh, bah, vraiment, super. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour ce bouquin. Hein. Ouais. C'est magnifique. Très beau boulot. Donc ça, on a dit oui, on valide. <laughs> Alors là, c'est un bouquin d'Angèle, justement, euh, je crois, qui est consacré euh, à une... Une chanteuse, une... je crois, hein, c'est ça Ouais, euh, que je connaissais pas, moi. C'est euh... différents visages de cette... Euh... Ouais, c'est ça. C'est une variation euh, dessinée euh, sur son visage et euh, je ne connaissais pas euh, cette femme. Donc, il euh, euh, y a... Euh, comment C'est Erthamae, c'est ça ouais. Ouais. Et le papier est super euh, beau. Hein. Là, c'est pareil, l'objet est toute beauté. Donc, toujours les enfants du talus. Erta Kit. D'accord. Euh, donc, il a été fait par Angèle. Encore un donc, lieu extrêmement du... soigné. Ouais, très soigné, oui. Avec un jeu sur le caractère diaphane du papier. C'est-à-dire qu'il y a du transparent et du diaphane. Et du diaphane, oui. Il y a une rencontre entre. Un peu entre, doré, euh... un peu nacré, même plutôt. C'est ça. Donc la, la fin du bouquin est une sorte de d'écriture euh, à la première personne hein, fictionalisante de la biographie de cette Erta, Erta Mae euh, dit euh, Erta Kit. Euh, je me souviens plus du texte parce que je l'ai lu en, ai revenant, aimé, hein, en revenant du salon et j'ai oublié. Bah, voilà, oui. bravo Intéressant pour moi en termes de, de réalisation éditoriale, c'est vraiment le fait que dialogue deux caractères différents de, caractère différent de, de l'épaisseur du papier, celui du diapane et celui du transparent. C'est euh, enfin, une interrogation, je dirais, sur la, la question même de la profondeur. Euh, diaphane ou transparent, quand c'est séparé, ce sont des qualités. Mais diaphane et, et transparent, quand c'est euh, rassemblé, oui. ça fait prendre conscience de la notion euh, de l'épaisseur du papier, que ça existe, que le papier n'a pas que deux dimensions, mais qu'il en a bien trois. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est son nom de scène, d'accord Merci. Je voulais renouer avec le fanzine. Bah oui, c'est vrai que le, le, oui. le fanzine oui. historique est lié étroitement à au centre d'intérêt, d'ailleurs que ce soit la science-fiction pour les débuts du Fanzine ou par la suite l'univers de la musique hein, auquel, évidemment, l'histoire du Fanzina est extrêmement liée, bien avant de devenir ce support d'expression artistique euh, qui nous est familier. On continue toujours avec les Enfants du Talus, ils sont décidément très fréquents, euh, féconds, pardon. On a l'évanoui de, de Thomas, pendant ce je cherche leur, euh, je leur site et je vous passe leur Instagram. Voilà. Là, pareil, le, le principe du papier, euh, et je vous montre comment l'objet est fait, hein. c'est un papier euh, plié, et ce qui permet justement d'éviter, euh, là, pour le coup, d'avoir euh, euh, un arrêt euh, de, du, par le papier du dessin. Là, on n'est plus justement dans la, la transparence. C'est magnifique. Voilà, on vous avait déjà montré euh, un autre livre de Thomas, je crois, hein, dans un des Ouais. Ah oui, son premier grand format. Euh, Donc, narrative. Les vieillards, euh... et cette fois-ci, ce sont des enfants. Donc, Thomas tout cas, aux deux s'intéresse à des moments de la vie qui sont finalement peu représentés. En tout cas, pas sous cette façon très vériste, très collée. Ce euh... qui est intéressant, c'est de remplir comme ça cette page. Euh, elle est remplie vraiment de... de... Les, les figures viennent comme... Euh, sont évanescentes de par leur euh, trou. Elles trouvent carrément le, le, le décor qui est omniprésent. Quoi. Là, je trouve, que sur ouais, cette double page, on le voit bien. Quoi. La notion de décor est difficile à saisir parce qu'il y a une telle superposition euh, mentale entre euh, l'architecture de la planche de bande dessinée et le lit double dans lequel sont pris euh, les enfants, que ça crée des espaces à la fois très resserrés, donc extrêmement intimes. Euh, Produisant un, un, une espèce de, comment dire, de contradiction entre euh, l'attendrissement supposé de ce rapprochement et l'étouffement qui en résulte d'un point de vue euh, sensible. Donc les deux sont continus, ils sont toujours là. Un sentiment à la fois euh, d'une proximité charnelle et aussi d'une abstraction euh, complète due à, à ce resserrement. Il y a à la, le choix de ne pas avoir fait des cases ça, euh, avec de, des bords, pas euh, de etc., séparation, ou, etc. Ce qui peut donner des doubles pages assez, assez incroyables, hein, je trouve. Euh... Donc, c'est un mmh. livre, là encore, modeste, dans sa façon de se présenter, mmh. mais assez riche et puissant. Une jolie petite couverture, le, euh, le côté un peu sale du dessin. Non, j'aime vraiment bien. Voilà. Hop, ça se présente comme ça. Quand on enlève la couverture, on a en fait, euh, du papier plié, collé. Et puis une petite couverture. Un point de vue éditorial, un autre des avantages, c'est euh, enfin, parmi les choses qui peuvent vous compliquer la vie pour la réalisation d'un bouquin, il y a la pensée de l'imposition et des cahiers. Là, vous travaillez juste sur une seule face. Ouais. Euh, ça permet aussi une gestion euh, peut-être euh, plus. Euh, plus rapide et plus simple aussi de de la question de l'impression donc pour porter des... l'impression c'est plus facile oui, que le recto verso il y a des euh, comment dire il y a des avantages de toutes sortes il y en a pour la pour la lecture parce que cette absence de transparence c'est vraiment du pain béni ça vous permet oui. une économie de papier travailler avec des papiers peu chers oui, c'est euh, oui. ça euh, qui sont toujours trop transparents et oui. en, bah, en... Comment en, en, en augmentant euh, leur, leur, leur opacité, c'est vraiment très ingénieux. Et il y a un plaisir aussi, un plaisir euh, d'un autre ordre, c'est le fait de pouvoir passer son doigt entre deux pages. Ouais. Il y a quelque chose de ludique. Ouais. ouais bon. D'ailleurs, c'était pas euh, euh, comment elle s'appelle qui fait des, euh, des choses avec du, du calque. Elle avait mis des choses dans ses, elle avait mis des calques dans euh, comme des pochettes surprise entre chaque page hein, dans un bouquins. Tu te rappelles, dans un de ses Margot du Seigneur. Ah, c'est possible. Ouais. Margot du Seigneur, elle avait fait un truc comme ça plié. Et puis dedans, en fait, il y avait des, des pochettes. Et comme elle travaillait avec de, des calques, c'était pas mal. Donc, voilà encore un, un livre qui met le, la transparence et la non-transparence en avant. Voilà. Donc là, c'est qui c'est Julie ça. C'est Julie qui a fait ça. Ouais. Voilà. Avec des sémaphores qui racontent voilà. des trucs. Euh, on est censé, <laughs> j'imagine, interpréter ouais, ce que racontent les sémaphores. Fin, de... voilà. Je <laughs> crois, je suis obligé de vous avouer que je n'ai pas la moindre patience <laughs> pour ce genre de jeu. Je n'ai pas l'âme d'un boy scout, donc je n'ai pas de goût pour les signes de piste. Je ne suis pas capable de donner 10 secondes de ma vie à ce genre C'est un très bel objet. Hein. C'est vraiment un très bel objet. C'est sur un magnifique papier euh, imprimé. Là, tout l'objet est très beau. C'était dans chute des classes et lutte des corps de Gosselin et Nager. Ils faisaient toutes leurs dédicaces avec des systèmes comme ça qui n'étaient pas des sémaphores, hein, mais qui étaient euh, des systèmes de comment euh, de, de signes euh, arbitraires, un hein, code César à la con. Et ce qui fait que j'ai une dédicace assez longue que j'ai jamais lue. <laughs> Donc là, le, le travail d'impression est vraiment très très particulier puisqu'il y a entre le recto et, et le verso un, un jeu permanent, comme le dit euh, Thomas. Il y a une réimpression du verso. C'est pas la ouais. transparence ouais, seule ça, ouais. qui suffit, ce qui exige quand même une grande précision. Euh, vous pouvez. Alors là, je sais pas si tu as la lampe de tout à l'heure. Oui, elle est là. Ce qui est un des aspects assez fascinants de ça, c'est là, on, ça demande quand même une grande précision. C'est que c'est bien joli euh, d'imprimer le, le le recto et le verso, mais euh, il faut que ce soit parfaitement calé dans ce cas-là pour que euh, vous n'ayez pas une, une bavure euh, de l'autre côté. Donc, Alors là... il y a des intercales euh, entre chaque page et intercalé euh, peut-être pas chaque page, mais des des calques là pour le coup. Et, euh, et les autres pages sont donc imprimées euh, des deux côtés. Donc ça augmente la puissance du verso et ça crée évidemment une sensation de, de trouble, un petit peu comme ouais. dans ton mon bras d'Ejecta. Ça, ça crée un rapport avec l'impression qui euh, trouble complètement euh, euh, l'idée de ce à quoi appartient euh, le, la, la reproduction. C'était quelle mm -hmm. est sa matrice originale. Donc elle connaît ça euh, tout à fait à la fois gracieux et monstrueux de Julie. <laughs> voilà, on continue chez ces oiseaux. Voilà. Et on passe au travail de Judith. Et on finit avec le boulot de Judith. Donc celui-là, je pense, est plus et plus ancien que celui-ci. Ouais. Parce que Judith ne dessine plus, mais écrit de la poésie. Donc voilà. Alors ça, on, on a été euh, bluffé. Bluffé par ce, ce livre qui est aussi sur le même principe hein, de, de pages doublées ça me fait chier ces trucs je les ne suis pas capable tuées, de remettre ça oui. dedans donc ah. les pages sont doublées hein, euh, je peux passer ma main dedans hein. euh, et donc ce choix euh, de Judith de euh, donc apparemment euh, si j'ai bien compris c'est une espèce de, de cadre ça, ça mime le cadre euh, les petites boules là euh, euh, les cadres dorés euh, des portraits et donc c'est ce que j'ai dit, as choisi euh, pour faire case finalement. Donc l'histoire est absolument passionnante et inventive et euh, c'est ouais. poisonnant C'est il euh, y a des histoires d'araignées. Euh. <laughs> il y a une compréhension assez fine, elle est quand même à bonne école, de ce que les bombes dessinées peuvent faire. C'est-à-dire, euh, on a bon, des, des processus narratifs qui jouent sur toutes les possibilités de la durée. Et il y a une compréhension assez fine de ce que peut faire euh, le matériel qu'elle utilise d'un point de vue plastique en mmh. termes de nuances nuance, entre de les gris. gris. Donc ouais. ça veut dire que ce n'est pas juste un machin pour remplir des dessins, mmh. c'est euh, un, un rapport... Possible. Salut Solarius C'est un, un rapport assez fin à, euh, à sa mine graphite, on voit ici qu'il y a une vraie, un vrai jeu sur les nuances de la, de la mine graphique, de, de, des crayons gris. Etc. Et des jeux de frottage qui font plus ou moins ressortir ce sur quoi elle frotte. Et donc, où il y a un caractère accidentel qui provient oui. de l'endroit même où elle dessine. Il y a la rencontre de plusieurs épaisseurs de dessin. Donc, une vraie prise en considération aussi de euh, la nécessité euh, de l'intelligibilité, de la, la lisibilité du tout. Et peut-être même hein, une espèce de mise en scène du crayon par lui-même. Non, on, on dirait, tu sais, ces crayons un peu gras, ces pastels pour enfants. Ou du, du, du fusain, peut-être aussi. Ah, hein. ça peut être aussi. Tout du simplement. Et. Il y a un processus graduel euh, d'utilisation euh, ici d'un arbre euh, qui va devenir complètement autre chose à, puis, à mesure que changent les rapports d'échelle, arbre, route, chemin, et puis euh, non, irradiation plus, en fait, du personnage lui-même, donc avec un statut différent de cette masse de blanc. Euh, désormais... Un travail mené à son terme, il faut le dire. Complètement plein d'inventions euh, narratives euh, avec euh, un jeu sur justement la, la, la faiblesse du crayon son appui euh, les épaisseurs euh. puis oser aussi le le cas vide hein. là on a trois euh, trois états elle marcha et marcha et marcha des heures on voit juste des pas en fait dans ces espèces de boules euh, Thomas ou Angèle nous disent euh, c'est bien le crayon très gras d'enfant enfin, ouais c'est ça le crayon euh... donc c'est en couleur finalement le, les, les, le travail est en couleur. C est, c est... Le... Je vois tes petits pastels gras là. La capacité à, à faire jouer à l'intérieur d'une case là, euh, les, des, des régimes de, de, de dessin euh, différents euh, en, en faisant des motifs de croissance comme ça qui vont carrément articuler la double page euh, tout entière euh, avec euh, des, des rencontres de masse comme ça. Et il y a beaucoup d'adultes qui vont pas aller jusque-là dans leur utilisation du potentiel oui. de la construction d'une page et d'une structure. Il y a une vraie compréhension de la double page si on avait remarqué. Ah oui ça oui incroyable. C'est magique ça. Ouais, 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 ça. Ça c'est vraiment magique plutôt que de nous montrer l'épuisement potentiel d'un personnage qui marche, euh, c'est simplement euh, comme une série de signes les pas euh, inlassablement euh, ré réper réper répercutés dans le sol. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'identification de la marche, il y a une mêmeté, une identité de chacune d'entre elles qui étendent la durée au maximum de la marche, précisément parce qu'on ne peut pas distinguer euh, une, faut comment dire, un moment de marche d'un autre moment de marche. Et ça, c'est plus puissant que si les voilà. personnages avaient traversé plein Et puis, de faut loser aussi, euh, quand tu es encore jeune, d'oser euh, répéter. Euh. Et ça, oui, alors là, <laughs> là là, carrément, on a du texte qui est, euh, qui est masqué. quoi. Ouais. Là, a on un a, a en des, vues, des, vues, des, vues, des vues de dessus qui sont tout à fait étonnantes. Il y a une capacité à, à tourner tout autour des figures extrêmement riches, dessus, dessous, de dos, de face. Enfin, bref, on n'en finirait pas de, de mettre en lumière à quel point ce non, truc est, est un bien beau truc de Judith. Bravo, mmh. Judith. Et bien voilà, on vous conseille euh, donc. Euh... Lisez ça, lisez, euh, lisez Le Carmilla de Judith, chapitre 1. J'espère qu'il y aura euh... plein de chapitres. Judith, en, euh, maintenant, donc, de façon plus, plus contemporaine, maintenant, travaille avec des IA, si j'ai bien compris. Je, ouais, c'est ça. Enfin, euh, si j'ai bien compris, en tout cas, quoi, là, elle écrit des poèmes, ça voilà. c'est sûr. Donc, ici, il y a encore. Euh, on, ça évoque encore les araignées. Hein. Moi, je vois, des, je vois comme une araignée, là. Et donc, il y a des poèmes et puis des illustrés. Là, c'est pareil. Une jolie petite couture, euh, une couverture en calque. Enfin, c'est des objets qui sont, qui sont toujours aussi, aussi beaux, quoi. Voilà. Donc, euh, bravo, Judith. Magnifique. Ah, qui a coupé. <laughs> Ça très beau, on aime ton travail. Je dis qu'il faut continuer. Oui, La voilà. bien site... plus euh, enfin, euh, vraiment euh, plus abouti que beaucoup d'adultes, hein, il faut le dire. Voilà, Carmilla et le reste. Donc voilà. vous pouvez choper ça là. J'imagine qu'il suffit d'écrire sur Insta aux enfants du talus pour euh, trouver leurs zines. Sinon, bah vous pouvez les trouver euh, sur des salons. Voilà. Bah tout. oui. Il suffit voilà, de suivre sur les ça. salons. Alors on a ces trucs là. Est-ce ouais. qu'ils sont ensemble ou pas Non, ce n'est pas ensemble. Ah, Mais il ah y trois petits objets qu'on va vous montrer ensemble. Rapidement. Celui-là, je ne me souviens plus où est-ce qu'on l'avait trouvé. Ah, ça, ça vient des Wild In, Ah, des Wild In, d'accord. C'est toi qui a. Qui a réalisé ça Quelqu'un dont je vous ai dé déjà parlé pour complètement autre chose, pour son magnifique petit album qui est sorti aux éditions Grèges, qui s'appelle Concours Hippique. Ah, c'est ça Oui, c'est Julie Kieffer. Euh, Lucie Kieffer, pardon, excuse moi ouais. Lucie. Euh, je sais pas ce que je viens de parler depuis un quart d'heure. Le... Lucie donc a réalisé ce truc ignoble. C'est une pure abomination. Kitchissime. Quitchi, ah, je peux quand même vous montrer le vrai travail de Lucie. Qui le est vrai C'est son travail aussi. C'est autre chose. C'est vrai. C'est Donc là, vous avez montré le concours hippique qu'on avait adoré. On avait adoré ce dessin de chevaux euh, complètement euh, euh, délirant. Euh, cette histoire euh, vraiment super. C'était elle aussi les chiens oui, c'est elle qui dessine ouais. magnifiquement les chiens. C'est à elle que j'ai acheté le dessin original qui est dans mon atelier, un dessin de Clébar, tout à fait incroyable. Euh, et là, elle a fait un truc ignoble. Elle a récupéré, euh, probablement sur ce genre de site. Alors, je vous en ai choisi un au pif. Euh, voilà, un de ces sites de merde, comme il doit en exister 12 000. Celui-là s'appelle La pensée du jour. On a envie de, de mourir de chagrin. Avec à chaque fois une photo <laughs> dégueulasse. Je ne pas Marseille hein, avouez-le. <laughs> euh, qui ne risque rien ne va rien. Souviens-toi que le grand amour et les grands accomplissements impliquent de grands risques. Donc c'est voilà. N'importe qui peut vous aimer lorsque le soleil brille. C'est dans les tempêtes que vous serez qui tient vraiment à vous. Ah. <laughs> Aimez-vous C'est un... bon. bon D'accord, je le fais plus. La, la beauté vient de l'intérieur. Et, et donc et, et alors ce qui est euh... Drôle, alors je ne sais plus si c'est à un endroit, c'est quand, quand les gens font, font des, des fautes, mais ah bah que, coup, tu, que tu lis, non mais que tu lis complètement autre chose. Ben oui, il y a, y a des, évidemment des euh... cuirs partout, c'est écrit avec le cul, c'est du Le vrai de... amour peut le rendre aveugle, mais il peut aussi l'ouvrir les yeux. Voilà. <laughs> ah, c'est très beau ça <laughs> Je vous le relis, c'est magnifique. Le vrai amour. Peut te rendre aveugle, mais il peut aussi t'ouvrir les yeux. C'est pas écrit. E ah, tu rends ça plus drôle que ça n'est. Juste parce que le thé est mal foutu, parce que évidemment, elle, elle a pris des images atrocement pixelisées. Euh, il faut beaucoup de vérité pour gagner une confiance, mais il suffit d'un mensonge pour leur le perdre. perdre. C'est vraiment dégueulasse. Il y, y en avait un qui est. Oh là là, C'est tellement a... la verbe. Euh il y en avait un qui m'avait fait hurler de rire parce que affronte tes peurs écoute ton cœur et attrape ton bonheur il <laughs> y en avait un où il y avait une faute qui, qui changeait complètement le euh, de quoi j'arrive même pas à lire mon bonheur à moi c'est nos moments à nous L lucie arrête ça ne fais plus ça c'est mal tu nous fais du mal <laughs> ah, je trouve plus celui où il y avait une euh... <laughs> ah sinon, euh, voilà. bon, ça dans écouter. mes souvenirs, j'ai acheté ça. Euh... <laughs> J'arrête de vous montrer C'est ce oui. monstrueux, c'est très drôle et monstrueux à la fois. Donc c'est lui-ci. Euh, Chopé lui euh, par contre c'est très joli Fanzine. et. Euh... Oui ça vous pouvez vous. Et, et aux éditions Grège concours épique. Ça. Et hélas, je ne me souviens pas ce que c'est. Ah, Donc, compris. si l'auteur ou l'autrice euh, de se ce reconnaît. petit fanzine <laughs> se reconnaît, comme absolument rien ne permet dans cette petite promenade de fourmis euh, de savoir, mais pourquoi la caméra donne des effets aussi dégueulasses C'est de pire en pire, hein. ouais. ça ne s'arrange pas. Ouais, et elle donne des effets moirés, roses. Ah, alors euh, que brillant. le papier n'est. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est. Papier... Le papier n'est pas brillant, hein, je vous le dis quand Oui, c'est ça, ouais. Je comprends pas du tout. Il y a trop de lumière Bah écoute, je comprends pas. Alors on va essayer d'arranger ça, les amis. Oui, il y, y a beaucoup de lumière. Et pourtant, la lumière n'a pas changé, quoi. Ça change rien si je fais ça. Donc ce qui est. Euh, c'est super bien. Parce que c'est le voyage d'une petite fourmi, puis il y a des pliages. Donc on peut suivre la fourmi euh, à l'endroit, à l'envers. Euh, on peut suivre son histoire euh, et, et sa petite balade dans son monde. Et en effet, il n'y a aucun. Il n'y a pas de titre, de... l'objet se manipule dans tous les sens, et il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom d'auteur, et on ne sait plus où on a récupéré ça, bravo, euh... ni même dans quel festival on a eu ça. C'est un lien vers quoi, dis-nous Thomas, parce que si c'était allemand, je n'irais pas voir, mais qu'est-ce que ça a de si intéressant euh, Donc on a aussi euh, ça... Donc ça, si vous savez ce que c'est, dites-nous. Ça vient du même endroit, au même stand, et... Et je ne sais pas qui a fait ça. Donc, c'est un peu à, à exaspérant. Alors, bon, c'est euh, dans une, une espèce d'orbe de, de tendance qu'on a pu voir euh, récemment euh, pas mal. On a chopé quelques-unes. Donc, euh, qu on s'est là, à la fois de l'humour et du dessin, euh, okay. à, au, au, au futur œuvre d'Angoulême, celui que mmh. tu avais adoré là, sur le yoga, comment mmh. il s'appelle. C'est vraiment dans cet esprit-là, le petit bois. Oui, c'est ça. Euh, J'ai hein. le nom de Comment ça s'appelle ce petit truc ah, zut. Euh, bref, hein. euh, là, là c'est plutôt un appel. De... Non, il n'y a personne. Ah, il hein. n'y a pas de nom. Arrêtez de pas signer vos trucs. Hein. Oui, rendez clair et lisible, parce que quand on achète plusieurs fanzines, des fois ouais. on revoit ça après. C'est le zine précédent qu'a foutu du rose partout devant la caméra. <laughs> non mais même quand vous faites des fanzines à plusieurs, ça c'est un truc qui m'a, Ça le fait moins maintenant, mais il y a eu une époque où c'était insupportable. On voyait un fanzine, un truc nous plaisait dans le fanzine, on ne savait pas qui c'était. Il y avait aucune indication de rien. qui fait euh, quoi Qui ouais. fait quoi euh, Soyez pas si humble parfois, c'est bien une petite signature, un petit site ou quelque chose. C'est ça, c'est très très chouette. Euh, donc cette aventure de petites fourmis, je vous conseille. Mais alors, je vous conseille, mais où le trouver Je vous conseille quoi Voilà, je vous conseille Comment quoi Comment est-ce je fais pour vous le voilà. conseiller <laughs> Très bien. Donc deux petits objets qui voilà, qui se reconnaîtront peut-être. Voilà, qui se reconnaîtront peut-être. D'ailleurs, à propos de fourmis, on va peut-être. Oh là là, mais on a une caisse entière. Mais on continue, continue. On l'a pas, on l'a pas entamé. On, on fait ça Bah oui, oui. On Allez, continue. on fait, on fait petit à petit. Il ou reste quoi Il reste quoi Mais tout. Non, mais on peut, dans ce cas-là, passer les dernières sorties adverses dont on parlera une autre fois, par exemple. Donc, ça fait déjà six bouquins en moins. Ah oui, ben moi je voulais montrer Oasis, par exemple, parce qu'on était dans les petits fanzines. Euh... Voilà, ça. Vas-y, montre Oasis si tu veux. Allez-y. Voilà. Donc, un petit fanzine qu'on a trouvé aussi à, à l'Anester, donc euh, au, à Substrate. Euh, un, un collectif euh, vraiment qui travaille bien. Donc, Benjamin Adam ou Adam, Glenn Chaperon, Mathieu Demore, Aurore Petit, Leslie Play, euh, Vincent Sorel, Sébastien Vassant. Donc, euh, des petits jeunes qui font des dessins, ma euh, bah, bah, en fait, des dessins euh, euh, que je dirais dans l'air du temps, des dessins qu'on euh, qu peut voir un peu partout, mais par contre, avec une drôlerie. Euh, alors chacun leur style quand même ils sont tous différents j'aime beaucoup ce, ceux-là par ouais, exemple est ça, si ça est vraiment ça a été notre coup de foudre je crois ouais. alors je ne sais plus qui fait ça euh, ça c'est super bien c'est qui qui fait celui-là ah, tu vois, là, si c'est euh, Glen Chaperon, voilà. Bah, Glen Chaperon, on aime beaucoup ce que tu fais. Donc, c'est des histoires de petites grenouilles et de petites. Euh, dans un étang avec des bulles partout. Ça semble illisible, mais c'est très lisible. Extrêmement bavard. C'est très bavard et c'est très, très, très drôle. Alors, c'est vraiment caractérisé par un, un humour potache. Moi, j'ai commencé à lire. En fait, je crois que je l'ai pris par la fin et que j'ai lu l'horoscope. Voilà, c'est ça. J'ai commencé par lire l'horoscope. J'ai éclaté de rire à l'horoscope, donc j'ai lu mon profil psy, j'ai éclaté de rire, et finalement j'ai vu que tout était drôle les jeux, gags, blagues. J'ai vu qu'en fait tout était vraiment drôle et d'un goût vraiment c'est potache, quoi. Avec des dessins souvent très mignons, des dessins qu'on peut, euh, voilà, qu peut qualifier de très très mignons. Même s'ils ont chacun leur, euh, leur, euh, leur spécificité. Et il euh, y a tout un, un truc sur la, la peur des papillons de nuit. <laughs> y a, euh, et tout est drôle. Salut Tarchif. Alors, salut Satrape. Salut Blublip, ah Vous déboulez les gens, vous étiez ailleurs. Vous étiez peut-être chez Satrape par ailleurs. Euh, donc, le salon dont on a parlé et sur lequel on est un petit peu, attendez doucement, c'était. Euh, vous parlez en même strax. temps. Alors, Ragdou nous disait j'aime bien le côté je pose ça là et je me barre, mais c'est pas du tout ça, ils ont pas posé ça là, ils étaient à un stand et ils vendaient des trucs, donc ils ont pas du tout posé ça là ils se sont barrés, donc à partir de là, déjà rien n'empêche en posant ça là et de se barrer de mettre qui a fait quoi, c'est pas mal, parce que ça permet de, par la suite, de dire à d'autres comment se procurer le truc posé là, etc, et en plus c'est pas du tout ce qu'ils font. Alors, Blue dit peut-être qu'un jour vous verrez un magnifique projet extrêmement abouçu et vous direz, ah, je suis sûr que ceux qui ont fait nos zines n'ont signé. Puis vous les retrouverez, ils seront touchés. <laughs> tu crois? <laughs> qui raconte des longues histoires. Salut Blue Blip. Tu dire qu'on verra un jour ça euh, sorti en papier euh, brillant, euh, plié de façon donc, industrielle. Pour Tarfif, le festival, c'est Substrate. Ouais. Voilà. Et c'est entre l'Orient et lanester Salut, euh, ça trappe. Donc toi, tu poses. Bon, je pense okay. que j'ai. Euh... Qu'est-ce que tu m'as mis comme cote Quoi Je signe, je sais pas quoi là. Donc ça, c'était le numéro 1. De l'Oasis. Donc, euh, ce petit collectif. Donc, j'ai mis tous les liens des gens. Ouais, hein, là, Vincent ça. Roussel, là, là. Et donc, on a... du coup, on a pris le 2 parce qu'on était curieux. C'est une petite boîte en carton tout simple avec un petit dessin rigolo. Et là, il bah, y a toutes sortes de choses. Il y a Rompshi, Waf, Waf. Donc, c'est aussi dans le même. Tiens, on a la là... Benjamin Adam. Jenny Chaperon, Glenn Mathieu Demont, voilà. Aurore Petit, Leslie Play, Vincent voilà, Sorette. Alors ce que je ferais avec ces oseaux, c'est que comme Agnès a chopé la totalité ouais, de leurs instants, je vais toutes les mettre d'un coup. Je coup, vais pas voilà. me. Donc, je vous, la, euh, vous montre euh, Rompi Waf. Donc c'est aussi le principe d'un livre plié et euh, qui est fait dans une feuille. Et quand tu ouvres, en fait, c'est vraiment très enfantin, mais moi j'adore. Quand tu ouvres la feuille complète, tu as le <laughs> voilà, c'est voilà, ça s'ouvre, la, la bouche s'ouvre. Hein, voilà le chat. Euh, et quand repli ben, on a le petit bouquin avec cette histoire de Rumpshit waf Voilà l'histoire de ce chat et de ce chien, évidemment. Pas Alors Vincent ben, Sorel est un pote de lycée de Thomas. Voilà. D'accord. Donc il connaît euh, son humour. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est très drôle. Et puis il y a euh, miaou ronron sur le même principe. Miaou ronron. Donc, l'histoire de ce chat, donc c'est tout mignon et tout ça. Et hop, quand on ouvre, on a aussi le petit chat. Miaou. Bon, moi, je trouve ça super bien. J'adore. Euh, <laughs> vous savez à quel point j'aime ce genre de choses. Il y a de la manipulation, c'est bien fait. Il y a une grande drôle. générosité dans ce bordel. Oui, c'est ça. Ah, L'art la, d'André Durotin est super bien parce que c'est un un dou une double histoire. C'est du méta, en fait. Hein bah, C'est assez fascinant, parce qu'en ouais. fait, euh, un, un livret, peu importe le sens dans lequel vous lisez, puisque vous n'avez aucune chance de découvrir deux fois hein, un livret, ouais. donc Pardon, nécessairement, pas... puisque vous ignorez que ces deux livrets sont liés, vous allez en lire un euh, d'une ouais. manière ou d'une autre, et euh, à cause de ça, il va conduire à lire le second à l'aune de ce que vous avez découvert dans le premier. Donc, si vous avez commencé par ça, bah, vous ouais. aurez une lecture un peu particulière Moi de celui-là. Moi, j'ai commencé par ça. Moi, j'ai commencé par <laughs> celui-là. Donc, on n'a pas la même expérience voilà. de, de ce, ce qu'on pourrait Appeler un cadre, hein. il a créé un cadre avec des personnages qui sont les mêmes, qui sont partagés. Voilà, c'est Et donc, ça, c'est euh... cet album peut être vendu avec les glaces pieds de poule. Enfin, tout, <laughs> tout est, euh... c'est tout un objet euh, de réflexion. Euh... Et donc, c'est qui qui a fait celui-là Tu te souviens, toi euh, Ça doit être écrit là, euh, dans le désordre. Comment ça s'appelle C'est euh, Paco Paco et... Benjamin Adam. Voilà. Benjamin Adam, donc voilà. voilà. Ici, on avait aussi ben, celle qui avait non, fait. Mais, euh... Là, ce qui est bien, c'est que n'est pas la, la même personne qui fait les deux. Ah bon Ben non, l'art ah d'André durotin, c'est Sébastien Vasson. Le ah, ils ont fait... Chacun a fait un truc sur l'autre. Le dessin est sensiblement différent. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien... bien. Tellement bien fait que j'ai cru que c'était la même personne. Ah, ok. C'est génial. Ouais, ouais. Donc il y a une méta-analyse, euh, ça c'est celle qui avait fait euh, la peur des, pa des papillons de nuit. C'est bah, encore un petit euh, texte, celui le, le sur la peur du papillon de nuit. Je et dois dire. ça c'est vraiment euh, bah, encore autobiographique, très bien vu, très, dans la veine autobio. Euh, et ce qui est marrant c'est qu'ils ont tous un, un style très différent, tous dans l'air du temps quand même, on retrouve des choses actuelles, mais... Ils ont tous un dessin, mais vraiment radicalement... Là, c'est celui de... sur lequel on a vraiment craqué, donc... Euh... Ah oui, vraiment... tu... je vais le remontrer, mais attends, t'es plus sous ah, la caméra. Sur la je montre juste le... le... Là, c'est l'insta le... de Benjamin Adam. Ah bah... Oui, je Le fait que Benjamin Adam parlait du collectif, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Très bien. Il présentait le livre, c'est pour ça. C'est pour celui-là. D'accord, c'est pour ça qu'il te lui a donné plus d'importance. C'est une bonne idée. C'est pas pour lui donner plus d'importance, c'est parce que j'ai trouvé la publication. Ils montrent leur collectif. Le truc dont parle Agnès, c'est ça. C'est absolument incroyable. Effectivement. De Glenn Chapon, c'est ça Voilà, donc c'est très très bien. L'histoire est génialissime, je ne vous spoil rien. C'est super. C'est. C'est des histoires de, de, de petites bestioles. Le petit bouquin est doré euh, en sérigraphie tout mignon. Bah, Arrêtez, ça s'appelle... Attends, on je vais tous les on a... okay. bah Non, mais il en, reste, il en reste que un. Ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est Vincent Sorel qui a fait ça. Euh, C'est en fait comment faire des haïkus. En fait, à chaque fois, il y, y a un mode d'emploi. Tu dois mettre à chaque fois une euh, composer votre haïku avec trois cartes, jaune, violet, jaune. Donc, si tu fais jaune, violet, jaune, tu as tout le temps euh, un haïku, par exemple. Les amis partis, le dernier soupir du faune, le danger qui rôde. Voilà, et donc, faites ces cartes pour faire des haïkus. Voilà, et à chaque fois, avec une petite illustration. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Donc, l'Oasis 1 et 2, on vous conseille avec tout le collectif, là. Euh, qui a pas de nom, du coup, le collectif. C'est je quelques jeunes euh, qui travaillent ensemble. Hop, allez, je me dépêche. <laughs> J'ai pas dit dépêche-toi, mais... Non, mais on a une mis... caisse entière, on a à peine entamé la caisse. c'est terrible si vous voyez. Non, est terrible. On c est déjà fait beaucoup, beaucoup de non, choses. Non, non, non. Merci. On va être obligé de faire plusieurs soirées. Là, c'est Agnès qui a craqué là-dessus. Oui, c'est vrai, un... je ne craque pas souvent sur des trucs. Voilà, alors ça va être compliqué parce que ça s'appelle... Euh... Enfin, c'est noir. Ça s'appelle noir. <laughs> ça s'appelle noir et c'est très noir, et, euh... et noir individuellement. Noir, noir sur noir et... Euh... Et voilà, là, voilà une petite pochette, voilà, très... Euh... Enfin, euh, élégante, vous voyez. Euh, ah, je sais pas si. Voilà, avec un, un petit, euh, un petit autocollant. Euh, c'est imprimé sur du transparent. Donc, c'est trois petits livrets qui sont eux-mêmes. Alors, je... ah, là, il va falloir que je prenne la lampe pour vous montrer parce que. Voilà. Rassurez-vous chez vous, vous n'avez pas besoin d'une lampe. Hein. Mais voilà, en fait, il est imprimé noir <laughs> sur noir. Et donc, avec ce système-là. Euh que j'aime beaucoup, dont on a encore une machine ici, euh, qui imprimait des lettres autrefois. Euh, celui-là s'appelle Amma. Celui-là s'appelle Cendre. Et celui-là s'appelle Éclat. Mais on ne voit rien avec la lampe, enfin. en plus. de mais... trop proche. Bon, euh, bon, voilà, il faut, faut essayer. C'était le... juste une balade euh, photographique. Euh... Autour du noir, euh, il voilà, euh, y a du calque aussi, de la des choses imprimées en, en transparence. Et qui vont, je ne sais pas si on voit beaucoup. Voilà, regardez. Là, ça rajoute, par exemple, cette, ce calque-là. Rajoute, fait apparaître les blancs du noir d'en dessous. Je ne sais pas si vous voyez l'intelligence du truc. Voilà, parce qu'il y a un léger décalage qui est voulu. Voilà, vous voyez Il y a une espèce de, de jeu qui peut être fait avec l'apparition. La, la, euh, c'est la même chose ici et en négatif, mais très légèrement décalé. Il y a plein de jeux comme ça. Voilà, on a ici, euh, c'est tout noir, mais en fait c'est un calque tout noir. Et ici, on a une feuille euh, euh, en négatif où on voit surtout le blanc et elle se superpose. Donc c'est beaucoup des choses comme ça. C'est des photos qui ont été prises essentiellement des... pendant des a manifs. Des pou... hein. Là, c'est des poubelles, je crois. Ouais, c'est des sacs poubelles, en fait. C'est un reportage sur les manifestations oui. pendant les Gilets jaunes. Et euh, c'est euh, les... tout, ce qui... tout ce à quoi ressemblent les rues. Il y en a des, évidemment, qui vous parleront plus que d'autres. Voilà. Donc là, c'est euh, des vitres brisées euh, d'un commissariat de police. Il euh, y a plusieurs photos, comme ça, de Comico euh, cramées euh... ou. Ouais. Là, là, ça joue beaucoup sur les, là, les les vitres éclatées, toujours avec ce jeu négatif euh, noir blanc euh, euh, surexposé, euh, l'aspect toile d'araignée un peu. C'est extrêmement beau et donc euh, c'est Ai Aiko qui fait ça. Ouais. Donc euh, Ai Aiko et Xavanar euh, qui font aussi euh, non le zine. Voilà, donc je, euh, on va vous vous mettre sur l'insta non le zine Exactement. et tout ça. c'est plutôt un travail politique, on va dire. Oui, ah, c'est rock hein. aussi, non un Il y a un peu, caractère, y a rock. caractère rock. Donc moi d'habitude je, je... c'est pas enfin pas vraiment ma tasse de thé ce genre de travail, mais là j'ai vraiment craqué. J'ai trouvé que c'était euh, c'est bien fait, c'est élégant, c'est beau quoi. C'est euh... j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et c'était pas très cher. Je sais Plus combien j'ai payé ça, hein. pas très cher. Euh, tu l'as pas payé parce que j'ai été le chercher au stand. Ah, c'est toi qui l'as payé. Tu oui. l'as payé pas trop oui, cher. C'était peu cher. Ouais. C'était euh, 8 non, balles. J'avais ouais. regardé avant quand je t'ai dit que ça me plaisait. C'était 8 ou 10 8 balles, balles les trois livrets. Voilà. C'est vraiment très chouette. Donc, ils se vendent à 3, hein. C'est vraiment les trois ensemble. Et ça vaut le coup. Et ça scène. vaut le coup. Ouais, on vous conseille donc euh... et non l'usine du coup. Euh... Ouais, allez voilà, donc sur l'Insta. Je vous ai filé le lien de l'Insta. Le nom euh, de l'artiste, je vous le remets. I, I elle, euh, elle fait partie d'un petit collectif euh, politique. Euh, comment ça d'avoir le droit d'écrire émeute bah, Si on peut tout à fait écrire émeute, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas le droit d'écrire émeute. Et en plus de l'Insta, je crois qu'il y a un Facebook qui est Non-Lusine également. Voilà, voilà. Donc ça, tout à l'heure, je vous ai montré le bouquin de Lucie Kieffer. Là, c'est le bouquin de, comment, de, Lucie, euh, Là, le bouquin de, de Pierre, qui signe de Amédée. De Kissini, Amédée. Voilà. Pardon, Amédée. Donc, le c'est pas la première fois qu'on vous montre son boulot. Est très euh, joli. Tiens, un, un dessin assez fascinant. Je vous ai déjà fait part de mon intérêt pour son dessin euh, tout ordu. Un peu malade, quelque... un peu... et oui, j'aime bien aussi. C'est ça, cas, ouais. Il y a un caractère... Euh... Comment euh, bancal, systématique d'un de, 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 dessin toujours en, en menace d'autodestruction euh, euh, qui appuie son caractère grotesque mais qui l'air de rien est en fait euh, assez, euh, comment, euh, assez sûr de ses moyens Et il joue le, comment le, il y a un côté euh, Etauma, comme dans le dessin japonais Etauma, un bien fait mal fait euh, qui fonctionne très très bien chez lui comme autrefois Malingré euh, euh, savait si bien le faire ou Hippolyte Romain euh, c'est un humour euh, chez lui qui est toujours une espèce de nonsense, euh, comment ça t'a été censuré, mais non, j'en crois pas un mot. Tout le monde peut écrire émeute. <laughs> ah, mais il n'y a pas besoin de comment de, de tirer, hein, ça passe. Hein. Euh, euh, Ragdou a réussi à l'écrire, par exemple. Ah oui, c'est pas le mot émeute qui a été censuré, c'est sûr, hein, si c'est contre Macron et ses chiens. Donc, euh, le travail, bon, ça fait un moment que je suis son boulot. J'aimerais bien qu'il s'arrache à cette espèce de, de simple plaisir de faire des choses euh, humoristiques. Mais bon, il arrive à développer ça, un univers qui est quand même plutôt très chouette. Ah, merci, c'est très gentil. Et euh, au fond, il le fait si bien, ce serait quand même assez absurde de le lui reprocher. Donc, peut-être qu'il va de, 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 de dire, offrir toute son existence à cette forme d'humour euh, scandaleux. Euh, et absurde. Hein. En tout cas, c'est plutôt une réussite. La couverture est très jolie. Il y a vraiment un, un soin qui lui a été euh, apporté. Euh, elle est visiblement en sérigraphie. Et lui aussi, je crois, une compréhension et un goût pour le, le fanzine euh, qui euh, est euh, comment euh... Ah putain, j'arrive pas à choper le message de. Fais plus de cœur, s'il la prochaine fois c'est le ban temporaire. Me faites pas chier avec vos conneries, vous êtes gonflant. Si pouvez... ça vous intéresse pas, euh, à quoi ça sert quand on vous présente des, des belles choses Donc euh, est-ce que je vous ai filé le lien d'Amédée Non, je crois pas que j'ai fait ça. Voilà son truc. Je vous montre ça. Hop. Voilà. Ah là, c'est là. Euh, ah. par Évidemment, on est toujours sur non le fonzie. Allez, hop, ouvre, ouvre ton truc. J'ai remis un peu mon araignée parce que je trouvais qu'on ne voyait pas ces petits yeux. Vous êtes intenables. Euh, intenable. sont Mission intenable. Qu'est-ce que je vous avais montré d'autre euh, de montré Ça. Euh, Celui-ci. Brave Kiki. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous a montré ça dans un autre. Ah ouais, bah... c'était super bien. Brave Kiki. Et quoi d'autre hein Ceci. Panique qui pique. Voilà. Euh, mais là, il n'est pas tout seul. C'est un collectif. Et notamment, il y a Lucie, Lucie Kiefer. Je crois qu'ils travaillent pas mal euh, ensemble. Enfin, Ils font une équipe de potes euh, assez fécond euh, avec quelques anciens de, de l'école euh, d'Angoulême. Salut, monsieur Perlin Pimpin. Euh... J'attends. Enfin, on va suivre avec intérêt la. La carrière la carrière de ces oui, jours ouais. en tout cas c'est très joli c'est pareil là, il y a un soin apporté à, à la couverture euh, laurent vous l'a montré je suppose avec un ouais. dégradé magnifique euh, la couverture est extrêmement ouais. belle alors allez euh, je vais vous montrer ça ça va prendre cinq minutes j'ai craqué euh, pour ce genre de truc parce que j'adore ce genre de choses c'est donc un ça s'appelle le la... répertoire labyrinthique c'est un labyrinthe à résoudre. Hein. C'est un jeu dont vous êtes le héros, hein, comme on faisait autrefois. Donc, euh, on part d'un bout de ah la belle. Vous avez vu la belle affiche de Substrate Elle était ah magnifique. mais oui, c'est vrai qu'on ne ouais. vous a pas emmené sur le. Elle, est... le... elle était magnifique cette, cette affiche. J'avoue que elle est spumeuse, elle est. Je euh... si vous passe le beau. lien du salon Substrate lui-même. Ouais comme ça, vous suivrez le marché substrat et euh, si vous voulez, du coup, euh, l'année prochaine, euh, pouvoir suivre un petit peu tout ça. Euh... On a, nous, on a vraiment été euh, euh, de fa... on a été euh, ravi en fait hein, par ce salon. Euh, le lieu est parfait, euh, c'est à côté d'un parc, c'est à, à la fois un peu passant, il y avait des gens et en même temps un lieu extrêmement gr... assez grand mais très lumineux. Quand je pense que personne n'était laissé de côté, contrairement à ce qu'on avait pu vivre dans d'autres lieux où, euh, quand c'est grand comme ça, ben, on est dans un recoin et personne ne passe devant nous. Là, vraiment, je pense que les gens pouvaient faire vraiment tout le tour du salon. Il y avait des choses merveilleuses dans ce salon. Ouais. Il y avait des choses, euh, des, des travaux d'impression stéréographique de toute beauté. Il y avait vraiment. Autographique, euh... notamment, c'était vraiment hein? incroyable. Autographique, c'était stupide. Il, il y avait vraiment des. des... Alors, c'était beaucoup consacré à l'impression, hein, quand même. Bah, tout est là. Ils ont bien foutu ouais. leur Insta ah, oui, aussi. Très bien. Tout le monde est présenté. Ah, bon ben détail. Est moi qui Moi qui, qui, pardon, qui, Donc, qui, qui euh, me demandais où étaient les instants. Ah, on a tous. Voilà. Les... Là, c'est nous. Ouais, ça, ça c'est un truc sur PCCBA. Ouais, voilà. c'est Tout... nous, ça. Je reconnais notre travail. C'est super bien fait. Bien fait. Et euh, dans les trucs qu'on a adoré, il y a ça. Non, c'était pas celui-là. La, ah, la bonne pioche. Non, c'est pas la bonne pioche. Ça, c'est un des, ça, un des mecs aussi. de, ouais, de l'équipe qui était très brillant. Euh, non, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, on a adoré. Next Level. Est-ce que c'est ça Non, c'est pas, pas ça non plus. Ça. Alors, il est où, autographié Ça se trouve, on va tomber sur notre petit fanzine qu'on ne savait pas quoi tout à l'heure. C'est pas ce truc-là ah, il... Regarde, ça, c'est. Non, c'est qui s'ouvre. Il s'appelait ah, quoi Auto... C'est pas... autographique. Autographique, hein, voilà. Je ne sais pas où il est. Mais je l'avais trouvé l'autre jour en ligne, autographique. Oh, on n'en a pas ramené parce que c'était trop cher, mais c'était de toute beauté. C'était des impressions en sérigraphie absolument magnifiques. Mais vraiment magnifique et puis avec un côté géométrique que j'adorais. Une intelligence de la sérigraphie. Ah, c'était oh. incroyable. Complètement Ça, incroyable. Ça par exemple, c'est juste des câbles. <laughs> Le cahier des câbles, c'était vraiment super. Voilà. Il y a plein de choses avec des... Un manuel d'utilisation de Photoshop pour apprendre à faire des fichiers sérigraphiques. Incroyable ce truc. Voilà. Bon, et donc j'ai acheté ce truc là de c'est qui non, Ça y est, je ne trouve plus son nom. Euh... Ah, tu parles de ton livre, bah, oui. Cyprien Hot. Voilà, Cyprien Hot. Instructions suivez les numéros, rendez-vous au. <laughs> Et donc, en fait, on est vraiment dans un jeu. C'est le principe du jeu vidéo, mais sur papier. Et aussi le principe du jeu dont vous êtes le héros qu'on avait quand on était enfant. Nous, euh, rendez-vous Enfin, tu changes ton destin suivant la page à laquelle tu te rends. Ici, on a une vue du dessus, de l'endroit où on est dans le labyrinthe. Et là, ce qu'on voit devant nous, et on a à chaque fois une décision de quel chemin prendre. Et moi, ce que j'ai aimé, ceci, l'esthétique. En fait, on a euh, l'esthétique du labyrinthe. On est tout le temps devant un mur ou devant un, un passage, et en fait, on ne voit rien de ce qui a euh, plus loin. Quoi On a des à peine des voilà. Euh... Et tout le livre est fait de la même façon. À la fin, tu as quand même une petite grille où tu peux reporter euh, ton labyrinthe une fois que tu l'as résolu. Et voilà, c'est tout simple. Mais alors, le type, il s'en est donné à cœur joie parce qu'il y, y a 901 pages. Donc en fait, euh, il a fait jusqu'au bout son truc. Et, euh, et on peut vraiment jouer. C'est un livre-jeu. Euh, moi, j'ai joué. Euh, j'ai déjà exploré un petit bout du labyrinthe. Et euh, j'ai adoré, quoi. J'ai craqué. Je crois que c'était euh, 20 balles. Bon, ouais, non, crois, quelque chose ouais, comme ça. Très, très C'est euh, un... très, très chouette. Bah, de toute façon, on va le savoir parce que je pense qu'il est disponible sur son, euh, sur son site, j'imagine. Il y a beaucoup de choses comme ça autour, vous allez voir sur l'Instagram autour de la pixelisation euh, du jeu vidéo sur papier, en fait, d'une certaine façon. Euh... Il y a une inspiration du jeu vidéo, ça se voit. Ah bah, oui, Mais le, le proto-jeu vidéo, quoi. Voilà. Bon, là vous voyez le. Comme expérience de lecture, évidemment, vous pouvez imaginer que l'intéressant, c'est le caractère extrêmement étouffant et, euh, et obsessionnel de la lecture, qui est, c'est comment, c'est typiquement, c'est une impasse cette lecture. Ouais. Ouais. Vous êtes, euh, le, le fait là, même de lire pas. ce livre vous met dans une énorme perplexité. Tout ça n'a absolument on aucun est sens. des murs en fait. Ça n'a aucun sens de, de se livrer <laughs> à, à ce type de situation. C'est très C'est très très beau. Et à mesure que vous avancez, le caractère absurde de ce que vous êtes en train de faire. Euh, de Produire comme lecture vous fait remettre en question l'idée générale de lire quoi que ce soit. En fait, c'est d'un seul coup, ça vous rend assez perplexe et mélancolique sur l'activité de, de lire un livre d'une façon générale. Vous vivez vraiment le fait de vous déplacer de cette façon à l'intérieur d'un livre qui vous propose pas autre chose que d'être dans une vie toujours trop courte et sans horizon de ce que ce, ce que vous êtes en train de faire. Vous posiez beaucoup de questions sur ce que voudrait dire d'une façon générale un livre d'aventure. Mais en fait, c'est une vraie aventure et moi qui l'ai un peu pratiqué, il y a parfois des choses, alors je ne sais pas si, si c'est voulu, mais il y a des gags visuels. C'est-à-dire que parfois on est face à un mur et on a deux directions et les deux directions sont sur la même double page. Donc on voit les deux directions en même temps par exemple. Et donc c'est vraiment une expérience... Je trouve que c'est méta, il y a à côté métaphysique, oui, on peut le... Il y a une expérience esthétique. Moi, j'ai craqué sur l'esthétisme. Hein. Enfin, sur, sur cette. Euh, je trouve le livre très beau. Vraiment, il est, il est magnifique. Euh, même la couverture, vous avez, vous avez vu la couverture, elle est, elle est vraiment belle. Et puis, euh, il a un papier doux. Enfin, il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre du toucher, euh, qui est intéressant. C'est que le, le papier est, de couverture est, est, est magnifiquement... Euh, euh, enfin, on a envie de... Le... <laughs> et et c'est chouette, quoi. Voilà. Et c'est aussi le côté géométrique euh, infini euh, de ces murs, de ces... Euh, euh... Alors, on a toujours une petite vision du haut, hein, quand même. On, a, on peut voir où on est, enfin, euh, euh, de façon très restreinte. Hein. Eh bien, moi, j'ai adoré ce livre, voilà, euh, donc, il euh, n'y en avait plus qu'un, je me suis jetée dessus. <laughs> <laughs> c'est vrai, et ça, c'est l'insta de Cyprien Haute, euh, dont, euh, dont je vous ai passé le lien, où il y a des choses plus anecdotiques, donc des dessins euh, auxquels j'ai beaucoup de difficultés oui, à oui. trouver le moindre, oui, moi, le moindre intérêt, pareil. sur son insta. Il y a et... des choses qui sont même assez laides, hein. il y a des choses jolies, il y a des choses assez laides, c'est... Mais j'aime bien quand il va sur le côté euh, euh, de l'esthétique euh, jeu vidéo. Je crois que c'est là qu'il excelle. Euh, bah, sur vraiment reste, pour moi, de mon point de vue. Hein. Le reste est plutôt banal, en fait. Le, le reste, c'est du déjà vu. Il euh, y a du mignon, il y a du un peu manga, il y a du kawaii. Ça, c'est son site plus officiel, quoi. Voilà. Mmh. Donc ça dépareillerait bon. pas dans les petites productions Delcourt. Oui. Là, enfin, par exemple, pas pas, je ne m'y serais pas intéressée. Ouais. On, euh, donc c'est, je sais. Pas, je je, je m'inquiète de ce qu'il va choisir pour sa vie. Dans... <laughs> Et comme on est dans les expériences de pensée, je propose d'aller voir ça. Montre-nous quoi Ah, ben ça, j'adore. Parce que mmh. c'est des livres méta. Non, ouais, c'est génial. Ça, euh, c'est pour Alexandra Achard. Alexandra Achard, là, je crois qu'elle elle tombe, tombe dans les pommes de, de, de satisfaction à, à la vue de ce matériel. Là, voilà. Donc, ces livres. Euh... Je fatigue un peu. Tu veux présenter un petit peu oh Ouais, si tu Allez. veux. Alors, donc, euh, il y a le livre papier, euh, il y a un, cert, le mode d'emploi et Insert 2. Bon, chacun de ces livres est une piste de réflexion sur ce que c'est que de, de lire et, le et sur euh, le livre comme objet. Donc, euh, sur celui-là, celui-là, celui pardon. Ouais, ah, il merde, le il a aimé l'index. Ouais. Ah, celui-là est un peu grand, il n'est pas facile à manipuler. Euh, euh, Est-ce ouais. que tu veux que je prenne l'autre la, caméra pour euh, filmer de haut Attends, bah déjà, je, je vais peut-être enlever dedans. le zoom, ce serait pas mal. Ah, on n'est pas en zoom, là. Tu ah, ouais, peux te filmer haut Je peux, euh, en prenant la caméra. Ouais, ouais, elle est là. Essayer, ouais. Donc là, je vous, vous avez jouer. un fascicule. C'est souvent consacré à tous les aspects de la lecture, donc comme activité, mais du livre aussi euh, comme objet. Donc, c'est des réflexions... Sur le plan élargi euh, de la question éditoriale, qui sont réalisés par, euh, je crois que leur, leur petite voix s'appelle Livre Papier. Livre Papier, exactement. Euh, donc là, en plus large, ça donnerait ça. Si vous y voulez y voir, voilà, vous avez le bouquin euh, dans toute son ampleur. Ici, euh, sur euh, cette partie-là, vous avez le, les livres. Comment, euh, où vous avez trouvé ceci? Ça, c'est tout ce qui a été trouvé à l'intérieur des, des bouquins. C'est un peu des archives de ce qui est trouvé à l'intérieur des livres. Exactement. Et oui. euh, donc, il y a un index de où ont été trouvées les choses à l'intérieur à... des livres. Dans quelle double page on a trouvé euh, ceci dans quelle double page on a trouvé cet objet, cette espèce Je de bassinet avec la paire Il y a des trucs dans les livres, moi ça m'arrive souvent, hein, puisqu'on achète beaucoup de livres d'occasion. Donc c'est un travail dont on pourrait dire qu'il singe le, la pratique des archivistes, mais en fait pas du tout. Il est une pratique des archivistes. C'est-à-dire que la, la parodie de cette activité devient une authentique activité et crée pratiquement, en quelque sorte, par le seul fait de faire exister ce livre, elle crée une discipline, à proprement parler. Pour l'index, ici, vous avez donc, euh, avec une grande précision, euh, type de l'ouvrage, l'auteur ou l'autrice de l'ouvrage, la date de publication, la description de l'objet qui a été trouvé dedans, donc marque-page publicitaire de la librairie générale d'Hôtel. C'est la petite chose que je vous montrais, là, oblongue, tout à fait étonnante. Euh, ça, euh, Cette chose-là, voilà. Donc cette-ci, elle est euh, elle est répertoriée, est Vraiment un répertoire. Euh, Ici. Le livre est très beau, il est vous conçu. Oui, oh, il est très très presque luxueux quoi. Hein, avec tellement... beaucoup d'élégance. Donc je vous montrerai le site le tout à l'heure de Insère des bouquins euh, et toutes les archives en question qu'on peut trouver. Alors le site est très bien fait. Vous, vous avez une vraie bonne idée du... sur le site de ce, euh... de ce que sont tous les livres qu'on va vous montrer là. Voilà. Donc ça, Alors, insert, voilà. Attends. Il y a ensuite il y a mode d'emploi. Alors, mode d'emploi, c'est ça. Là. Ah oui, alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est génial aussi. C'est un métal livre aussi. C'est ça. Qui fait juste d'écrire l'activité de lecture euh, à l'intérieur d'un livret complet. Donc là, vous avez. Un marque-page sur lequel est écrit. Vous êtes sur le marque-page pour retourner au livre. Regardez à droite ou à gauche de ce marque-page et référez-vous aux indications que vous trouverez. Si vous avez perdu le livre qui va avec ce marque-page, retrouvez-le ou glissez ce marque-page dans un livre quelconque, etc. Et en fait, ce, ce mode euh, d'appréhension euh, du livre qui le si fait sur. Ne bah, surexister euh, bah, tu es censé pouvoir t'en rendre compte puisque tu as un écran non, mais de contrôle. J'étais je... mais mais là, je crois que c'était moi qui filmais ce que je voyais là, mais pas du tout. <laughs> bah, comment pouvais-tu le croire bah, Parce que je le croyais. Je me croyais omnipotente. Je me ah, oh, c'est beau l'image que je fais là. Hein. <laughs> mmh. Oui, oui. j'étais bien stable et tout ça. Ouais, et tout d'un tu... coup, je me suis dit, ça doit pas être moi. En fait. super stable, <laughs> je trouve. Donc je vais vous lire le début avec si une des sorte lunettes. de caméra gé voilà. génitale. Alors, Allez, je le commande. Euh, donc ça s'appelle Notice au départ, mais vous verrez ça sur le site. Donc là ça, ça s'appelle Mode d'emploi. Vous êtes sur la première, la première de couverture. Pour atteindre la deuxième de couverture, tournez cette page, puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 1, tournez cette page, puis regardez à droite. Pour atteindre la page 2, tournez cette page, puis la page 1, puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 3, tournez cette page, puis la page 1, puis regardez à, 3, page, puis 1, puis regardez à droite. Pour atteindre la page 4, tournez cette page, puis la page 1, puis la page 3, puis regardez à gauche. Pour atteindre la page 5, tournez cette page, puis la page 1, puis la page 3, puis regardez à droite. Et en fait, bon, toute la page est... est et chaque page est imprimée ainsi pour nous guider jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, où on est... Euh, vous êtes sur la quatrième de couverture, et euh, où il y a la faites le récapitulatif de toutes les pages qu'on a tournées pour commencer ce livre retournez-le pour atteindre la deuxième de couverture retournez ce livre puis tournez la première de couverture puis regardez à gauche voilà et regardez à gauche et comme on je... commence voilà, c'est un éternel. c'est <laughs> un livre absolument redondant il y a une espèce de redondance mais qui est une redondance entre un geste qui existe à travers la matérialisation de cette redondance puisqu'il l'a fait exister par le fait de lire et évidemment le, le caractère brillant de, 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 de tout ça, c'est euh, la, la façon dont euh, le, cette injonction euh, particulière à, à, à lire euh, méthodiquement, elle est, euh, elle est contredite par, le, comment dire, par le, le fait que vous soyez paralysé sur une page pour être en train de lire ça. ça ouais. voilà, On a... doit lire la page pour savoir. Alors, moi, j'ai pensé que ça plairait beaucoup à Claire avec qui tu avais fait ce, ce Twitch sur la lecture. Oui, sans oui, doute. Oui, parce que. <laughs> Et là, c'est pareil, c'est aussi un métal livre on pourrait dire. Hein. Euh, donc, c'est euh, une étude qui cherche à déterminer... Euh voilà, donc c'est écrit euh, étude menée depuis 2016 par Céline Gay. La présente étude cherche à déterminer comment la vie de l'objet livre-papier agit sur l'organisme de ce dernier. Le résultat de cette étude est observable sur l'objet livre-papier. Photo si jointe au dossier. Donc c'est vraiment un côté, euh, le côté, euh, comment dire, administratif, enfin, pas administratif, mais, euh, comment on dit, euh, bureaucratique et poussé à son extrême. C'est une, une simple euh, euh, pochette, chemise coloré qu'on trouve dans les bureaux avec euh, des feuilles dedans. C'est un dossier avec ce bandeau sur la couverture et c'est des feuilles euh, comme photocopiées à la machine, euh, à la photocopieuse sur un papier. Euh classique. Et tout ça parle de la lecture, enfin de la lecture, de tout ce qui est autre que ce qu'on vient de voir dans la mode d'emploi. C'est tout ce que la lecture fait sur le corps. C'est la matérialité euh, du livre dans ses usages tout simplement. Euh, salut Ravachol, merci pour ah, le raid salut, comme tu es Fred. gentil. On va vous décrire cet objet euh... Euh, par la suite, hein, ce soir, on est dans une petite soirée fanzine. On est en train de vous montrer des tas de publications euh, qu'on a récoltées sur cinq euh, petits euh, salons du fanzine Salut. différents. Salut, Zou euh, Bah Écoutez, euh, vous allez me raconter ce que vous étiez en train de foutre chez Ravachol. Moi, je vais faire ce que je fais d'habitude, ce qui me permet de, de vous raconter un petit peu ce qu'on branle sur euh, la chaîne bande dessinée. Euh, J'ai fait une petite présentation pour vous raconter ça. Si vous ne connaissez pas la chaîne, voilà ce qu'on fait ici. Bonjour le raid et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer. On y parle évidemment de bandes dessinées, mais aussi de théorie de l'art, de critique d'art, d'histoire de l'art, de politique, de folie, de science, de sociologie, de philosophie. On y dessine, on y sérigraphie, on y peint, on y lit des poèmes et des récits. On reçoit des historiennes de génie, des auteurs incroyables, des éditeurs inouïs, des biologistes éboustouflantes, de dangereuses agités du bocal, et tout ça avec de la politique dans la science, de l'art dans la politique, de l'histoire dans l'édition, de la poésie dans la danse. Installez-vous confortablement, suivez la chaîne et on y va. Et voilà. Et voilà. C'est pas le bon SO, c'est un zéro dans ton pseudo. Ah, le SO a pas. Il faut le refaire. Moi, je compte sur vous les modos pour pouvoir. Allez, les modos, euh, faites un SO. Euh, euh, et sauter correctement, Ravachio. Et donc, on vous parlait donc, euh, du festival Substrate qui s'était déroulé cet été, euh, en juillet, euh, à Lorient, côté de Lorient, à la Nester, et où nous avons acquis certains livres qui. Qui parle de l'objet livre, donc celui-ci notamment. Donc, autre livre de Céline Gay. le précédent donc, euh, faisait de façon redondante les, toutes les opérations du fait d'être en train de lire et euh, qui décrivait euh, tout, tous les gestes opérés pendant qu'on est en train de lire pour pouvoir être en train de lire. Et euh, celui-ci euh, donne un autre aspect du rapport au livre, à savoir tout ce qui peut arriver au livre, pour changer de forme, c'est-à-dire quels sont les accidents matériels dans lesquels le livre se, se trouve pris, qu'est-ce qu'on fait avec lui en dehors de lui arracher son contenu par la lecture. Donc il y a des modes de comment on pourrait dire de conservation de forme du livre qui sont dus au fait de lire. Donc une façon de garder la page comme ceci, le livre est écrasé, de garder la page avec par un crayon. crayon, de garder la page en, 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 en mmh. faisant un coin. <laughs> De garder la page en s'endormant dans le livre. <laughs> voilà, donc, là, c'est le dormeur qui sert de, de, de marque-page. Je de la politique. Voilà. Bah oui, comme d'habitude. Une façon de lire hein, qui va euh, avoir des effets non négligeables sur la torsion du livre. Euh, des petites traces de cookies sur le gâteau par le fait de manger euh, sur le livre. La, comment euh, travailler ce, son livre pour lire euh, sous la pluie. Euh, un imprévu sur le livre qui va changer radicalement son aspect. En gros, vous avez euh, euh, renversé votre verre dessus. La façon dont vous le transformez euh, physiquement en l'embarquant euh, pour partir dans l'arrière de, de votre poche, pardon, dans votre sac, dont vous l'utilisez pour euh, écrabouiller une mouche, une mouche <laughs> euh, dont vous l'utilisez pour euh, tracer une nez. Ah oui, j'ai déjà fait. Alors donc, certaines de ces activités sont directement liées à la, à la lecture elle-même, donc sont impliquées par le fait de lire, et l'autre par un détournement de l'usage du livre, donc ce sont des gestes qui n'ont pas du tout euh, le même statut. On observe là euh, des familles de gestes complètement différents. Donc voilà, livre papier, on vous a donc montré un cert avec euh, un archivage euh, vraiment euh, précis, scientifique, de ce qu'on peut trouver dans les livres. Euh, une notice, un mode d'emploi de comment lire, avec euh, tout expliqué, même le marque-page vous dit comment lire et et, ce, et cette étude donc sur euh, euh, comment le livre et le corps peuvent interagir et, et, euh, et euh, exercer un changement l'un sur l'autre on va dire oui. Donc on a adoré cette série et le site est super bien fait, il va vous donner envie d'acquérir ces objets. Euh... Voilà, livre papier. Donc, voilà, euh... ça s'appelle livre papier euh... et le site est vraiment vous guide. Et il y a même dedans, in euh, extenso, tout ce qu'on voit dans les livres. Hein. C'est ça. Vous et pouvez, vous je pouvez, je pouvez les imprimer vous-même. Hein, vous avez euh, différents aspects, donc des objets qui sont là. Euh... Vous pouvez retrouver euh, quelques-unes des images... Dans l'étude des bouquins en question, vous avez des PDF hein, <laughs> qui rendent compte de façon détaillée euh, des de différents aspects donc, euh, exposés dans un des bouquins. Un euh, a... ah, certes aussi, il est bien détaillé. C'est ça. Un cercle libre, bah, c'est-à-dire que chaque livre est accompagné en quelque sorte de son, euh, de son site. Donc, ça si vous permet d'étendre l'expérience que vous en avez ou de la partager avec, euh, avec vos amis s'ils ne peuvent pas avoir accès aux IN, parce que le n'est pas forcément trouvable. Voilà. Donc voilà. Insère, ah, donc c'est l'archivage des objets qu'on peut trouver nous, nous, on à l'intérieur. Nous, pris le 2, parce qu'il y avait le 2. Je, je pense qu'il n'y avait pas le 1. Voilà. Donc là, vous avez la banque des objets trouvés mmh. par eux à l'intérieur des livres. Donc il y a une récolte assez fascinante. Bon, le, le plus courant, euh, c'est généralement des tickets de caisse ou un petit bout de PQ ou un ticket de métro. Alors celui-là n'est pas ouais. tout jeune, c'est ah, celui oui. de mon adolescence, ouais. le fameux ticket jaune des années 80, ouais. qui était si beau. Voilà. Ça peut être une ça photo, être une carte ciné -ciné, postale, ouais. c'est ça, ça. Moi peut je mets beaucoup des cartes postales. De la peu, publicité. Des, même, hein. des articles de journaux. Michel faisait beaucoup ça dans ses livres. Il y a souvent des articles de journaux. Donc voilà, moi euh, voilà, on a Salut bien mis, en fait euh, cette, euh, cette petite. C'est une maison d'édition euh, livre papier ou Oui c'est ça, ouais. c'est livre papier. Donc je vous ai foutu le lien du précédent site. Il euh, y a un, un site pardon pour euh, pour chaque bouquin. il y en a aussi pour notice qu peut, que je vais vous filer. Comme ça vraiment voilà. vous aurez les trois liens. Hop, et voilà. Ah oui moi aussi j'annote, j'annote énormément. Mes livres. Ouais, je fais des commentaires des fois. Des fois, je ris dans, la... dans les je dis. <laughs> Donc, ça, c'est le texte du bouquin euh, qu'on vous a donné en voilà. un... petit bout de lecture euh, voilà, tout à l'heure. Voilà. Qui vous explique comment lire. Euh, là, euh... Je crois que le marque-page, c'est ce qui me fait le plus rire. <rire> si vous voulez continuer votre lecture, détournez votre regard sur la droite ou sur la gauche. Ça me fait beaucoup vous rire. Vous avez différents. Euh... Alors que c'est sérieux, hein Ben oui, complètement, ouais. Je pense que. C'est aussi passionnant également d'aller voir Tu envoies tes notes demain Vive la Révolution. Ouais, ça donne envie. Enfin, euh, Céline Gay, euh, donc, qui s'occupe de ça, est une fille vraiment très chouette. C'était hyper agréable de l'avoir pour voisine. Elle a dû acheter tous ses trucs. Et c'est sur sa table euh, également qu'on a trouvé euh, le bouquin Le Labyrinthe. Le Labyrinthe que je vous ai montré tout à, à l'heure. Exactement. Donc le, le livre-jeu que je vous ai montré tout à l'heure et qui consiste à, à, à se balader pour les nouveaux donc arrivants dans un euh, labyrinthe. Ce sont des potes, ils se voilà. sont bien trouvés, ceux-là. Voilà. <laughs> donc c'est absolument fascinant. <laughs> De Hot. Euh, c'est Séba ça, Sébastien. C'est voilà. Allez, Allez, on continue. Donc, Giboulet euh, qui a fait cette, cette chose-là, donc euh, il est blessois, et donc euh, Toto Fan Club, il nous a offert le... Le, le sac avec tout. Alors, on était pendant Alors, le confinement. Il faut peut-être pré préciser c'est de Blois. C'est souvent dit artiste blessois. Donc là, c'était euh, tout le, le kit euh, Jeux Olympiques. C'est ça. Voilà, qui était vendu. Donc il y a un briquet Jeux Olympiques, Toto, un crayon Toto. Euh, voilà. les C'était les Jeux Toto-Olympiques. C'est un peu difficile de, de parler dans Alors, le détail un truc aussi proliférant. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, par exemple, on a un Glossaire cyclo totopédique On pourrait dire en gros que Toto, cette espèce de dessin aberrant euh, typique de la tête à Toto qu'on a pu dessiner enfant. Euh, est devenu une forme d'affirmation, euh, d'un geste à n'importe quel endroit possible. Et... Donc c'est moins la création d'un personnage qu'une espèce de signe affirmatif de quelque chose qui fait exister euh, le Toto Fan Club par le seul fait de, de faire exister le problème Toto. Oui, on parlait de euh, ici, la bord justement, ici l'abuse, euh, c'est évidemment la psychothérapie institutionnelle. Hein. Ouais, oui, c'est le modèle auquel on, on pensait. Oui, oui. Enfin, c'est un des modèles intéressants pour nous, pour penser l'hôpital. Et donc, pas pour dépenser l'hôpital, mais pour le repenser complètement. Donc là, on a un glossaire qui a été euh, établi avec Jean-Claude Moineau. C'est ça. Jean-Claude euh... Moineau, c'est un historien, un théoricien d'art. Plutôt un théoricien d'art qu'historien, euh, qu'on a souvent rencontré dans le monde du fanzinat Mais c'était un grand fan de fanzine. Et quand il arrivait dans un salon, on était tous là, ouais le voilà parce qu'en fait, il venait avec son petit chariot et il achetait tous les trucs les plus euh, qui lui semblaient les plus euh, les fous en fait, les plus, euh, les plus débridés, les plus nouveaux. Et il avait une bibliothèque incroyable. Il y a eu des petites vidéos tournées dans sa euh, bibliothèque où on pouvait courir dans sa bibliothèque. <laughs> c'est tellement elle était immense. Et euh, il habitait un appartement euh, euh, juste. C'était à Montreuil, c'est ça? Non, c non, 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 c'était euh... pas loin du boulevard Voltaire. Ouais c'est ça. Boulevard Voltaire, même. Et donc, malheureusement, euh, il, est... il est décédé. Non, On il n'est pas décédé, ah, il est, il est très, pas... très, très malade. Ah, il est très, très malade. Il tu est pas décédé. Tué, ça y est, tu il est déjà mort. Tué. Ouais. Elle nous a Jean-Claude Moineau. Depuis... Euh, si vous voulez ça... Non, bah monsieur, pardon, Moineau. On honte sur toi. Là. Je peux vous montrer un petit peu qui est Jean-Claude Moineau, si ça vous intéresse. Alors, donc, il est peut-être encore chez lui, parce qu'on se demande. Non, 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 il non. est à l'hosto. Il est à l'hosto. Il va vraiment très, très mal. Euh, si vous voulez rencontrer Jean-Claude, il y a une petite vidéo YouTube ah, que je peux partager ouais, avec vous, où il parle. Alors, il, il est connu par tous les amateurs de, de micro-publications pour son immense bibliothèque, qui est un joyau intégral, qui est une œuvre à part entière. Et dans cette vidéo, euh, il parle, alors je peux peut-être peut même l'écouter un petit que, peu. Est-ce qu'on voit son immense bibliothèque, donc, justement Je ne sais pas. Voilà la voix de Jean-Claude. Été... Je ne l'entends pas, moi. On ne l'entend des... pas, nous suis souvent par MacLuhan, ah. puis par Kuhnberg, d'une ah. façon très différente. Ah. Et donc... comment je t'entends tu l'écouteras plus tard? De toute façon, c'est quelques mots, je remets de deux petits mots, l'entretien dure 20 minutes. Je non, non, parlais effectivement sur euh, la euh, vulgarisation du, de l'art, effectivement l'utilisation. De... Je voulais définir le, mé le méta-art. Regardez le, comme il, était, comme il se se fait bien l'air perplexe. <rire> 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 bon, je ne vous pas maintenant ça, je vous file juste le lien euh, YouTube. Euh, comme ça, vous irez écouter Jean-Claude Moineau et vous verrez un petit peu qui c'est. Ouais. C'est un très chic type. Euh... Quelqu'un d'important. Dans le monde du fanzina, ne serait-ce que, que intérêt. De, de la vraiment. théorie de l'art, il a pas mal écrit, il est très très proche de l'esprit de Fluxus. Bon, il se trouve que l'aventure Toto, cette espèce de chose un peu aberrante qui depuis je sais pas combien d'années... Ça dure, ouais. Et qui, euh, qui mobilise beaucoup d'artistes, finalement. Ben il y a beaucoup oui, de gens mais... qui participent à Toto. Bon, C'est surtout François Giboulet, mais... Euh... Non, mais je crois qu'il y invite régulièrement des gens. Hein. Bah, en tout cas, oui, il y a, y a un désir sans cesse autour de cette espèce de, de construction euh, qui est protéiforme, donc assez tout, difficile tout, tout, là, à décrire. Bon. C'est plutôt compliqué de dire, du coup, euh, euh, à quoi se résume euh, l'affaire la, Toto. La question de, de la puissance esthétique, vous voyez, est, est peu, 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 comment. Euh, peu prise en considération. un club café le fluxus. Elle donc... est plutôt négligée. Ce n'est pas vraiment la question. On, on voit bien qu'il y a même une tentative euh, presque volontaire de, de réduire à néant euh, tout ce qui pourrait ressembler ou le près ou de loin à un vrai pari esthétique. En tout cas, on, ah, il, y a oui. Une, oui. il y a une ridiculisation permanente de cette question sous cet angle-là. Voilà, donc des interventions dans la rue. Voilà, donc bon, ce bouquin, euh, donc. Euh qui a été fait, donc, en collaboration avec Jean-Claude Moineau. Et avec Samuel Etienne. C'est Strandflat Flat édition qui a décidé de publier ça. Samuel est fasciné par l'expérience d'auto depuis des années. Merci pour le follow, Darla, du dada. Ouais, on a tout, on a le petit sac, on a le tote bag, euh... on a le crayon, on a le crayon, la médaille avec une canette. La <laughs> médaille olympique du, Après, euh, avec... <laughs> du Toto Fan Club, hein, voilà, fait avec une canette. Et pour uh, allumer mes cigares, un briquet uh, Toto donc, qui a été customisé uh, par François Giboulet, un, un crayon Toto Fan Club de Blois. Donc il faut savoir que à Blois se trouve la fondation du doute, ou en tout cas près de, près de Blois, euh, l'espace Fluxus qui euh, archive bah, le travail de, du Fluxus français, donc euh, notamment évidemment Robert Filiou. C'est une fondation qui est plus ou moins tenue, je crois, par Ben, donc ce n'est pas le mec de Fluxus qui m'intéresse le plus. Je dois avouer que c'est même euh, clairement oui, celui qui, qui m'intéresse moi. le moins. Je suis beaucoup plus euh, intrigué parce que branle, François Jubilee... <laughs> Regardez ça, c'est très drôle, la natation artistique synchronisée. Voilà, C'est le, le tennis dedans. de table. L'idée c'est de faire proliférer comme une espèce de, de maladie plastique qui envahit le monde comme une espèce de, de métastase graphique, donc le, le, le Toto qui vient contaminer absolument tous les objets. C'est vraiment un drôle de truc. Je sais toujours pas quoi en penser. Je pense que c'est le but de faire en sorte qu'il soit très difficile d'en penser quoi comme... en penser. Non, c'est ça existe. Ça existe comme une espèce de poursuite bah, de l'activité fluxus. C'est ça. C'est comme si c'était une survivance. Euh... Une extension. Une extension plus qu'une survivance d'après toi. Ouais. Mais, oh là, bah t'as une belle médaille Toto. Hein. Ouais. Vous l'avez vu hein, cette médaille. Vous avez vu le soin apporté à cette. Euh... Il est mort, nous dit euh, ah, ça Ben. Hein. Mais pas Jean-Claude. Ah. Pas Jean-Claude. Jean Jean-Claude Moineau est à Ah Il est mort Ben. Il va pas de ouf. Voilà. Et là, donc, on voit réapparaître régulièrement les correspondances entre Jean-Claude et, et François. Donc, c'est euh, assez touchant. C'est un bonhomme vraiment chouette, euh, Jean-Claude euh, Moineau. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a ah, un merdier ahurissant. J'ai été quand même bombardé de, de trucs. Il y a, pour cet été, ce livre à lire sur la plage, absolument. Donc, c'est la publicité pour le Toto Dico. Après, je vais vous filer les adresses hein, pour voir, euh, voir tout ça, voir les adresses web. Vous comprendrez un peu mieux ce que ça signifie parce que j'imagine que vous êtes un peu <laughs> en voyant euh, j tout lire. ce qui est là-dedans, se retrouve dans le Toto Dico. Hein. C'est vrai. Euh, si vous achetez le Toto Dico, vous aurez tout euh, parce que je vois les images. Euh, vous aurez les collections. Vous aurez. Euh, c'est très très illustré. Attends, je peux montrer je, peux ouais. je ne peux pas voilà. facilement manœuvrer, Madame. Voilà. Je voyez le le anniversaire. Donc, dans ce dictionnaire, vous avez vraiment toutes les participations. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez complet euh, pour l'avoir feuilleté. Je ne l'ai pas lu ex in hein. extenso. En fait, ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais je trouve bien que ça existe. Tu vois, des fois, des fois, il y a des trucs comme ça. dit, c'est bien que ça existe. Ce n'est pas forcément mon truc. Mais allez, je pense qu'il faut que ça existe. Moi, désormais, j'allumerai mes cigares avec un Toto brique Sache que. Voilà. Eh bien, très bien. Et le... je vais me servir du Toto Crayon. Eh ben oui, je fais ça. Mmh. Voilà, on va définir le voilà, Toto Crayon. Je me pour mes... Euh... Toto fléché. Moi, je vous invite quand même à essayer de vous plonger dans cette espèce d'œuvre hein, proliférante, qui est fascinante par son mode même de propagation. Voilà. Hein, je ne vous le cache pas. Alors, je vous file les liens vers tout ça. Le Toto Fan Club, que voici. Ah, on a un truc qu'on a. Ah, oh, il y a des choses qu'on a oubliées, qui étaient très importantes. Mais je crois que c'est ça, le Pierre Boulez, effectivement, euh, que Ben n'a pas survécu à la mort de sa femme. Et c'est ce que m'a dit oh. François, la personne qui m'en a parlé. C'est ça, ouais. ça y est. Je me souviens maintenant. C'est François... a pas il a pas réussi. À... Ouais, je crois que c'est ça. Mais en fait, je le savais. J'avais complètement euh, zappé ce truc. c'est français. Il t'a donné la mort carrément pour passer. Oui, c'est euh, carrément. Euh... Alors demain, tu te lèves Toto. Tu veux une médaille Toto toi aussi. Oh, ben on peut te l'envoyer par la poste. Hein. <laughs> Donc là, vous avez un grand nombre de trucs. Vous avez des vidéos Toto. Alors, je vous file le lien du Toto Fan Club up, dans. Euh... Alors, vous avez une rétrospective Toto au Centre Pompidou, évidemment, qui est un, doit être un, 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 un scandale de faux absolu, j'imagine. J'ai une petite carte, je ne sais pas à qui elle, a, à, à qui elle, elle appartient. J'en ai marre de ça. Histoire, contenu. Est-ce que ce ne serait pas ça, les trucs qu'on cherchait tout à l'heure, Laurent, regarde. On a ça, là, est-ce que ça n'irait pas avec Imprimé à la zone d'auto-édition des montagnes. Sur mon duplicateur d'Riseau, merci à l'atelier autonome du livre, Maïlis Michel. On va voir ça. Histoire contenu. <laughs> est-ce que va va ça être pas simple. ça, ces petits fongines-là ouais, Je viens de retrouver deux petites cartes au fond du carton. Voilà, il faut au moins qu'on présente ça et ça. Ah, puis regardez, on est tellement bordélique. C'est les deux filles de Mome. Attends, pour l'instant, je leur montre tout ce qu'il y a sur le, le site Toto qui est quand même. Ah, non, là, on est sur YouTube, donc c'est encore autre chose. Le Haut Salon d'Angoulême, Toto Dédicace, Toto Rampassour. Le, le site lui-même, vous pouvez le voir, est quand même. Totoifié. Bordélisé à un point in inimaginable. Hein. Vous avez tous les fanzines Toto, voilà. Toto musicaux. Ah, je n'ai pas écouté la musique, j'ose à peine voilà. imaginer. Il y a de la musique, il y a une valse Toto. <rire> <rire> voilà. Ah, C'est super le dessin. Alors Ça, il est mort, mais j'ai une Toto mobile. Tu... Voilà. C'est quand même bien pensé ce stream, exactement. Alors, je vous... là tout à l'heure, je vous ai parlé des filles de Môme, là, Môme Édition, et j'ai retrouvé leur brochure. Ah. Nous avons fondé Entre Sœurs Môme Édition, une maison d'édition indépendante basée dans notre village natal, à Chouzé-sur-Loire. Depuis plus de deux ans, nous travaillons comme des jeunes aut... avec de jeunes autrices et publions des livres illustrés hors normes récits accordéons, boîtes aux souvenirs, dépliants infinis, grimoires de sorcières. Nous aimons expérimenter des formats originaux, des plus intimes aux plus volumineux, et faire du livre un objet artisanal. Nos micro-éditions se déroulent lentement, se déplient, se replient à l'infini, se feuilletent comme des secrets. Vous pouvez découvrir notre catalogue en ligne et demander à recevoir la version papier dans vos boîtes aux lettres. Nos éditions sont aussi présentes dans des librairies de proximité, à Bourgueil, à Chinon y à Tours et à Tours. Donc elles sont du côté de Tours les deux filles. Donc Héloïse et Bérangère Rocher. Donc voilà, c'était c'est bien ce qui me semblait, ces deux sœurs. Voilà. Rien à voir. C'était tout à l'heure. Mais c'était au fond du carton. Tu sais quoi, ça pourrait bien être, mais ça, ça ressemble. Ah, je trouvé le, le poteau rose. Alors, écoutez, il n'est pas impossible que ça. Tout à l'heure, ce qu'on a montré là, l'histoire de la petite fourmi et il le petit bois. Il me semble, il me semble que ça, ça, ça ressemble. Ça. Regarde le petit bois, ça ressemble. Est regarde. Il pas sous la caméra. <laughs> tu vois regarde ça, ça ressemble à ça, non ah, Alors, on va vous montrer le. Ouais, je crois que c'est ça. Attends, retourne-le plutôt. Ah, écoute, c'est pas impossible. Pas... Ah Est-ce que ça peut être ça Parce que sinon, je ne vois pas ce que c'est, ces histoires contenues par Maïlis. My... Écoutez, My... je vais vous filer ce lien parce que ça ressemble vachement. Michel. Haut. Ouais, donc je suis sur le site là, de Maïlis Michel. Euh, ce n'est pas sans point commun avec ce qu'on a regardé avec vous euh, tout à l'heure. Il y a vraiment des parentés euh, avec le dessin euh, qui laissent quand même plutôt perplexe. Alors, il n'y a pas grand-chose sur l'Insta. Il y a des trucs qui se déplient, qui font penser ah, à, à ouais. l'approche du fanzine euh, qu'on a pu voir. Mais bon, le... la page Insta est quand même. Alors, c'était au marché Substrate, ça. Enfin, c'est suivi par marché Substrate. Bah, écoutez, je vous file quand même ce lien-là. Voilà, ah bah euh... Oui, c'était un substrat, donc c'est bien un de ces trucs. En tout cas, ça ne correspond à rien d'autre. Donc, euh... c'est donc, possible que le petit bois. Euh, et euh, la petite fourmi de tout à l'heure, soit Maïlis Michel. Salut ici la buse. Salut. Oui, de... c'est ça. Je vous confirme, c'est moi. Ah, bah cool. <laughs> bon bah alors. Ah, ben bah tu sais On était toi. dans la merde. Ah, on, on, se se demandait... Demandait, on se demandait. On se demandait, d'accord, on se demandait qui c'était. Parce qu'on a, on a dit plein de choses bien, mais on savait pas qui c'était. Et là, j'ai retrouvé au fond. Et quelle idée Ah, de faire des trucs aussi petits. Écrit... Au... Au... « Écris ton nom, bon écrit ton de <laughs> »« Sois moins modeste, écris ton nom quelque part, ou un petit hashtag, ou quelque chose, voilà. voilà. »« Bon ben bah, merci, voilà. c'était très bien. »« Donc je voudrais qu'on montre Vachier, et... et puis... »« parle moins euh... meilleur, hein. Allez, Vachier. »« Oh, comment elle me parle mal, hein. Bon bah très bien, donc Maïlis Michel, ouais, parfait. »« Et ça c'est résolu. <laughs> »« Voilà, c'est résolu. »« Mystère résolu. »« Mystère complètement résolu, on est super contents. » Et je vais la suivre une... comme ça, hop ouais. Et ce qui serait bien, c'est garder son adresse quelque part bah, pour, le... bah, pour la recension. No... Ouais, 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 pour la recension, c'est vrai. Donc ouais. je vais noter ça tout de suite, tu as raison. Mais il faut euh, pas que tu notes J'écris ça sur le papier, ouais. Ah oui, bah parce que non. Bah non, pas celui-là. J'ai tout supprimé. Ouais, ah, oui, oui, putain, je pas celui-là. je vais le mettre au début, comme ça je m'en souviendrai. Hop À voilà. reporter, tu mets... Je mets euh, petit bois. Voilà. voilà. Hop. Ah reporter sur la liste. Ouais de... bon c'est bon je fais ouais, ça. Okay. Alors. Va chier. Va chier. Va chier. Va chier. Ça c'est <laughs> les éditions euh, Cariola. Donc c'est euh, une euh, comment dire c'est des publications véganes, euh, assez euh, offensives et drôles. C'est euh, délicieusement con comme la lune et. Euh, assez marrant à manipuler. Oui, mais c'est dans les... tous les sens. C'est Saligou et Saligote. ont fait un zin oh pour lequel tu dois retourner euh, sans cesse. C'est chiant à lire. <laughs> vous ne pouvez pas savoir comme ça. Mais pas à lire. du tout. Si tu veux lire un texte en entier, tu es obligé de retourner, de retrouver la page qui te correspond. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça remarquable. C'est vraiment bien potache d'avoir fait ça. Donc, c'est un livre sur les vaches. Bon, euh... les... Ah ouais, Moi, j'adore les vaches, mmh. comme vous savez. Ça parle donc exclusivement je de vaches. C'est envisagé sous un angle parfaite, comment dire, osmose avec les vaches. Voilà. Donc, nos héros, nos héros et héroïnes se sont vachisés pour approcher leurs amours et se placer à hauteur de vache. On ne pas tout montrer, je pense. Ah <laughs> oh, si, ouais. allez Zou. Bon, ouais. allez. allez. Donc ça, manger des riches, pas les vaches. Donc, voilà. c'est le, le slogan de, de Vachier. C'est fait par les éditions Cariola. Je vous filerai le lien euh, tout à l'heure. C'est plutôt très drôle. Il y a des textes oui, très assez pontage, intéressants. Il y a des trucs intéressants. Euh... Alors, on, on nous est demandé. Visuellement, c'est très spécial. Évidemment, il <laughs> y a un bordel. Il y a un côté. Euh... Ils se sont tous déguisés en vaches. Ils font des trucs dans les champs. Il <laughs> y a des chansons. Il y a. Euh... en l'honneur de la vache. Il y a des textes plus, euh, comment, plus ouvertement euh, militants que d'autres, ouais, mais est globalement, est... la tendance c'est un peu autre chose. Quoi. Ouais, ouais, c'est pas des textes si militants que ça. C'est une chose. approche artistique du, euh, du militantisme. Euh, là, je viens de faire une double page à une femme qui se fait brouter par ouais, une vache. oui, il faut pas le Ça, sur fait. Twitch, ça va, pas, ça va pas. Quelle sorte de vache es es-tu Voilà, il y a un test. Voilà. Alors, ouais. c'est quoi Moi, j'étais une sale vache. En ouais, montre-moi. Moi, les... Moi j'étais la vache de droite. Voilà, moi je suis une ouais. vache de droite. Montre-moi les, les questions. Les questions. Euh, ce soir, c'est l'anniversaire de Tulip. Hein. Ah oui. Vous avez déjà fait la fête, était un peu fatigué, mais elle propose une after à la mangeoire. Que fais-tu 1. Tu sais même pas qu'il y a after, tu pas invité Ça, c'est moi. <laughs> Deux, ah, ça pourrait être l'occasion de pêcher aux tulipes et a les mamelles les plus pendantes de la creuse. <laughs> Trois, tu es méga chaude, tu pas fini ta conversation sur le, la présure de veau utilisée pour faire du comté. Et en plus, tu pêches très bien de tulipes, toi aussi. Ouais, Quatre, elles sont à, mignonnes, ça, les vaches. Elles sont trop mignonnes. Ça ne serait pas p'tite. très raisonnable, tu es déjà crevé, Tu vas plutôt rentrer et te faire une tisane de pissenlit. Voilà. Regardez les petites vaches, comme elles sont mignonnes. Les dessins sont absolument croquignolesques. Voilà, non, non, c'est super bien. On a C'était beaucoup... très bien. Euh... Bah, Arrête de montrer cette image. Ah, Ça... pas... On va se faire. Ouais. On va se faire avec une merde. Alors, moi, je suis une vache de droit, dis donc. Une Aubrac ou une Gersiaise. Voilà, et je vois pas le problème inhérent à l'exploitation gratuite des ressources de mon corps et un peu, je suis fière. <laughs> Tu te rends compte de ça? Je fais partie d'un petit troupeau qui vit dans un grand champ plein d'herbes vertes et grasses. Et on m'enverra pas à l'abattoir trop jeune parce que la fille du producteur de lait, elle s'est entichée de moi. Oh, moi, je super. comprends pas pourquoi les autres vaches font pas pareil. C'est pourtant simple d'être née au bon endroit et d'avoir <laughs> des bonnes relations avec les patrons. Franchement, quand on veut, on peut. Elles ont qu'à se bouger la parce croupe on vaut bien, exactement. <laughs> moi, j'adore les vaches. Quand j'en vois pas pendant plusieurs temps, je suis malheureuse. Il faut demander à Laurent, hein, je dépéris quand je ne vois pas des vaches. Euh... Écoutez, euh, je dois dire que c'est la publication végane la plus chouette que j'ai vue depuis bien longtemps. Oui, euh... il y a, oui, y a, y a uh, une dérision aussi. Hein, euh... <laughs> ils, sont, ils ont payé de leur corps les gens qui ont fait ça. Voilà, ils ont des beaux tatouages de vaches. Ouais, eh, moi, mon préféré, c'est celui-là. <laughs> je trouve tellement mignon. Voilà, c'est Cariola bon, édition. Donc allez, ça c'est ce qui accompagnait le truc. Voilà. Je vous file le site. Il y a des, des, petites, euh, des, des petites, paillettes et des petits cœurs. Euh, c'est vrai. Ouais. C'est très soigné. C'est très soigné. <laughs> oui oui c'est bien et, et c'est beau en fait. Écoute hein. c'est pas mal. C'est une esthétique particulière c'est beau. Oh là là j'en ai mis plein par terre. Moi. Donc voilà Cariola. Il y a un à propos. C'est Cariola donc c'est un désir d'inventer collectif. Qui imagine l'édition comme une pratique collaborative. Donc, on est vraiment dans le, le fanzina pur et dur fanzine, argine, carnet de croquis, etc. Euh, Micro-édition, format court, accueil d'artistes, etc. Cariola se caractérise par une approche de la narration vulnérable et intime. Euh, Communautés marginalisées, personnes queer, personnes de couleur, sorcières, etc. pour transgresser les modes de publication traditionnellement exclusifs et discuter, documenter, explorer. Voilà. Médium social et formel, conscient des changements modernes dans la conception Après, de l'art. Je suis étonnée etc. que tu ne fasses pas un, un clip sur le, fait, le moment où on a dit vachier, vachier. <laughs> J'en étais sûre. Ça te ressemble trop, celui Comme c'est vilain. Alors, tu avais peur que les vaches te manquent en déménagement dans un pays de chèvres et de moutons. Mais il y a deux vaches quand même. Bon, bah écoute, super. c'est quoi comme vache Parce que moi, je me suis passionnée il n'y a pas longtemps sur les, euh, les races de vaches et je commence à en savoir pas mal. J'essaye de les apprendre par cœur. Et pour reconnaître les vaches que je vois ici dans la nature. Parce que mine de rien, il y en a plusieurs sortes. il <laughs> y a tout sur Vachier. Vous pouvez le... Ah non, le tirage est épuisé de Vachier. Ah, tant pis. C'était pas cher, oh. hein, c'était 6 balles. Ouais, c'était super. Vraiment, prix Franzine, Esprit Franzine. Euh... Ouais. Il y a un bouquin qu'ils ont sorti sur Nina Simone, mais c'est épuisé aussi. Ah oh, bah dis donc, ils vendent bien. Le bouquin consacré à Will Ferrell est épuisé. Bah alors, c'est quoi ce bordel On peut rien leur commander, tout est épuisé Bah, Cariola, qu'est-ce que vous foutez, Cariola Alors, je vous file le lien, même si, bah, du coup, vous en ferez pas grand-chose, parce que vous ne pourrez pas. « Te méfier des vaches », mais non, ce sont des, des êtres exquis. Bah, le les Doomer ne se méfie pas des vaches, mais des waches ah, des WASH Tu as raison de euh, te euh, méfier des WASH. Les WASH, oui. Avec les W, là. Mmh, c'est trop louche. Euh, donc, euh, ça, c'est des livres. Donc, je propose qu'on ouais. fasse une autre fois. Enfin, Un... on débat les spéciales bouquins ouais. la prochaine fois. Et heure. là, on... ce sera le dernier fanzine pour ce soir, les amis. là voilà, on arrive voilà. au bout. On ouais. arrive au bout avec quelque chose de très beau et de très intéressant. pour ouais. tout monde. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on finisse par ça. Bah ben oui, c'est bien. Parce en fait, c'est euh, la Bible du, du fanzine, ça. Oh, quasiment. C'est comment fabriquer ces fanzines. On vous a déjà montré euh, des faits et gestes. Ouais. Je crois euh, que euh, vous a montré des... C'est fabriqué par euh, l'imprimé populaire. Vous les connaissez un peu parce que c'est les gens du, du fanzinarium voilà. à Paris. Donc, et qui euh... publie des petits... Euh, on peut imprimer, justement, des petits fanzines qui t'apprennent à faire du tétrapak de l'impression, des impressions méconnues ou des... Euh, c'est vraiment la Bible du do-it-yourself, en fait. C'est ça, et avec vraiment une pensée très politique du fanzina. Oui, Donc ça, je vais hein. vous montrer un petit le, peu. C'est The Fanzine, quoi. Le site de l'imprimé populaire enfin, qui fanzina, est un truc important. faire. Enfin, The Esprit Fanzine. Plus, je ne sais plus en ce que c'est. Tu as envie de dire The, en tout cas. Oui, oui tu ça. veux dire The. The The. The. Alors, il bah, w, pourquoi il ne s'affiche pas le, le site des je imprimés populaires Je vais vous montrer une photo sur Discord, vous verrez comme elles sont jolies, les vaches de mon pays. Bah oui, comme et elles, tu elles nous sont jolies, les vaches de mon pays. Et tu nous dis quelle vache c'est Bon, alors, le site de l'imprimé populaire a décidé de nous péter les noix et de ne pas fonctionner ce soir. De la ah Bruxelles, quand même. Là, wesh. Bon, ben, dis donc, ça a mis du temps. Voilà, donc là, vous pouvez les contacter facilement. Ils font des ateliers, ils publient beaucoup de choses. Et sur le site, vous avez euh, tout sur FAIGES. Donc ça, c'est ce qu'on va vous montrer. Ouais. Nous, on va vous montrer le FAIGES numéro 3. Vous pouvez vous l'imprimer si vous n'avez pas euh, les moyens ouais. de vous afficher le euh, ouais. euh, Là, c'est le truc qu'on va vous montrer. L'imprimé populaire rend toujours possible la... le téléchargement en PDF de tout ce qu'il fabrique. Voilà, toujours. Donc, il y a vraiment une pensée politique derrière de, de partage, quoi. Et d'autonomie des moyens Et de production. d'autonomie, c'est-à-dire comment, même avec peu de moyens, on peut faire de l'impression, faire du fanzina... Euh... Avec euh... et puis aussi oui plein de, de méthodes oubliées d'impression. Donc ils en font l'histoire. Ici vous avez dans le menu histoire des outils et techniques. Donc, voilà. Très très intéressant d'aborder effectivement, euh, pour vous-même euh, cette histoire-là, et par la suite... Et on peut se réapproprier les choses. C'est ça, de vous emparer des moyens de production, puisqu'ils ont un grand... une grande section qui s'appelle Nos techniques, do it yourself, sérigraphie, gravure en creux, en boss, voilà. sandpaper, lithographie, donc vraiment... Et tout est imprimable, en petit fascicule, euh, libre. Voilà, tout est libre. Euh... Donc euh, c'est bien qu'on finisse là-dessus, on n'a pas fait exprès. Mais, euh... Vous avez con l'imprimerie, un des un des PDF qui vous permet euh, de tout savoir faire. Voilà, regardez-moi ça, c'est si pas merveilleux. Vous l'imprimer un petit fascicule euh, et on peut comprendre les différentes méthodes d'impression. Ça, je puis directement le lien d'ailleurs, parce que voilà. c'est trop bien. Ouais, je vous conseille carrément si vous avez envie de faire un petit truc même modeste. Euh... Ce sont des tarines. Ah, des tarines, mais magnifiques. Alors voilà, la, tout sur la gravure en creux, la gravure en boss, il y a des petits schémas qui vous expliquent De tout, tout bien. C'est la c'est la qu'elle préfère. <laughs> <laughs> Celle-là, elle vaut un petit ouais, ouais. <laughs> carambour. Voilà, donc là, vous savez tout. Euh, avec euh, les fanzines de, sur l'imprimé populaire, les imprimeries populaires, l'imprimé populaire, allez donc faire un petit saut euh, sur ce site. Bon, donc... Vous en avez déjà parlé, hein, parce oh, qu'on ouais. a dû vous en présenter déjà euh, au moins des petits fanzines imprimées. Hop, euh... voilà. Allez-y. Allez on va regarder celui-là qui est particulièrement parce que... beau et passionnant. Il est bien. Il faut le dire. Le papier est magnifique. Tout est. Enfin, il est super. Je pense que c'est la plus beau. C'est la plus belle publication. Ouais. C'est la plus soignée. Allez. Mais comme ils pensent à tout, ils en ont fait une version plus modeste, en noir et blanc, un plus petit format, qui permet donc à tout le monde de l'acquérir. Parce que c'était combien Je pense qu'on devrait faire ça nous aussi de temps en temps. De faire un... dans une version plus modeste pour que les gens puissent en avoir des versions cheap uniquement pour le contenu. C'est un truc à quoi on devrait réfléchir. C'est peu adapté à ce qu'on a produit jusqu'ici. Il y a peut-être un moyen de résoudre ce problème. Ben, moi, je sais que par exemple, j'avais envoyé, je ne sais plus à qui, euh, quelqu'un du Discord. Donc, j'avais donné à quelqu'un du Discord un trou sans couverture parce que j'en avais. Euh, donc, euh, juste avec le texte, quoi. Oui, on peut Et... voir, comme on peut le faire avec certains précarés, ouais, numéro, 14, qu numéro 14 hein. qu'on distribue. 14 qu'on distribue parce qu'on en a. Euh, euh, C'est vrai, on pourrait penser à ça des fois. Des trucs en noir et blanc, mais ce serait dommage parce qu'on travaille vraiment la Il euh... faudrait, faudrait y réfléchir. Ouais. Ça veut dire que ça doit devenir une pensée de certains types de fonds zin ouais. qui dans les deux. Euh, on y réfléchira. Ouais, allez. Donc je suis là, euh, comme souvent dans euh, bah, le principe de Phégesse, c'est d'aller interroger plein de praticiens sur leur pratique, euh, que ce soit sous un angle théorique ou que ce soit sur un angle euh, euh, également pratique. Soit on, une pensée sur la pratique, soit euh, ah, donc, en tant que théoricien euh, sur l'histoire des fanzines ou sur la façon de les fabriquer, soit en tant que praticien, euh, la façon dont on construit euh, ses propres fanzines, euh, dont on les pense, etc. Donc, Et ça, c'est un préciser tirage. Vous qu'il y a des tirages dedans. C'est ça. Sur d'autres papiers, il y a euh, des gravures de, avec différents procédés d'imprimerie. Ah, Celui-là est particulièrement beau. Ah, on dirait que ça, c'est une, une sérigraphie à la, gouache, à la gouache. Une sérigraphie à la gouache sur, euh, sur un, papier, euh... un papier pelure. Oui, c'est ça. Et donc avec un type qui travaille sur des, euh, des images de vieux jeux Nintendo, comme vous pouvez, il explique comment il fait. Quelque Sébastien de... Tourneux. Voilà. Euh... C'est passionnant, j'ai lu son ouais. truc, c'est passionnant. C'est tout à fait intéressant. C'est le truc qui est vraiment... très, il très beau, hein magnifique. C'est que les intervenants euh, ont tous et toutes des approches extrêmement différentes de... Euh de l'impression et de la pensée du fanzine, bon, il y a évidemment plein de points communs vous pouvez l'imaginer, c'est quand même, il y a un cadre à la fois politique et éditorial qui nous rassemble, il y a un truc sur les frottages et donc on a un, un vrai frottage. des ils sont allés faire des frottages euh, et, et, euh, et donc ils montrent, les... ils parlent des différentes techniques euh, de relever euh, et il y en a plusieurs frottages il y a celui-là, regardez comme il est beau il est magnifique ce frottage ouais. donc il y a deux techniques de frottage sur le même endroit, vous avez cette technique-là ils expliquent donc une technique à sec avec le crayon euh, posé comme ça euh, euh, à plat. Et là, c'est sur un papier mouillé et de l'encre. Donc c'était une pratique qui, était faite, qui, était, euh, qui avait lieu en Asie. On faisait comme ça, on, on gardait. Euh, en fait, il y avait des sortes de bibliothèques et tout était gravé dans la pierre. Et les gens venaient et ils, ils mouillaient le papier, ils tamponnaient avec de l'encre pour amener le, les, les textes chez eux. C'était une sorte de bibliothèque où tu te servais comme ça. Donc tout est raconté là-dedans. C'est passionnant. Et ils racontent comment ils ont déchiré les trucs parce qu'il y avait du vent. Enfin toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées à faire ça aussi. Donc c'est passionnant. Et là il y a cinq questions à elle, elle de mars et c'est deux trogues. On est dedans. Oui, c'est nous. C'est nous. Oui. C'est nous qu'on est là. <laughs> Donc voilà, je ne sais pas quelles questions ils nous ont posées. Alors on est très, de on est très content de pouvoir répondre oh, euh, voilà. en long, en large et en travers. On notera quand même que PCCBA, c'est surtout C'est de Trogol, ouais. hein, qui, qui est partout. Non, on... mais c'est un choix qu'a fait Laurent. On il est mis le qu Regardez de comment elle travaille. Regardez comment <laughs> elle travail. travaille. Alors qu'on vous a dit en début de live que j'avais fait aucun des derniers livres. Et l'âme de l'ombre est à l'ombre. Ouais. On ne voit pas ma tête, je ne sais pas. On voit dans pas ta noir. tête. Voilà. Donc, on a une bande dessinée euh, pour euh, comment euh, sur euh, fait euh, pour euh, conclure. Je crois que c'est la dernière chose. Ah non, il y a des trucs sur les ah, pochoirs à, à la fois. Voilà. Il est très très riche. Non, hein. il est passionnant. Moi, je n'ai pas lu tous les articles. Y a lu, euh, un, euh, sur les, même... un article de Samuel Etienne. Ouais. Un de Maël Ranou, donc des gens que vous connaissez puisqu'ils ont été reçus ici euh, plusieurs fois. Ah oui, il a fait un euh... truc sur un type qui, fait, qui a fait toute sa vie une, une bande dessinée euh, 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 chrétienne très limite, mais qu'il a distribué comme ça pendant des années, des années, des années. Mais le truc de Maël, ça, Ah ouais, mais, mais j'avais suivi une conférence en ligne là-dessus, c'est son grand truc. Voilà, c'est ça. Publié pour euh, diffuser la parole. C'est un Et qui donc, est, Jack est, euh... chic, voilà. voilà. C'est une des spécialités de Mael, la, la, la bande dessinée chrétienne, quoi. C'est passionnant. Moi, je trouve. Ça euh, passionnant. De Religieuse, d'une façon générale, oui, oui. ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Et vous allez retrouver un autre. Comme moyen de, pro de propagation de, de Notre une, une autre personne que vous avez rencontrée sur la chaîne, c'est Isabelle Lejean, qui était venue voilà. nous parler de la scène québécoise d'usine. Ben, là, il y a il un écrit, a écrit sur, gros, de sur une de ses spécialités, le fandom américain des années 30, donc de ah. parler. Euh, un truc dont ils cause souvent en conférence. Oui. Et ben là, il y a plein de choses. Ça rejoint beaucoup ce dont on parle quand on live sur mes lives sur l'histoire de la bande dessinée. Vous allez voir qu'il y a toute une construction de la littérature populaire dans les années 30 qui a quelque chose à dire aussi en regard de cette histoire de la publication industrielle. industriels de la, de la science-fiction. Voilà. C'est euh... <laughs> les fondamentaux. Ça commence voilà. dans la SF. Quoi. Donc, sur les fonds universitaires, par Samuel, bah, Etienne. Samuel Etienne, voilà. Donc, donc, globalement, tout ça est il ah, y, de... y a un, 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 un article passionnant sur ces euh, euh, papiers là vous, vous, comment ça s'appelle Toshogu ouais. Le Temple Veno Kotoshogu, des désimpr... des imprimés dans la piété populaire au Japon. Et donc euh, sur ces petits papiers, vous savez qu'on accroche euh, euh, c'est ça. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Une espèce d'expérience d'imprimerie de votive populaire. Ouais. Euh, sur des râteliers gigantesques. Donc, il y, y a un long article sur une expérience. Et puis, il bah, y a des œuvres originales dedans, euh, des impressions. Donc, ça c'est génial. Très beau. C'est très beau. Et c'était combien Est-ce que tu as un souvenir euh, Alors, je combien sais ça plus. C'était assez modeste. Donc, il y a toujours une personne qui modeste. Et puis, vous pouvez aussi télécharger. Alors, vous n'aurez pas les impressions, évidemment. Si et euh... puis, on... Comment si on s'en tient à... alors, Je sais pas si le menu permet d'acheter les, les in ou pas. Fait geste, hein Voyons ça. Est-ce que le numéro 3 peut être acquis Et si oui, est-ce que c'est sous toutes les formes Je crains que le, le numéro en couleur soit, euh, soit épuisé. En fait, ils n'en ont pas tiré beaucoup. Parce que, de toute façon, les procédés d'impression sont vraiment très. Euh, <laughs> comment euh... ah, Samuel Etienne, Étienne <laughs> Elle est, est bonne. Pas des Ce n'est pas de la sérigraphie. Enfin, la... Ça, ça doit être une, un tirage numérique, je pense. Mais à l'intérieur, il y a la, la sérigraphie sur gouache. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est un matériau rétif. Il y a de la, du frottage, donc ils ne faut en faire 3000. C'est ça. Il y a des œuvres. Euh, Alors il y a le PDF en ligne. Voilà. Là. Donc, donc euh, on peut avoir le PDF. Vous pouvez lire toutes ces choses passionnantes. La oui, version imprimable A5 est disponible sur simple demande. Et l'autre, non, on la trouve dans les salons, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut pas l'acheter. C'est euh... de la RISO, la couverture. Là. Ah, c'est quand même de la RISO. Okay, D'accord. Pourtant, elle est. Euh... C'est marrant, il n'y a bah pas de papier. C'est le papier qui est assez étrange. Bah, hein. Parce que ça, normalement, la rizot, quand tu frottes, ça s'en va. Ça reste un peu sur les doigts d'habitude. Ben bah hein. oui, là, ça ne reste pas sur les doigts. Et là, ça va alors Comment ça se fait C'est un scandale. Ils ont, ils ont mis un truc pelliculé comme notre faute de reflux. <laughs> non, je ne crois pas que, que, que ce soit pelliculé. C'est bizarre. Pourquoi voilà. En tout cas, euh, je ne sais plus combien tu l'as payé. Ou ben on te l'a donné comme on a Ah, on a participé, c'est notre exemplaire gratuit. Bah, bah, oui, ben, donc, je ne sais pas combien, le pas combien ça vaut. Donc, à combien ça se coûte Mais le, le numéro A5 était peu cher. Quentin, qui n'est plus là, puisqu'il a dû rentrer se coucher, euh, doit le savoir, puisqu'il était à l'inauguration du Fagesse numéro 3 au Fonzenarium à Paris. Voilà. Alors, d'ailleurs, est-ce que j'ai l'adresse du Fonzenarium Si je ne l'ai pas, il faudrait que je vous la file. Euh... En tout cas, euh, si vous voulez vous si vous vous intéressez aux fanzines euh, ou aux méthodes d'impression, euh, ou si vous voulez vous y mettre, il faut vraiment aller faire un tour voilà. sur, sur leur site. Quoi, et vous et pouvez rencontrer des trucs. ces gens. Voilà, Fanzinarium, je vous file l'adresse. Ou aller sur place même. Hein. Aller sur place, évidemment, ouais. c'est ce que je dis, vous pouvez ouais. rencontrer ces gens. Ouais. Euh... Il y a des ateliers, il y a des. Euh... Voilà, Bibliothèque associative de fanzines, 48 rue des Vignoles. Paris 20e. Voilà, c'est dans le 20e. Voilà. Allez-y euh, et rencontrez-les, ils sont adorables. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, on l'a fait cette soirée. Bon, on l'a fait. On vous a montré. Il reste des trucs, mais c'est des livres, ce n'est pas vraiment défensif. Non, ce n'est pas, pas vraiment défensif, donc ouais. on fera ça une autre fois. Ouais. Voilà. voilà, la caisse n'est pas complètement vide, mais ce n'est pas grave. On a montré tout sinon, hein. ouais, je crois. On a bien, euh, bien travaillé. Voilà, vous savez tout, vous avez tout vu. Euh, C'est à côté de chez toi, dans la... bah, tu vas y aller alors, forcément, tu vas aller les voir. Euh, Est-ce qu'il y a des gens à raider euh, Il se passe quoi en ligne euh, Alors, voyons ça. Qui serait raidable à cette heure ci <laughs> Qu'est-ce que tu fais penser quand ça te Mais rien. Je pense non, est... mais je même pas dit fanzine, j'ai dit méthode d'impression. Je... Si vous êtes sur cette chaîne, vous vous intéressez un petit peu aux méthodes d'impression. Allez, ça vous intéresse. Regardez cette beauté. Il ne voulait pas montrer beaucoup, Laurent, mais ce truc pixelisé là, ce truc là, c'est sur un papier, euh, c'est d'une luminosité. C'est de rien, Thomas papier et Angèle. Nacré. Hein. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Alors, alors que Donc, préniche. il explique comment il fait ça, c'est très compliqué, hein, parce qu'il faut qu'il génère les photos et qu'il, dé... après, euh, qu'il. Euh, euh, voilà, qu'il. Qu bon... euh, qu euh, comment dire par les plans. Euh... Ah ouais, vraiment, il y a. Super. Et le frottage est très beau aussi, enfin bref.